Bonsoir tout le monde, comment ça va Alors, Il y a pas mal de monde là, ça fait plaisir. Salut Arnaud, Vincent, Musashi, salut à vous, il y a Seb, il y a Matojora, Ligmili, J. et il y a un autre Seb encore. Salut Boris, bienvenue à tous. Salut Stickies. Wow, ça fait plaisir, vous êtes tous au rendez-vous, c'est cool, c'est cool. En plus, je revois plein de, de têtes connues à chaque fois, ça, ça fait plaisir. Goops, je, je crois que je n'ai pas eu l'occasion encore de, de voir sur le chat. Bienvenue à toi, donc euh, voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, là, vous le voyez, je suis toujours dans l'autre pièce, j'ai pas encore eu le temps de déménager puisque je prépare toujours la, la pièce à manga. Les, les Patreons ont des petites photos en exclusivité de l'avancée de l'évolution de, de la pièce. Et, euh, et donc là, normalement, le prochain live, je devrais y être. Hein. Donc euh, là, c'est le dernier avec ces beaux rideaux euh, qui me servent de, de cache-misère. <laughs> salut, Gracia. Salut, Ox. Bienvenue à vous. C'est la première fois que je vous vois. Donc ça fait plaisir. Merci d'écrire. <coughs> euh, la femme coupée en deux. Ah oui, <laughs> avec les rideaux de magicien. Ça y est. J'ai aimé de comprendre. En plus, il y en a deux rideaux. Hein. <laughs> On peut le faire. On voit moins les boîtes de chaussures. Alors attends, on peut les voir parce que là, si vous remarquez, euh, j'ai pas le même angle de caméra. Et normalement, l'image, elle est mieux qu'avant. Donc, euh, puisque là, j'ai commencé à améliorer un petit peu mon, mon setup. Je vais l'améliorer encore un petit peu. Mais maintenant, je peux même faire ça. allez, hop. Et là, tu les vois les boîtes à chaussures. Là. Hop là, ici, de l'autre côté. Tu les vois, elles y sont. <laughs> allez, puis je reviens normal. Donc là, c'est bon. Mais il euh, n'y aura plus... Il n'y aura plus de boîte à chaussures dans la prochaine, dans la prochaine pièce. Donc euh, euh, voilà. Et eh bien écoute, Goop, ça fait plaisir si tu, euh, si tu, tu fais partie de la, cette majorité silencieuse. Donc c'est cool que tu t'exprimes, merci. Donc euh, salut Zeno, salut Ildor. Donc oui, c'est beau la technologie, comme tu vois. Hein. Salut Maxi Matos, bienvenue à toi. Donc voilà, donc bon, mais là on va, on va pas tarder à commencer, vous connaissez le principe, hein? on, va, on va continuer à explorer la Mangatech, puisque le mois dernier j'avais dû annuler à cause de mon œil. Euh, donc là, cette fois, il n'y a pas eu d'imprévu, on va dire. J'aurais aimé le faire dans l'autre pièce, mais je n'ai pas eu le temps. Il y a eu pas mal, de, pas, mal de travaux. Enfin, pas mal de travaux. Ça a demandé pas mal de temps pour faire ça bien, donc du coup, je préfère prendre le temps et je déménagerai ça tranquillement euh, la semaine prochaine ou, ou, ou être certainement la semaine prochaine. Donc, euh, donc voilà. Salut Prochaine Danio euh... <laughs> non voilà, donc euh, la dernière fois, on s'était arrêté euh, donc à la Mangatech numéro 6 et on n'avait pas fini la Mangatech numéro 6. Je ne sais pas si on va la finir ce soir parce que euh, là, j'ai sorti tous mes livres. Il y a deux rangées et vous voyez, il y a quand même du monde ici. Et, euh, et donc, je ne sais pas si on verra tout ce soir. Salut Nico Eh oui, je suis le maître des cabas, vous l'avez vu. Hein. J'avais 23 sacs en tout. Et, euh, et j'ai dû en mettre un paquet parce que j'ai dû transporter 70 sacs cabas. Mais honnêtement, si un jour vous déménagez vos mangas, prenez des sacs cabas. Hein. C'est bien mieux que les cartons. C'est beaucoup plus facile et limite on en met plus. Donc voilà, c'est le petit conseil euh, voilà, de, de, de l'expérience du déménagement euh, de 3000 mangas. Donc voilà. Euh, alors, rapidement pour rappel, euh, on avait euh, toc ici. Euh, voilà, j'ai partagé, là, je vais vous le repartager, mais il y a mon Linktree euh, où vous pouvez... Euh, naturellement euh, me suivre sur tous les réseaux et aussi ben, me soutenir euh, si vous le souhaitez. Vous avez des liens dans la description pour ça, que ce soit sur Patreon, que ce soit sur euh, des achats euh, avec des liens partenaires, etc. Euh, ça ne vous coûte pas plus cher avec ces liens et euh, ça aide la chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description euh, de ce côté-là. Et, euh, et les Patreons ont, eu, euh, ont même eu droit à leur live privé. Il a duré 4 heures hein, le live. On a, on a fini tard. Hein. Donc, euh, mais c'était cool. C'était très cool. Euh, donc voilà, oui, mais les sacs, tu les, tu les récupères, tu les demandes à tes amis, là, euh, donnez-moi tous vos sacs, et puis après, euh, tu les rends une fois que tu as déménagé. Donc voilà, il faut faire ça en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais récupéré plein, plein, plein de sacs, je n'en ai pas acheté un seul, et puis après, j'en ai, j'ai tout redonné. Euh, donc voilà, euh, alors, alors, on va aller un petit peu sur la chaîne, on va regarder la, là où on en était au niveau euh, de la. Comment dire au niveau de la mangatech, donc c'est bon. Vous vous rappelez où on était exactement? Alors, hop là, donc on était à la 6, puisqu'on a fait la 5 seulement, et là on était en plein à la 6. On arrivait vers la fin, puisque la dernière fois, si je ne me trompe pas, voilà, on s'était arrêté à Dr. Slump. Et maintenant, on va continuer euh, toute cette étagère. Et là, on va commencer à arriver vers la partie un petit peu euh, Gekiga. Enfin, euh, Gekiga. Et, euh, et après, on va avoir des Leroguro. Euh, voilà, des, des petites choses comme ça. Donc, euh, ça va être ça va être plutôt cool ce soir. Par contre, là, ce soir, euh, ça sera des sujets déjà un peu plus... Euh, euh, moins de 18. Hein, donc, euh, interdit au moins de 18. Donc, voilà. Soyez prévenus. Hein, il y aura des... Euh, C'est des mangas assez trash. Hein, je préviens. Donc, euh, donc voilà. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires là. Euh, salut Tic Tac, bienvenue à toi. Donc Team Patreon, Boris, un fidèle sur Patreon. Il y en a plein ce soir des Patreons, ça fait plaisir. Sirois Lamante, tu viens juste de découvrir la chaîne euh, avec le fils de bulle. Mais salut à toi à la Lamante, bienvenue. Donc, euh, donc oui, tout à fait, oui, j'avais fait une interview avec le fils de bulle. Donc ça c'était très cool. Est, il est très très sympa. Euh, donc du coup, euh, c'était un, un, un bon moment. Euh, oui, il y a eu beaucoup de, de, de Patreon avec euh, avec des barbes. <laughs> donc voilà. Alors, allez, je propose qu'on commence. Comme ça, on perd pas de temps. Il y aura beaucoup, beaucoup de euh, beaucoup de trucs. Euh, donc le concept, hein, vous vous rappelez Je vous montre un petit peu ce que j'ai dans ma bibliothèque, de ce que je vous dis, ce que je me rappelle, et je vous montre un petit peu les images. Et puis je vous dis là comment, euh, comment j'ai connu euh, tout ça. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on a On va attaquer effectivement euh, cette bibliothèque-là. Alors on a, euh, on a deux. J'ai deux étagères. Enfin, j'ai deux, euh, deux rangées. Et euh, je crois qu'il y avait des choses qu'on avait déjà vues la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, normalement, si je ne me trompe pas, qui ça rappelle On avait déjà vu celui-ci. Toc. Black Blizzard de Tatsumi. Est-ce que vous vous rappelez de celui-ci Dites-moi. Je vous le remontre vite fait si vous voulez, mais je crois qu'on en avait parlé normalement. Parce que quand on avait fait tout Tatsumi, on avait parlé de tous les euh, tous les manga de Tatsumi, je crois. J'avais pioché un petit peu pour qu'on puisse... Euh, euh, histoire de ne pas revenir dessus. Puisque j'en ai deux de Tatsumi. Hop Voilà, et j'avais celui-ci aussi. Je crois que celui-ci, on en avait parlé. Fallenboard. Donc, euh, je crois. Je ne vais pas revérifier maintenant. Euh, mais à la limite, c'est y en a un qui, qui, euh, qui a le temps qui regarde. Normalement, on en avait parlé. Donc, pour l'instant, je les mets de côté. Puisque ça, il faudra aller voir la, la mangatech, l'ancienne. Euh, là où on avait fait vraiment le haut de la mangatech. Puisque j'avais dû en parler à ce moment-là. Donc, voilà, ça c'est fait. Ouais ça, ça va vite hein. <laughs> ça va très vite avec moi hop allez on va bien mettre le setup donc euh, le premier qu'on va auquel on va parler euh, ben on va on va les faire dans l'ordre hein. je pense que c'est le mieux hein. on va pas s'embêter allez je vais l'ouvrir alors j'ai euh, l'envol je l'ai prêté mais euh, le manga qui est après donc c'est à dire the sky is blue with a single cloud eh ben, c'est la même autrice en fait c'est la même autrice et il faut savoir que l'envol est plus complet donc je me suis dit, c'est pas grave de l'avoir prêté puisque je pourrais vous montrer les images euh, avec ça donc voilà bonsoir docteur gonzo bienvenue <laughs> merci Vincent je sais pas si c'est très vendeur de, 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 de dire que je vais faire en live avec 1200 fichiers excel mais ben, en tout cas merci <laughs> hop là Allez, je l'ouvre. Comme c'est une édition qui n'est pas plastifiée mais cartonnée. Du coup, à chaque fois, je les protège. Alors, Kuniko Tsurada, euh, une, une habituée euh, du magazine Garo. D'accord, donc euh, Garo, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce magazine, hein, c'était un magazine qui a été fait en 1974 si je me trompe pas, euh, qui a su euh, euh, comment dire, proposer des œuvres différentes, alternatives, et qui a su euh, justement essayer de donner une, une porte ouverte de créativité à des auteurs euh, pour sortir un petit peu des, des, des mangas un peu trop euh, conformes euh, et un peu plus expérimentales. Donc il y a eu une exposition Garot euh, il n'y a pas longtemps, ce qui je, je vous invite à à aller voir mon live dessus puisque j'avais fait un bon moment euh, dessus. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc du coup, voilà, ça c'est le magazine Garo. Et en fait, dans le magazine Garo, il y a, il y a, il y a des autrices, et euh, notamment euh, Kuniko Tsurita, qui euh, bah, est un petit peu invisibilisée, et euh, deux éditeurs l'ont mis en avant, c'est-à-dire il y a donc euh, Draw, Draw et Quaterly, et euh, Atrabile. Donc voilà, donc là je vous montre l'édition anglaise, mais sachez que l'édition française est plus complète au niveau des histoires, il y a plus d'histoires, et toutes les histoires de la version anglaise se retrouvent dans la version française. Donc clairement il vaut mieux prendre la version euh, française. Mais euh, si vous adorez l'autrice et que vous voulez aller un peu plus loin, il y a déjà un excellent dossier en fin de, en fin de tome euh, au niveau français, mais il y a aussi un autre excellent dossier euh, ici, hop là dans cette, euh, cette édition-là. Donc, faut pas hésiter. Donc, euh, voilà. Euh, et oui, effectivement, il y a aussi la, la conférence qui est très intéressante. Euh, ça peut être une très, très bonne porte d'entrée pour découvrir le magazine Garo. Euh, ben, du coup, Surita, qui a lu L'envol le, dans, dans le chat. Donc, moi, je ne peux que vous conseiller de lire l'envol. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment, vraiment plu. Et en fait, Surita, elle a cette... Euh, euh, cette capacité en fait à proposer des, des histoires qui étaient assez avant-gardistes et même, même pour le magazine Garo euh, je crois, que je ne sais plus si c'est dans le français ou l'anglais qu'il explique que même pour, pour ce magazine-là qui se voulait ouvert c'était encore euh, c'est un peu trop en avant son temps. et donc ce qui est pas mal avec là c'est que alors, vous voyez dans, dans le style graphique euh, dans le style graphique c'est vraiment dans l'époque et ce qui était, euh, moi j'adore les histoires, franchement j'ai adoré. Et il y a beaucoup de thématiques dedans en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thématiques sur euh, que ce soit sur le, 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 le féminisme, sur, le, le, sur les, les révoltes étudiantes, euh, sur tout ce qui est les relations sexuelles euh, plus libres on va dire. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce, ce recueil. On sent un peu vraiment le, le un vent de liberté en fait à l'intérieur. Donc euh, donc du coup moi j'avais beaucoup aimé ce, ce recueil d'histoire et c'est un recueil d'histoire qui est chronologique. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai je, je vraiment adoré le, le recueil. Là on voit là ça, c'est des grèves étudiantes de l'époque. Voilà, des fois voilà, il y a des trucs expérimentaux. Ma femme est une acrobate. Donc voilà, là on est, on est dans le pur geekiga de l'époque, hein, clairement. Hein. Donc voilà, ça, 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 se, ça se savoure, ça se picore. Alors, effectivement, Matajora, c'est assez inégal. En fait, c'est qu'il y a des histoires de, de, de tout âge et tout type, et surtout avec des sujets très, très différents. Donc, euh, voilà, moi, c'est une, une œuvre, je me suis laissé euh, emporter par, euh, par l'œuvre. Euh, voilà, des fois, il y a des sortes de contes, comme on peut voir ici. Hop, là. Des sortes de contes. Donc voilà, j'aime ai, beaucoup... Euh... Donc si vous voulez découvrir euh, justement euh, du Gekiga, et version euh, euh, féminin et du féminin assez engagé, eh c'est une très très bonne porte d'entrée. Et euh, je trouve que c'est vraiment excellent. Donc voilà, moi je recommande vraiment l'envol. Donc ça c'est plutôt, euh, plutôt cool. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi changé le, la, la caméra. C'est plus la même. Et, euh, et là, voilà, j'ai un autre. Normalement, vous devriez mieux voir les images euh, maintenant avec cette nouvelle caméra. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Puisqu'on avait fait quelques essais avec les, avec les Patreons euh, là-dessus, ça, ça rendait plutôt pas mal. Mais là, on peut vraiment le tester en live. Voilà. Qui s'intéresse du coup, euh, l'envol En tout cas, moi, ça a été vraiment une, une belle découverte. Je suis très très content. Et je l'avais acheté, bon, je l'ai acheté parce que déjà, c'était du gekiga tout ça. Mais aussi parce qu'à la base, c'était Ryan Holberg qui l'avait édité. En anglais et euh, du coup j'avais euh, euh, je, je, généralement j'essaie de tout acheter ce qui sort parce que c'est toujours intéressant et, euh, et quand ils en sorti en français ben du coup je les rachetais en français donc voilà donc c'est que des histoires courtes alors euh, je pense pas qu'elle ait fait de séries parce que elle est morte assez jeune et euh, et je pense qu'elle a vraiment fait que les histoires courtes euh, de dangaro alors s'il y a s'il y a euh, comment dire des, des séries en tout cas elles ont pas été publiées en France et elles n'ont pas été mentionnées à ma connaissance, elles n'ont pas été mentionnées. Donc voilà. Alors, vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Là, je, je vous dis un petit peu euh, comme ça vient. Euh, on continue toujours dans ce thème euh, Gekiga. C'est un poil différent. S'appelle... C'est très récent. C'est Tokyo Blues chez les Arts Noirs. Ça, il y a des grandes chances que vous l'ayez déjà plus lu. Euh, puisque c'est plus... Euh, c'est plus accessible puisque c'est chez les arts noirs. Et en fait, c'est récent, donc ce n'est pas vraiment du Gekiga, c'est ce qu'on pourrait appeler bêtement du Néo Gekiga, si on voulait, puisque le Gekiga aujourd'hui n'existe plus vraiment. Et, euh, et donc, du coup, c'était vraiment une période. Hein. Et euh, donc, là, c'est du Néo Gekiga, on pourrait l'appeler comme ça. Donc, l'auteur, euh, l'auteur qui, euh, qui a travaillé avec un autre auteur hyper connu. Euh, euh, Laisse-moi regarder. Euh. Il, je crois qu'il a été l'assistant. Il est l'assistant d'un autre auteur hyper connu. Qui sait qui ça rappelle? Katsu. Euh, manga News, on va regarder. Ah voilà, il a été l'assistant la, sur Singo. Voilà, c'est ça. Donc Sengo, un manga que je, je kiffe. Et en fait, voilà, c'est ça. Il a été l'assistant sur Sengo de Sansuke Yamada. C'est bien ce que je me disais, en fait. Euh, je suis en train de regarder, là, sur le... Je ne vous ai pas coupé le truc, mais je en train de regarder euh, en live. Euh, donc, Tokyo Blues, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est spécial. Hein. Attention, hein. c'est très spécial. Et, euh, et là-dessus, euh, c'est vraiment un hommage, en fait, au, au Gekiga euh, de l'époque. Et c'est assez étonnant, parce que la première histoire... Hop là. Hop là, là. Euh, c'est non là c'est illustration voilà la première histoire ici donc ouais on voyez ça reprend vraiment le style le style gekiga de cette époque-là des Shinichi des Tougué euh, des, euh, des, des des personnages enfin euh, des mangaka très connus comme ça à l'époque mais c'est moderne en fait, c'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs, il y a des portables, il euh, y a des choses comme ça. Donc ça fait ça fait un peu bizarre de dire ça au début parce qu'on est tellement habitué à avoir du Gekiga des années 70 où il n'y a pas de technologie que quand on en voit, bah, du coup ça c'est là où ça rappelle que c'est une sorte de congé de, de Neo-Gekiga. Et, euh, et donc c'est des histoires euh, euh, c'est des histoires courtes aussi, pareil. Euh, c'est une compilation. Moi j'ai ai beaucoup aimé perso aussi euh, ce, ce, ce recueil. Quand je l'ai lu, je crois que j'avais fait une critique sur, euh, sur Insta. Je regarde. Mais euh, je crois que j'avais fait une critique dessus. Il est où là Il est là. Je suis en train de regarder hein, si, je, si je la trouve vite fait. Parce qu'à à chaque fois, je dis ça et puis à chaque fois, je passe un quart d'heure à trouver ma critique. Euh... Hop. Non, bol. Là... Ah voilà, j'avais fait une critique, c'est ça. Je vais vous partager l'écran. Et... Voilà, je vous invite à la, à la, à la, à la checker. C'était le, le 24 septembre 2021. Et voilà, je disais, hein, c'est que... Alors, toc. Euh, ce que je disais, voilà, je vais vous mettre le, le truc, mais je vais vous relire un petit peu ce que je disais à l'époque, parce que bah, autant, autant en profiter. Je, je recycle un petit peu. Donc voilà, c'est donc vraiment un hommage visuel à Tougay ou à Beshinichi. On va en parler justement de, on a parlé de Tsugui la dernière fois déjà et on va parler de Shin, Abe Shinichi euh, tout à l'heure et, euh, et donc c'est vraiment voilà un, un amour de son amour pour le magazine Garo et cette époque là quoi. Et, euh, et on voit que c'est un connaisseur quoi on voit qu'il est fan euh, il respecte bien les codes euh, voilà on, honnêtement s'il n'y avait pas eu ces histoires de technologie euh, tu m'aurais donné ça en main en me disant ben bah, voilà c'est un auteur des années 70, 10, euh, il fait du gekiga euh, bah, je, je je t'aurais dit ok ok j'aurais pas vu le, le subterfuge dedans quoi, clairement hein. donc je trouvais que l'exercice était plutôt bien, euh, bien exécuté et ça faisait plaisir en fait, de, de, de retrouver un peu ces histoires euh, des histoires modernes en fait euh, mes versions gekiga c'est un peu ça donc moi je vous le conseille aussi pareil moi j'ai ai beaucoup aimé mais euh, pareil c'est spécial voilà c'est assez spécial ça peut ne pas plaire hein, clairement Là, on sort un peu de sa zone de confort euh, en termes de lecture. Donc, je vous montre. Il euh, y avait une histoire dedans, par contre, qui m'avait énormément plu. Euh, c'est celui-ci c'est l'histoire de Fujio Akatsuka, vous savez, le comique euh, japonais, euh, enfin, qui fait du, du manga comique, hein, le roi du manga comique. Et, euh, et ça raconte, en fait, ses souvenirs. Et, euh, et c'est tiré de son livre, en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce, ce passage-là. On en apprend pas mal sur, les, sur ce qu'ils ont vécu euh, petit et tout. Et quand on voit ce qu'ils ont vécu, euh, voilà, c'est. Euh, lui, il est vraiment parti dans l'opposé en mode euh, maintenant je, je veux m'amuser dans la vie, quoi. Donc c'est très. Euh, très, très euh, elle m'avait touché cette histoire. Et à la fin, par contre, il y a une histoire. Voilà, c'est celle-là, Tokyo Blues qui s'appelle, normalement. Et ça, c'est une. Voilà, Discord, pardon. Euh, c'est celle-là non c'est celle-là ouais pardon hop ouais c'est celle-ci et en fait là c'est une histoire à lui plus moderne voilà graphiquement on voit la différence voilà là, on, on voit qu'il est sorti du, du gekiga il a fait quelque chose de euh, à sa sauce alors ce qui est cool c'est qu'il y a des interviews et tout de lui dedans et en plus on apprend que c'est un très très gros fan euh, de... comment s'appelle... de... de Cachion. Donc ces vieux mangas là, ou des Akaon là, ces vieux mangas, la couverture rouge ou de l'époque, il en a énormément. Et d'ailleurs, euh, sur un, un des atomes, il est interviewé et c'est lui qui montre sa collection euh, en photo et tout ça, euh, qui, qui prête des livres. Donc c'est euh, voilà, un mec, il est vraiment passionné de, de, de vieux mangas et tout, et ça se ressent dans son amour pour ça. Donc ceux qui aiment le Gekiga, tout ce qui aime ce, ce, cette ce vibe-là, euh, je pense que vous allez vraiment apprécier euh, euh, ce, ce Tokyo Blues. Voilà, donc ça je peux que vous le conseiller. Allez, pareil, si, euh, si vous l'avez lu ou quoi, dites-le dans le chat. Si pareil, ça vous a marqué ou quoi, il faut pas hésiter. quoi. Je vois que Brochette c'était dans sa liste, Boris aussi. Shield euh... list. Ok. Euh... Et après... Et salut Loli. Bienvenue à toi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait ensuite euh, Parce que là, pour l'instant, comme c'est beaucoup de one-shot, tout ça, je les découvert un petit peu au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire que le premier l'envol, comme je disais, c'était Ryan Holberg. Je l'ai... Je l'ai... Euh, je l'avais déc... enfin, acheté euh, sans réfléchir. Et Tokyo Blues, bah, à la fois, c'était sorti bah, au Lézard Noir. Au Lézard Noir, vous savez que j'ai plus tendance à aller vers cet éditeur facilement, puisqu'il sort du contenu qui, euh, qui m'interpelle plus. Et euh, en plus, sachant que c'était du Gikiga, euh, j'ai dit, bah, on, y, on y va, ça, il n'y a, a pas de souci. Alors, on va enchaîner. Salut Dorothée et salut uh, Scrim, bienvenue à vous. Bon, c'est cool, je vois qu'il y a Chulo Papy, euh, que j'avais Ah, Chulo, je t'avais rencontré en Goulême, toi. Et euh, Nico qui l'ont lu, qui ont trouvé ça très intéressant, c'est cool. Donc, manga ABR, salut à toi. Alors, qui a lu celui-ci Chez IMHO. Alors, j'ai vraiment un rayon IMHO qui est dans une autre manga tech. Quand on va explorer ça, c'est aussi pareil, c'est des, des mangas euh, assez indé, euh, assez euh, spéciaux. J'aurais pu le laisser dans la bibliothèque IMHO, ma mais comme à l'époque où j'ai pris la photo, donc cette photo-là, hein, euh, sur les bibliothèques, je vais respecter cet ordre-là. Et à la limite, je peux en rajouter si euh, c'est des nouveautés. Mais par contre, euh, je vais essayer de respecter cet ordre. Donc même si les choses ne sont pas très bien rangées, euh, bon, vous savez, moi, le rangement, c'est tant que je retrouve mes petits, je suis content. Après, je fais des catégories, je, je, je disperse mes mangas au travers de ma, ma bibliothèque. Euh, qui a lu Tokyo Zombie Tokyo Zombie euh, il faut savoir qu'il y a un film, alors moi je l'avais lu il y a longtemps, Tokyo Zombie, pareil, ça, ça fait partie des titres. Quand je vais vous montrer les images, c'est clairement pas euh, un truc que si vous feuilletez ça en magasin, vous l'achetez pas. Je vous montre juste une page au hasard. Vous voyez la gueule euh, des dessins, ok et, euh, et en fait, euh, je l'avais lu il y a longtemps, et quand je l'ai lu, mais je me suis marré, c'est totalement absurde. Et il y a un film live qui est sorti, j'ai voulu le voir, ce film. Et, euh, et euh, du coup, je l'ai relu, mais je l'ai relu tellement en vitesse euh, que je ne l'ai pas apprécié parce que je l'ai lu trop vite. Donc je me suis je vais me le re-relire tranquillement parce que c'est vraiment un manga qui est excellent. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai voulu voir le film live, euh, j'étais dans mon ancienne maison, là. Et, euh, et euh, du coup, j'étais en train de... Y il avait, y avait des paysagistes là, qui étaient en train de, 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 de faire le jardin. Et, euh, et le truc là, c'est que je mets ça sur la télé parce que ben, j'étais à la maison, euh, euh, je travaillais pas. Et, euh, et là, je vois une scène où à un moment, il, lui, il, y, a, il y a un mec qui prend genre un gosse, il baisse le pantalon, il lui fout la PC. Ça, sur un écran énorme avec les mecs qui travaillent autour. J'ai fait Oh mon Dieu! Or, du coup, j'ai mis pause, j'ai arrêté immédiatement le film. Je me suis dit, Mon Dieu, s'il me sert en train de regarder ça, ils vont me prendre pour un taré. Et du coup, j'ai jamais vu le film live. Je ne me suis jamais reposé. Mais alors, voilà, c'était le... C'était... Euh, je me suis... Le manga et le film, ils sont assez incroyables, quoi. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors, ça, c'était, bah, je crois, ma première expérience avec le, euh, ce qu'on appelle le Eta Uma. Euh, le Eta Uma. Est-ce que vous voyez ce que c'est Exactement, on l'a évoqué dans Bunko euh, pour un autre titre que, auquel je vais parler juste après, un titre que j'ai uniquement en numérique. D'ailleurs, je vais l'ouvrir, je vais en profiter maintenant et le télécharger euh, pendant qu'on fait celui-ci. Ah ben parfait, il est. Hop. Euh... Voilà. Comme ça, on va le, on va le, le lire juste après impeccable c'est bon, j'ai compris impeccable hop là je le ferai juste après alors euh, donc celui-ci Tokyo Zombie alors l'etauma qu'est-ce que c'est en fait c'est du dessin qui se veut euh, exprès très, euh, très basique euh, très crade très euh, euh, moche en fait et mais qui est en fait en réalité euh, parfaitement maîtrisé et euh, et la narration est parfaitement maîtrisée et c'est pas parce que euh, c'est des dessins qui paraissent comme ça, euh, à, à première vue, euh, très facile, euh, que ce n'est pas, euh, pas pour autant que, que ce n'est pas bien. Euh, donc du coup, ce manga, c'est l'histoire de, de, de deux frères de mémoire, et dont un avec la coupe afro, ils sont en train de... de enfin, dans un garage, là, de, de faire des combats de lutte, etc. Et en fait, il y a une, inv une invasion de zombies. Et euh, donc, d'où le titre euh, Tokyo Zombies. Et ce qu'il y a, c'est que tous les personnages... Sont, voilà, c'est très cru, qu'on hein, peut voir, sont extrêmement débiles. Et c'est, voilà, genre là, il y en a une qui sort de la terre et elle, elle, elle lui mord la teub. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Mais c'est, moi j'ai rigolé. À l'époque, je l'ai lu. J ai, j ai, ça m'a tellement surpris que j'ai vraiment rigolé comme un débile. Et c'est idiot en fait. C'est totalement idiot, totalement absurde. Et ils parlent en sorte de road trip. Pour éviter les zombies, et ils vont finir dans une sorte de. Deux. Ça, ça baisse n'importe où et tout. Ce soir, ça va être que des mangas comme ça, hein, donc je préviens. Euh, et donc, du coup, là, ils finissent un moment dans une arène en train de se battre, en train de faire des, du karaté, euh, à fuir les zombies euh, et compagnie. Et ce, ce road trip qui n'a aucun sens, voilà, ils se battent contre un C'est franchement, c'est très drôle à lire. Très, très drôle à lire. Euh, du coup, euh, je, je regarde un petit peu qui l'a lu, je vois que personne l'a lu celui-là. Voilà. Euh, alors, on est vraiment dans les mangas de niche, hein, clairement. Hein. <laughs> J'aime beaucoup ton jeu de mots, euh, Maximatose. Donc, là, clairement, on est sur du manga de niche absolu. Et ça, c'est les petites perles que Imo peut sortir, euh, ou le Lézard Noir. Et, et clairement, euh, c'est pareil, hein, c'est une expérience, c'est-à-dire que vous pouvez lire et détester le truc. Hein. Euh, je vous dis ce que mon, personnellement j'ai aimé. Il y a certains, je vous dirai, ça j'ai pas compris, euh, j'ai pas aimé. Hein, euh, je vais pas dire, je vais pas dire qu comment dire. Je vais pas faire du fake hein, en, de ce côté-là. Mais voilà, Tokyo Zombie, c'est très drôle, c'est absurde. Euh, on s'attend pas du tout à avoir ça, voilà, une attaque de cochon là pour, pour se sauver. Et euh, ça finit de manière totalement absurde comme le manga. Bonsoir Limat, bienvenue. Euh, donc voilà, donc euh, une expérience. Voilà, ça fait partie en fait quand j'avais euh, commencé à lire des IMO. J'avais tout acheté, tout le catalogue. Ça, je, je reviendrai quand on fera du IMO. Et j'ai lu des trucs des fois, mais je ne savais même pas pourquoi euh, j'avais acheté ça en fait. J'ai dit, bah, c'est pas grave, on va, on va tenter l'expérience, on va lire. Et puis derrière, ben, on verra ce que ça donne. Donc voilà, donc l'Etauma, ça c'est ça. Et euh, je vous, je, pareil, je, je vous le conseille. Il est, il est très drôle. Donc Tokyo Zombie. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Là par contre, euh, je n'ai pas checké les disponibilités. Alors le manga suivant, puisqu'on est dans l'Etauma et qu'on est dans les mangas justement un peu aussi euh, trash et tout, euh, on va parler d'un manga qu'on a déjà présenté dans Bunko, qui est celui-ci euh, que j'ai acheté euh, sur Apple Book parce que la version physique était tout simplement euh, extrêmement chère, euh, était à 100 euros pièce, etc. Donc j'ai dit, mais bah, c'est pas grave, je vais acheter la version euh, digitale et ça me suffira amplement. Euh, donc de ce côté-là, bah, qui a lu celui-ci Rappelez-vous qu'on en a parlé au, à, au podcast de Bunko, de Bunko dans les mangas du malaise. Pardon. Donc je ne sais pas qui l'a lu celui-là. Salut CJ. Alors il faut savoir que cet auteur-là, Takeshi Nemoto, je l'avais connu dans un autre livre. Euh, qui est où Il est là. Je vais vous montrer vite fait. Hop. Voilà. Dans celui-ci. Je l'avais connu dans celui-ci, je vais vous montrer euh, exprès euh, ça. Euh, donc Comic Underground Japan, donc là clairement vous voulez du manga underground, euh, vous avez du manga underground, euh, je reviendrai un petit peu après dessus, mais la première histoire mais, que j'ai découverte de lui, c'était celle-ci, je vais juste montrer cette histoire là, après on reviendra dessus euh, euh, sur ce recueil là. Cette histoire est incroyable. Euh, 37, voilà. Alors attention, hein, c'est ultra trash. Hein. Donc c'est clairement, euh, clairement dégueu. Euh, mais en gros là, on est clairement dans le, dans le, le patriotisme fanatique où justement euh, on envoie un soldat se battre à la guerre. Alors, vous voyez, c'est ultra crade, hein, c'est de l'état humain hein. C'est très très sale et tout. Et euh, mais c'est très compréhensible en fait, hein. mais euh, visuellement comme ça, ça fait un peu peur, hein, j'avoue. Donc, euh, à Boris, oui, c'est vrai que Boris, il avait tout acheté, même les versions physiques. Il, il s'est ruiné, <laughs> il s'est ruiné avec nous. Salut Evil Ah, ça fait plaisir que tu sois là. Je ne sais pas si elle est ici ce soir. Je ne me rappelle pas l'avoir vu Mais en tout cas, tu y passes le bonjour. Euh, donc du coup, euh, hop. Euh, donc Nick, avait lu quelques pages, toi, de euh, de, 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 de l'autre. Et euh, oui, y a pas de souci, Mathieu. Il y, y, y aura le replay euh, de, de ce côté-là. Bon, Boris, voilà, il a aimé. Il a aimé euh, l'autre. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, en fait, il, il va partir dans un trip. Je, je vous montre. Hein, et, euh, et je ne vais pas vous montrer toute l'histoire, mais en fait, il, il, va, il va jouer le tyran sur son petit truc et tout. Il va totalement halluciner, devenir fou et compagnie. Je ne vais pas plus loin que le jour où euh, vous la lirez. Euh, vous aurez la surprise. Mais, euh, bon, déjà, la couverture, elle le. Elle est très parlante hein, en termes de en termes de contenu. On y reviendra ouais. plus tard. Ouais, mais super, merci Ville. Et du coup, euh, ben, Monster Man Bureiko Lulabai. Euh, eh ben, c'est un manga qui est euh, juste énorme. Donc je vous conseille d'écouter le bon coup dessus parce qu'on en a parlé longtemps. Et c'est clairement un manga qui est ultra, ultra euh, immoral. Euh, de... C'est, j'ai jamais lu un truc aussi immoral. Il n'y a rien, mais rien de, de, de gentil. Il euh, y, y a, je y sais pas, mais tout est méchant en fait dedans. <laughs> C'était gratuit, mais c'est génial à lire en fait. C'est génial à lire parce qu'il n'y a l'auteur, il a zéro limite et tout ce qui est indécent, il y va, il y va. Il en fait des, il en fait des tonnes et il s'en fout, mais il s'en fout totalement. Et euh, donc au début, c'est des histoires un peu un peu courtes. À un moment, euh, je sais plus là, c'est le fœtus là, c'est il est affreux. Voilà. À un moment là, il y a une histoire, c'est celle-ci. Euh, voilà, Et les docteurs, donc, euh, il faut n'importe quoi. Et en fait, genre, c'est deux femmes euh, qui font l'amour, mais en fait, c'est le fœtus qui lui fait l'amour, quoi. c'est que, Et c'est que des trucs comme ça, en permanence. Ou alors là, voilà, le docteur qui, euh, qui, euh, qui couche avec la nana, mais en fait, c'est le gamin en dessous. Enfin, mais ça part dans des délires à chaque fois. Le mec, il est incroyable. Alors attention, hein, c'est très, très, très particulier. Et après, la deuxième partie, euh, c'est qu'en fait, ils vont... Hop là, je reviens en arrière. Voilà. En fait, c'est qu'il y a un gars qui, au moment de l'explosion nucléaire, est en train de se faire plaisir. Et avec les radiations, il sort un gros spermatozoïde qui va devenir son fils. Donc, euh, du coup... Euh, ouais, du coup, euh, il, il va y avoir pas mal de trucs. Et puis le père, c'est un violeur en série, il fait n'importe quoi. Euh, il, il, en plus, il, tout, tout ce qui viole les, les personnes on le le cancer. Regardez, chaque, chaque image, chaque image est affreuse dans, dans, dans ce truc. Tout, tout est affreux. C'est génial à lire. C'est génial à lire, franchement. Allez-y. Et à la fin, le, le, enfin, à la fin dans l'histoire, le spermatozoïde, il devient trans. Tous les tabous tous les trucs comme ça il s'en fout l'auteur il, il, il y va il se fait plaisir et c'est vraiment vraiment hallucinant donc monster man je vous remets la couverture et c'est 7 ou 8 euros je crois sur le, le play store enfin, sur les sur les stores euh, ici donc monster man bourrécole donc euh... <laughs> <laughs> oui, euh, oui, Olimat, c'est sympa, oui, effectivement, c'est sympa, mais après, il faut, il faut bien interpréter. le c'est sympa. <laughs> donc voilà, salut Antia il a pas de souci, il y aura le replay si tu veux voir la suite. Euh... Euh, donc, toi, l'histoire principale, tu l'avais aimé, les autres secondaires au moins, mais moi, effectivement, les so histoires secondaires qui sont au début, je suppose, euh, moi, j'ai à peu près tout aimé, mais euh, au début, ça reste des histoires courtes, mais pareil, c'est. C'est décadent, ce truc-là, c'est la décadence absolue, quoi. Euh, donc voilà, moi je vous conseille de la, de le, de, de découvrir ce titre-là. Ça, vous voyez vos, vos, votre zone de confort là, vous la prenez, vous lui mettez un coup de pied, elle part à deux kilomètres et puis après vous allez la chercher au loin. C'est typiquement ce genre de manque que j'adore, quand on le lit, on sait pas où on en est. La première fois, c'est vraiment choquant. Euh, la deuxième fois qu'on le relit après, bon, ben ça y est, on, on a compris le truc, ça va. Euh, J'avais même relu l'histoire courte et tout pour le Bunko. Et, euh, et le, pareil, les premières fois j'ai lu l'histoire courte, je me, je me quelle horreur. Et, euh, et après, je l'ai relu, j'ai fait, putain, c'est génial, c'est juste génial. quoi. Donc voilà, euh, pour Monster Main, Guriko euh, l'oulabaï, qui n'était pas sur l'étagère, mais qui était le bon moment d'en parler euh, de, de, de ce côté-là. Alors... Euh, je peux du coup fermer mon petit livre. Si des fois vous voulez, j'en montre un peu plus ou quoi, euh, n'hésitez pas. Bon, là, je pense que vous avez votre dose. Hein. Euh, voilà, mais n'hésitez pas à, à, à le dire. Alors là, on continue, toujours dans la même veine. Un, un de mes premiers lézards noirs, c'est pas mon premier, mais dans, ça fait partie des premiers lézards noirs que j'ai découvert. Euh, dans, dans, on va dire, les 5 ou 10 premiers lézards noirs. Et ça s'appelle. Attention. Hop. Qui a lu Mutant Anako de, de, donc de, 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 de Makoto Aida Donc, ça, c'est euh, la, la couverture ici. Et il y a la même couverture de l'autre côté, Mutant Anako. Merci, Francisco, euh, d'être passé. Donc, c'est un petit livre qui est très fin. Voilà, vous voyez, il est très fin chez les Arts noirs. et c'est un livre qu'il appelait à l'époque un livre à double entrée, c'est-à-dire que on avait une entrée euh, dans le sens normal euh, de ce côté-là, et pour avoir une interview, le côté plus euh, plus artistique, je vais dire, vous voyez, de ce côté-là. Et après, on avait une entrée euh, manga, et là, on avait le manga. Et Mutant Nako. Quand je l'ai lu, pareil, l'expérience euh, incroyable. Incroyable. Euh, J'ai trop envie de le relire. En fait, mettez un accord. je vous montre un peu les images. Donc c'est tout, tout, tout en couleur déjà. Ça, c'est très cool. Et euh, alors, vous voyez, hein, c'est scanné en fait euh, euh, dessus. Euh. C'est un peu bizarre. Euh, a... Alors tout est euh, comme ça. On a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné ça. Ça fait très euh, crayonné d'enfants euh, et compagnie, mais c'est pas du tout <laughs> pour les enfants. <laughs> mais alors, pas du tout. Salut, euh, Manga mibou bienvenue à toi. Euh, et donc, du coup, euh, c'est ultra, ultra trash. Voilà, vous pouvez commencer, ça commence. C'est ultra trash et c'est vraiment un manga, en fait, qui dénonce euh, la, la guerre, tout simplement. Oui, ouais, c'est ultra, ultra trash. Mais dedans, il y a des trucs euh, euh, totalement tabous, hein. Vous voyez, c'est absolument abusé. Et chaque page est horrible. C'est génial. Chaque page est horrible. Je vais me faire bannir. Ce soir, franchement, je vais me faire bannir avec ce, avec ce live. Et, euh, et en fait, ça part dans un délire absolu. Ça finit en Sailor Moon géant. Vous voyez, et en fait, là, c'est le Japon En fait, qui va gagner la guerre contre le général MacArthur. Euh, général MacArthur qui est, euh, qui est là, je crois. Alors voilà, tous les Américains, ce sont des démons qu'on pouvait voir. Et le général MacArthur, il est où euh, ben Il est là, hein, il, est, il, est, il est sous forme de démon ici, hein, c'est lui. Hein. Et, et vers la fin, alors après je ne veux pas trop spoiler, mais c'est des trucs, il faut, faut que je vous montre parce que c'est tellement n'importe quoi. Voilà, il se transforme en, en une sorte de caijou multi-tub. Multi Ça finit dans l'espace. Et surtout la scène incroyable de fin. Voilà, il y a... la nana, elle chie sur l'Amérique littéralement, littéralement, mais, mais c'est incroyable, et il y a un milliard de tabous à l'intérieur et tout. En fait, quand je l'ai lu, j'avais l'impression que c'était un, un enfant en colère qui a dessiné ça, mais vraiment, comme ça, avec ses crayons et tout, et, et on sent une colère dans ce manga qui est juste, mais juste incroyable. Donc ça, c'est un trip absolu, c'est génial, c'est vraiment génial à lire, donc ça fait partie aussi de ces trucs qui... Euh, euh, comment dire qui euh, on peut détester ça hein. je veux dire moi j'adore ça mais euh, attention hein, euh, tout ce que je vous euh, tout ce que je vous montre là c'est très particulier euh, là aujourd'hui je suis totalement habitué à ce genre de lecture mais la première fois que je l'ai lu j là je suis mais qu'est-ce que je lis mais je suis je... est-ce que je suis normal euh, est-ce que j'ai pas des déviances hein c'est un peu ça la question donc voilà donc ça je peux que vous le conseiller. Par contre, attention. Vous hein, voyez les radiations euh, et tout. Euh, par contre, c'est ultra trash. Il y a beaucoup de tabous. Il euh, n'y a que du viol, des trucs comme ça dedans. Il n'y a aucune limite. Il voilà, n'y a aucune limite. Donc, sachez-le. Oui, Sarah. Oui, euh, Sora. Euh, tu arrives au bon moment, effectivement. Euh, là, on, on, on tape. Ce live ce soir, il est... J'aurais dû mettre une petite pastille interdit au moins de 18 là, sur, le, sur le live. Voilà, donc... Euh... Et derrière, voilà, c'est toute la partie artistique de, de l'auteur. Donc voilà, et Brochette, ça tu aimes bien, ça, tu es habitué aussi. Donc ça c'est bon. N'écoutez pas Brochette, son détecteur est, est cassé. Il est cassé depuis des années. C'est fini pour lui maintenant. Il ne sera plus jamais normal. Hum. Euh, oui exactement un hein, manga mibou. Hein, c'est on dirait un, un truc d'un gamin dans sa chambre mais c'est pas du tout ça quoi. et, euh, et c'est ça qui est génial parce que ça contraste totalement avec, euh, avec le propos de l'oeuvre et, et au final il y a vraiment un message hein, dedans, il y a un vrai message et tout c'est juste que c'est sur une surcouche de, de, de n'importe quoi donc euh, voilà 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 euh, donc euh, ah oui euh, stream, là on est en train de regarder les mangas de niche hein, clairement ce hein, qui est sorti euh, qui a été publié donc là, c'est pas du tout du Glénat, du Kiyun et compagnie. Quoi. Donc voilà. Euh, donc voilà pour celui-ci. Ça fait plaisir de le refailliter. Franchement, euh, ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu et tout. Euh, ça me... Ça me trop 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 envie de le lire. Hein. Donc je vous remonte le titre. C'est... Hop là, c'est Mutant Anakou. Hop là, ici. Mutant Anaku. <laughs> Brochette de déviance, exactement. Donc voilà, et toujours pareil, je mets un warning, hein. attention, ce sont des, 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 des titres très très particuliers et euh, ça, peut, ça peut vous choquer. Hein. Il y a certains trucs qui peuvent choquer et, euh, et c est, c est, vous pouvez détester l'œuvre. Hein. Donc attention, euh, si vous y allez, il faut savoir, euh, il faut savoir ça. Quoi. Euh, oui, c'est un peu ça, ouais, les fœtus collections là, de, 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 de l'histoire de concours de fœtus, c'est un peu ça, quoi. Euh, euh, mais on va en parler parce qu'on on, on va la voir. Si on a le temps d'en parler ce soir, on va en parler. Euh, allez, je propose de continuer. Euh, ça, ce soir, sont... je crois qu'on en avait déjà parlé euh, dans des lives. Euh, C'était Neo Kappa. Alors, pas dans le live Mangatech, mais euh, dans, dans les autres. Euh, si je retourne dessus, et je crois que je l'avais chroniqué aussi. Euh, alors, il euh, y a un truc que je n'ai pas fait tout à l'heure, je vais en profiter. Euh, copie le lien. Tout à l'heure, je vous avais parlé de, je vous avais parlé de Tokyo Blues, donc je vais vous partager la chronique si des fois vous voulez le, le lire. Et effectivement, c'est sur Mangayo. Donc ceux qui veulent expérimenter euh, sans prendre de risque, je dirais, euh, vous pouvez le lire sur Mangayo. Et je regarde justement euh, si là je l'avais chroniqué ou pas euh, récemment. Pour moi, je l'avais chroniqué, euh, qui n'est pas un manga facile à chroniquer en plus. Hein. Franchement. Euh... C'est assez, euh, assez dur. Il est assez particulier. Alors je regarde. Hein. Non, il n'a pas l'air d'y être. C'est pas grave. On va, on va en reparler de toute façon. Ah voilà, et là, c'était Monster Man du Labai. Copie le lien, je vous le partage. Voilà, Monster Man. Voilà, comme ça, vous pouvez y aller si ça vous dit de, de lire la critique plus euh, tranquillement. Euh, donc, voilà euh, Oui, ça a changé Naruto, ouais, c'est plus pareil. Hein. <laughs> Salut Mathilde Ah, Mathilde qui nous a rejoint, ça fait plaisir. Une autre Patreon aussi. Bienvenue à toi. Là, on est, Ce soir, c'est un live euh, où on parle de manga un peu plus adulte. Hein. C'est un peu plus trash. Hein. Là, tu as raté Mutant Anako à l'instant. Euh, si, tu, si tu regardes au replay, ça, ça pique les yeux, tu, tu verras. Et, donc, euh, et, et les émotions aussi. Euh, donc oui j'en avais parlé mais je vais en, je vais en profiter pour, euh, pour euh, en reparler maintenant puisqu'il y a aussi un autre livre et puis de toute façon pour ceux qui avaient raté le live c'est l'occasion de, de faire une petite pétiole de rappel, alors il y a deux mangas de cet auteur, euh, que j'ai acheté qui est The Boxman et Neo Kappa qui est sorti chez Imo et euh, celui-ci et euh, Neo Kappa du coup hop là, allez on va l'ouvrir J'ai la première édition parce que je crois que maintenant euh, c'est pacifié. Et cette édition-là, elle est cartonnée. Et Neo Kappa, en fait, c'est vraiment une, une réinterprétation du monde des yokai. Donc les yokai, ces monstres ou fantômes japonais, ces esprits japonais. Euh, et c'est une réinterprétation de ça. Et en fait, on va suivre le, ce petit kappa euh, qui, au travers de ses balades slash, aventures, euh, va nous faire découvrir un monde totalement chelou totalement bizarre, euh, sans réelle explication, il y a pas de, il ne semble pas y avoir une logique euh, incroyable dedans, mais c'est une expérience. Alors, j'avoue, hein, moi je l'ai lu euh, trois fois, ce manga, euh, trois fois, je n'ai pas compris. Euh, et une fois, on avait fait un, un petit live euh, privé, là, sur, euh, sur le Discord, et, euh, et en fait, euh, on en avait discuté, et et ce, ce truc-là, en fait, d'échanger les avis, j'ai beaucoup mieux compris l'intention de l'auteur. Et c'était très intéressant d'avoir ça parce que c'est tel, euh, tel que le monde des yokai pourrait être euh, si, en fait, il existait. C'est-à-dire un monde qui n'a pas réellement de logique en soi. Et il faut se laisser totalement euh, transporter par, cette, par ce monde et cette logique. Donc voilà, ça fait un peu. Alors, les airs de Cornigule, Cornigule est. Et oui, voilà, dans le côté, ça vagabonde, effectivement. Après, dans l'esprit Cornigule, on le... je l'ai là, on... ça sera dans les prochaines lives. Euh, bah, du coup, euh, là, on est totalement dans... dans autre chose, effectivement. Salut Soji, bienvenue. Euh... Oui, alors après, voilà, c'est un manga particulier. Hein, donc, euh... Alors, après, euh, lire, c'est un grand, grand mot, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, hein. euh, manga Mibu. <laughs> Mais en tout cas, il se. Et euh, on se laisse porter par l'univers, euh, c'est sûr que là en étant sur manga yo, ben c'est facile, par contre c'est un manga il faut prendre le temps, il hein. ne faut pas le rusher, hein. il faut vraiment prendre le temps de s'imprégner de, de l'univers, d'essayer de le comprendre, euh, de, de regarder les petits détails, de, de se laisser embarquer en fait, si juste vous lisez le texte et que vous lisez à la vitesse d'un shonen Katsu euh, c'est mort, hein. vous l'avez lu en 5 minutes et puis vous passez à autre chose. Hein. Et je trouve que euh, bah, l'univers est assez incroyable, il est, il, est, il est totalement fou. Et plus je le lis et plus je l'apprécie, ce, ce truc-là. Mais attention, c'est totalement... Euh, c'est chelou en fait, c'est difficile à conseiller un manga comme ça. C'est euh, un peu selon la sensibilité de chacun, les attentes de chacun. C'est une expérience, pareil. C'est une expérience, c'est un manga immo. Imo. Imo, c'est l'éditeur des expériences, hein, clairement. Hein. Euh, quand on explorera le catalogue, euh, vous verrez. Et, euh, et presque, j'aurais presque dû le laisser avec les, le catalogue IMO. Euh, et ça, et donc ça, voilà. Ça, c'est euh, franchement, une, moi, je trouve une, une bonne expérience à vivre, mais qui va vous laisser un petit peu sceptique euh, à la première lecture. Et il n'y a pas de fin. Hein. C'est des histoires, et puis voilà, c'est tout. Donc, euh, si vous euh, voulez tester sur Mangayo, vous pouvez y aller. D'ailleurs, ceux, ceux qui veulent aller sur Mangaio, moi j'ai un petit lien de parrainage dans le, dedans. Puis je suis abonné à Mangaio, ça vous fait gagner 7 jours et moi aussi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser puisque vous avez 7 jours en plus, je crois, d'essai, un truc comme ça. Donc c'est l'occasion d'aller le lire et puis, puis de, de tenter le truc. Quoi. Donc voilà pour Manga Kappa, euh, Neko Kappa. Hop là, je vais le ranger vite fait. Voilà. Et l'autre, The Boxman, qui est en anglais, c'est enfin, une édition anglaise. Et The Boxman, euh, il est beaucoup plus euh, abordable, parce que euh, l'autre euh, n'a pas réellement de fil conducteur précis. Alors que The Boxman, il y a un fil conducteur. Le but, c'est livrer une boîte. Euh, c'est juste ça. Il n'y a pas de texte. Donc, ce qui fait que... Enfin, je, je vérifie, mais je crois qu'il y, qu y a une phrase, en fait. Hein, euh, Ouais, c'est ça, il y a, a peut-être une phrase ou deux. Donc en fait, euh, là, vous pouvez y aller. Donc c'est bon. Euh, oui, les pochettes euh, pratiques avec des ouvertures spéciales. Euh, et donc The Boxman, c'est tout à fait euh, le même univers. On va retrouver d'ailleurs ce petit euh, kappa euh, qui balade. Il va sauter sur une, un scooter et on va suivre en fait euh, ses aventures de la même façon. Et euh, moi, j'ai bien aimé celui-là parce que pareil, il est, il est totalement euh, fou en termes d'univers. Là, ils vont rentrer dans une sorte d'usine. Et à partir de là, euh, ils vont arriver sur des plateaux télé, euh, il va y avoir de, de tout là. Je passe un petit peu. Voilà, donc là on se demande ce qu'il y a dans la boîte. Euh. Hop Là il y a un petit fil conducteur dessus, le, cette livraison là. Vous voyez là, l'univers totalement chelou. Euh, voilà, là ils sont... Je ne sais même pas ce qu'ils font. Je vous montre un peu les images. Hein. Vous voyez ça, c'est le manga quoi génial c'est génial parce que ça fourmille de détails en fait voilà là il y a une série comme ça d'illustrations un moment voilà il y a une sorte de catcheuse qui arrive qui défonce tout le monde donc pareil c'est une expérience de la même façon j'adore ces mangas justement qui sortent totalement de la zone de confort donc voilà donc ça c'est tout à fait dans euh, le même euh, c'est tout à fait dans le même style hein, que Neo Kappa. Et s'il y en avait un troisième, ça serait cool. Et puis il fait, il y a un site internet de cet euh, auteur. je vais le taper, je vais voir si je le trouve rapidement. En attendant, toc. Euh, alors Imiri Sakabashira. Est-ce euh, que, est-ce que, est-ce que. Bon, je vais vous montrer les images parce que. Et en fait, il fait pas mal d'illustrations. Euh... Euh, voilà, si vous tapez son nom là, il, il, il en fait pas mal. Il a un site à lui et euh, qui, auquel même je crois, il vend des dessins et tout ça. Et il y a des nouveaux dessins qu'on peut découvrir et il fait des cailloux. Il fait des il fait pas mal de choses en fait. Voilà, on voit une peinture, euh, mais il n'y en a qu'une. Bon, bref, je vais pas euh, pousser plus là, mais c'était histoire de, de, de vous dire. Il fait ça, quoi. Euh, donc voilà pour, pour euh, cet auteur. Donc, The Boxman et euh, Neko Kappa de Imiri Sakabashira. Euh, de toute façon, si après, euh, après le live, vous ne trouvez pas un titre euh, ou vous avez un doute, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message et je vous dirai de suite, euh, je vous écrirai l'auteur proprement. Voilà, voilà. Alors, hop là. Euh, je regarde juste. Ok. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On retourne sur la Mangatech. Hop là. Trop de trop d'écran. Euh, qu'est-ce qu'on a Alors là après, c'est ah c'est le single match. Alors single match, je vais le garder pour après parce que du euh, du Oji Suzuki, on en a plus loin. On en a plus loin, il y, en a, je, il y en a ici, à la fin. Donc pour l'instant, je le mets de côté, on le verra plus tard. Par contre, on va parler... Alors, euh, euh, il y avait l'homme sans talent. Alors l'homme sans talent, j'en ai déjà parlé. Normalement, si je ne me trompe pas, alors je l'ai prêté. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer. Si je n'en ai pas parlé, je vous en parlerai la, au prochain live parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Mais normalement, quand on a fait Tsugé, euh, j'en ai parlé. Donc, il n'y a pas besoin de, de, de revenir dessus. Euh, c'est comme le Tatsumi, j'en avais profité pour les, pour les mentionner à ce moment-là. Donc, retournez voir le live Mangatech où euh, on parle de, de tout Tsuge et, euh, de, ouais, de et du coup, vous pourrez le, le lire. Moi, perso, c'est un manga que j'avais euh, adoré. Euh, J'étais resté scotché assez euh, enfin, dessus quand je l'avais lu. Par contre, il y, a, euh, il y a deux Tsuge en vérité. Il y a deux Tsuge et euh, il y a donc. Euh, euh, Yoshiharu qui a eu droit à sa belle exposition et, et tout ce que vous connaissez euh, aujourd'hui, d'accord. Et il euh, y, y a aussi son frère Tadao Tsuge. Alors il y a eu trois livres qui sont sortis, j'en ai deux puisque le troisième était déjà indisponible. Euh, J'ai réussi à le trouver sur internet, mais euh, je n'ai pas, je l'ai pas lu d'ailleurs. Euh, mais j'avais euh, son frère. Donc, si vous aimez tout gay, ben, du coup, euh, on peut prolonger un petit peu l'expérience avec son frère qui est dans une vibe un peu différente, mais euh, pareil, qui reste du manga euh, assez... Enfin, euh, euh, du, du Gekiga euh, euh, assez spécial, hein, de ce côté-là. Donc, il y a deux titres qui sont sortis, ça fait longtemps que je les ai lus. L'anglais, c'est un anglais, par contre. Et euh, l'anglais est pas facile. Et sachant que quand je l'ai lu, mon niveau d'anglais était euh, bien en dessous de, de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas fou aujourd'hui, mais euh, assez pour lire euh, des trucs. Mais là, j'ai galéré. Je me rappelle avoir galéré en, en, en le lisant. Et donc, du coup, on va avoir des histoires. Je vais vous montrer le dessin. Ça ressemble. Pareil, hein. on est encore sur ce manga euh, des années 70. Euh. <laughs> oui, Boris, ces mangas sont à côté de mes Dragon Ball et, 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 euh, et j'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce que justement, je, je voulais montrer un petit peu la mixité euh, du manga dans ma collection. Je ne voulais pas faire de, de regroupement euh, combat shonen euh, et compagnie. Je pourrais, hein, peut-être que plus tard, je, je le ferai. Mais dans ma première itération de, de ça, je me suis dit. Euh, allez, là on va faire euh, du bon Neketsu, euh, Toriyama, euh, hop et l'étagère au dessus c'est une autre thématique. Donc toutes les thématiques sont mélangées parce que sinon j'aurais une bibliothèque avec tous les lézards noirs, tous les imos, euh, tous ces éditeurs indépendants, ce qui pourrait donner un truc euh, cool aussi. Hein. Euh, mais je voulais pas que ça fasse librairie. J'avais envie que ça, que ce soit un peu partout. Donc c'est sûr que quand je vous présente la, les Mangatech, ben il y a de tout. Sinon, euh, on pourrait passer euh, trois séances que sur des mangas comme ça, et puis euh, pareil, euh, quatre sur des, des shonen, euh, cinq sur du shojo. Euh, bon, normalement, euh, ça serait pas intéressant, quoi. Donc c'est ça qui est cool, c'est que euh, comme j'ai tout mélangé, du coup, vous avez de tout hein, à chaque fois. Il y en a pour tous les goûts. Euh, même si là, bon, on a quand même trois, trois rangées euh, assez, euh, assez euh, euh, spéciales. Euh, donc du coup, alors je je me rappelle plus des histoires, hein, mais euh, Tzuge, il, Tadao Tsugé, il aime bien d'écrire justement euh, les, les, les moments du quotidien en fait, mais il aime bien surtout d'écrire des, des, des situations euh, ou des, euh, comment dire qui se passent dans des villes un peu crado, avec des mecs un peu louches, euh, des mecs un peu un peu apathiques, un peu dépressifs, euh, voilà, et c'est des histoires où faut pas trop chercher la conclusion parce que déjà je pense qu'en français euh, c'est la conclusion elle est, elle est difficile à comprendre, mais alors en anglais euh, c'était mort. Hein, moi j'arrivais pas à la comprendre plus que ça donc, donc du coup, euh, du coup, voilà. Le le, je peux même pas dire si j'ai aimé ou pas aimé. Et en fait, j'ai hâte qu'il y ait une édition française qui arrive avec des, euh, des explications parce que je crois qu'à la fin, oui, si, il y avait, il y avait un dossier, je m'en rappelle plus, mais il y avait un dossier qui avait été fait, euh, mais avec justement peut-être euh, plus d'explications sur l'histoire en elle-même ou du moins le lire en français et mieux comprendre. Euh, donc voilà, donc ça. Euh, je vous montre un petit peu les images pour que vous puissiez vous, vous faire une idée sur Tadao Tuget. Et si vous aimez, voilà, si vous aimez euh, le Touge Frère, donc euh, Yoshiharu, il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas ça. Si vous aimez un peu le Gikiga et tout, il euh, n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas ça non plus. Salut Toon, bienvenue. Toon, un bon pote qui, euh, qui me suit régulièrement. Euh, donc Boris, ça représente bien la capsule de manga. J'ai mis un enfant qui s'approche des de Dragon Ball, il va juste nager au-dessus sans savoir. Alors j'essaie dans ma collection de les mettre, les mangas un peu trash, un peu en hauteur quand même, c'est une règle, mais j'ai du entaille qui est en bas. Donc là, dans, euh, dans, ma, dans, dans ma prochaine pièce, il va falloir que je le mette... Euh, ailleurs, mais comme toutes mes, mes petites tailles sont en bas, je ne peux pas trop le mettre en haut en fait. Donc euh, y a, il va falloir que je le cache derrière un fauteuil, hein, pour, pour pas qu'on puisse l'attraper. Euh, donc voilà, donc pareil, des personnages, vous voyez, euh, euh, très clichés des années 70. Euh. Salut, euh, donc c'est Banzarti. Salut à toi. Donc, House of Brut, il y est. Normalement, House of Brut, il est sur cette étagère. Hein. Euh, là, je l'ai mis à part, parce que comme c'est une nouveauté, à l'époque où j'avais pris la photo, il n'y était pas. Mais je l'ai mis ici. Enfin, je l'ai mis au-dessus même. Donc, voilà, je montre un petit peu. Je ne me rappelle plus trop des histoires, honnêtement. Mais vous voyez, c'est euh, euh, assez particulier. Et euh, voilà, les mecs qui s'ouvrent le ventre, les yakuza, euh, des, 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 des. Comment dire des, 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 des malfrats en permanence, des mecs louches. C'est souvent des histoires comme ça. Euh, D'ailleurs y a, y a, lui c'est Trash Market, hein, vous voyez le titre, et l'autre c'est euh, Slum Wolf. Et Slum, si je ne me trompe pas, euh, c'est quoi? C'est euh, Vagabond ou c'est sans abri? Je ne sais plus. Slim, taudi, ça, slum, c'est quoi? C'est Todi, pardon. Slum, c'est les taudis. Voilà, c'est... Euh, voilà, c'est les quartiers pauvres. Euh, les quartiers misérables, c'est ça, quoi. Donc le loup des quartiers misérables, quoi. Donc vous voyez, vous voyez le genre de... Le genre de, de, de truc. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, il y avait un gros dossier derrière. Je ne me rappelais plus. Il fallait que je me le relise, celui-ci. Et c'était pareil, Ryan, Ryan Holbert qui l'a fait ça. Mais euh, ça sortira chez, euh, chez Cornelius. Donc euh, ceux qui sont euh, patients devraient le découvrir très certainement en 2023, 2024, je ne sais pas, euh, chez cet éditeur. Et l'autre, Slum Wolf. Hop là. Voilà, donc c'est les formats moyens à chaque fois. Hop là, on est un peu pareil, hein, toujours dans ce. dans cette même idée. Et comme je vous disais, hein, les, euh, des, des fois, euh, le, on lit et puis on... C'est comme Tsugé, hein, des fois il n'y a pas de fin, il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas d'enjeu, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. On suit juste euh, l'histoire d'une personne et puis ça finit. Voilà. Je vous montre un petit peu les images. Je vous conseillerais honnêtement d'attendre la version française si vous voulez vous y attaquer. Voilà. Et le dessin est plus brut hein, que son frère, hein, puisque Yoshiaru lui avait été assistant de Mizuki, il avait, euh, son dessin était quand même plus, euh, plus accessible. Et lui, son frère, c'est un dessin qui est beaucoup plus, euh, euh, je sais pas comment dire, mais euh, beaucoup plus brut. Plus dans ce, cette mouvance de, de manga, du de watashi, du, du, euh, de cette mouvance du manga, euh, comment dire, euh, plus intimiste. Je ne veux pas dire plus d'auteur, mais plus intimiste. Il n'y a pas de souci, Seb. Euh, voilà. Et vous voyez, il y, y a un second dossier aussi dans celui-ci. Et donc, je vous disais, il y a un troisième livre. Ce troisième livre, euh, c'est un petit format. J'avais réussi à le trouver. Euh sur internet, je ne l'ai pas lu mais euh, mais du coup euh, voilà c'est pardon, désolé, mauvaise euh, mauvaise manip, mais ce livre je n'avais pas réussi à le trouver euh, en physique mais du coup je me suis chopé et euh, voilà il faut que je me pose et que je lise euh, tranquillement mais ce n'était pas un gros livre euh, derrière je ne me rappelle plus le nom du livre d'ailleurs je vais, je vais regarder, c'était donc Tadahotuge parce que il y a, voilà c'est sabou ça the le parce que ça vous voilà, c'est celui-ci là. On peut pas cliquer dessus. Alors là, ça bouge. Je... Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas sur mon ordi, donc on pourra pas. Je pourrais pas vous le montrer. Et il euh... Et y a peut-être des images. Je regarde, c'est des images sur ce lien. Tabou. Non, il n'a pas envie. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, c'était ce. Euh, ah désolé, ce bouquin-là. Alors on continue. Parce que tout, je ne peux pas vous dire plus sur Tadao Tsuge. Euh, c'est une lecture qui m'a laissé perplexe parce que je n'ai pas réussi à saisir euh, vraiment le fond des histoires et tout. Et, euh, et comme c'est un anglais, euh, celui-ci, il est assez difficile d'accès. C'est un anglais assez soutenu. Euh, J'ai eu du mal à, le, à vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous, vous dire plus dessus. Allez, là, on va passer à un mangaka assez spécial. Je n'ai pas tous ces mangas. Euh, je n'ai pas tous ces mangas parce que c'est des mangas qui sont assez chers. Euh, J'aime bien ce qu'il fait. Mais peut-être pas à dépenser à chaque fois 18 euros pour, pour ça. Sachant qu'il y a un peu toutes les tailles. Et euh, cet auteur, c'est lui, c'est Uichi euh, Yokoyama. Je ne sais pas qui a lu déjà euh, cet auteur. Alors là, pareil, on est euh, dans ces auteurs indépendants, euh, souvent artistes qui font du manga, hein, comme Mutanako, comme ces trucs-là. Donc on est vraiment sur des petits. Euh, euh, comment dire Des œuvres très, très particulières euh, euh, là-dessus. Et les trois, c'est plus ou moins la même chose. Alors tout est sorti chez Matière, édition Matière. Euh, Il propose, je crois, des, des versions numériques. Euh, sur leur site, mais, euh, mais euh, bon, j'ai jamais fait le pas, quoi. Et en fait, euh, lui, il a la particularité, alors ça fait longtemps que je les ai lus, voilà, vous voyez, est, il est assez fin, celui-ci, il a la particularité d'être assez euh, universel. Euh, donc du coup, c'est euh, quelqu'un qui va beaucoup jouer sur les formes, très cylindriques, carrées, euh, des, des trucs euh, en ellipse, euh, etc. Il va jouer là-dessus avec un dessin qui va être assez simple et épuré, et il va énormément jouer aussi sur les onomatopées. Les onomatopées font réellement partie du dessin, et euh, clairement d'ailleurs, vous voyez, c'est à peine traduit, euh, et c'est des onomatopées qui, qui font ça. D'ailleurs, il y en a un, je crois que je l'ai, euh, qui est basé sur les onomatopées, justement. Et en fait, il joue avec, euh, avec son média, en fait, il joue avec le papier, c'est un artiste à la base, euh, il joue avec le, le format papier pour ça, en fait, pour... Euh, je sais pas comment dire mais euh, euh, pour essayer de le détourner à sa façon euh, et de créer du son euh, via l'image. Donc euh, voilà, les personnages ressemblent tout à ça, on dirait des sortes de biomanes. C'est assez assez spécial et des fois les titres font 50 pages, des fois ils font 200, c'est très 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 aléatoire. Alors c'est des livres que j'avais trouvé d'occasion, je les avais pris. Je trouve l'expérience intéressante. De là à dépenser, euh, euh, enfin acheter la dizaine de livres, euh, donc dépenser euh, presque 200 balles pour lui, euh, bon, c'est quand même très cher. Alors après, on le sait, hein, c'est des livres à petit tirage euh, et compagnie, mais ça fait quand même un sacré investissement. Et je me suis jamais euh, amusé à faire l'intégrale, sachant qu'il y en avait pas mal qui étaient indisponibles. Et je me suis dit, euh, je n'ai pas envie d'aller à la course au manga indisponible, donc je ne vais, euh, vais pas insister plus. Hop là. Et là voilà, là ça c'est... Donc le premier j'ai montré c'est Travaux Publics. Là ça s'appelle Voyage. Et je vais vous montrer pareil, on va retrouver un petit peu les mêmes éléments. Vous voyez, visuellement c'est quand même très très particulier. Effectivement, il va beaucoup jouer sur les perspectives aussi. Vous voyez, on sent qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui sont faites à la règle. Donc voilà, c'est en tout cas c'est pareil, c'est une expérience. Voilà, ça m'a jamais dit d'acheter tout, comme je vous disais, mais euh, ce que j'ai lu était quand même assez, assez intéressant. Mais comme il n'y a pas de texte, ben, ça se lit très très vite. Donc c'est ce genre de manga où il faut prendre le temps vraiment de, euh, euh, de lire, de regarder les images, etc. Quoi. Alors j'ai pas lu Le Grand Vide, donc du coup euh, euh, je, je vois l'affiche, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, voilà, donc je vous passe des pages pour vous voyez un petit peu l'évolution. Alors c'est très noir et blanc, hein, Boris. Effectivement, euh, tu pourrais comparer Kaneko avec ça, mais Kaneko reste quand même beaucoup plus dans le, 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 comment dire, le dessin américain. Le comics américain euh, avec ses aplats. Donc voilà, là, là les aplats sont là, mais c'est euh, un peu différent. Et après il y a l'huile, donc le dernier, exploration. Hop là, donc lui il est sous plastoc. Hop là, j'enlève. Alors, voilà, exploration. Exploration. C'est pas mal avec la nouvelle caméra là, je trouve. C'est plus simple pour moi, je suis moins tordu, hein. vous voyez, je, suis... je peux me, me balader un peu. Je pense que vous m'entendez mieux aussi avec le micro. Le son doit être meilleur. Je suis plus près de mon micro maintenant. Voilà, je vous montre, hein. vous voyez, les têtes de Bioman là. Donc, pareil, vous voyez, très peu de texte. Il faut, faut suivre euh, le mouvement. Il joue avec le mouvement, il joue avec euh, les perspectives, il joue avec euh, euh, justement le, le temps aussi. Euh, voilà, entre le temps entre chaque case, il, il décrypte beaucoup. Ah, super! Merci, Mangamibou. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, donc pas plus pour lui. Il y en a plein. Euh, si on va sur, on peut regarder là sur le site de matière, euh, hop, éditeur. Matière, ben, édition, j'aurais dû taper. Et il faut savoir qu'il y en a aussi. Ryan Olberg en a sorti un anglais. Et j'hésite à me le prendre justement pour avoir un petit peu plus d'infos sur l'auteur. Peut-être ça me donnerait envie de, de mieux comprendre son univers. Et ça me donnerait des clés, peut-être, pour apprécier ce qu'il fait. Et, et peut-être pourquoi pas me lancer dans, dans la collection de ses livres et de ses ouvrages. Je crois que l'édition matière n'a pas vraiment envie de s'ouvrir. Ils sont en train de se reposer. Ah, ça y est. Euh, voilà. Parution de Yoshi. Voilà. Il y en a un paquet, vous hein, voyez. Il a fait tout ça, là, sur le côté. Je, je zoome pour vous voyez mieux. Vous voyez, il a quand même pas mal. Moi, je n'ai ai que trois sur euh, tout. Mais c'est très, euh, très expérimental. Vous voyez, euh, Baby Boom, il est comme ça. Il coûte quand même 23 euros. Euh, si je prends. Non, voyage, je l'ai fait. Euh, si je prends La terre de la glace, voilà, 15 euros. Et il fait 100 pages. Vous voyez, chaque fois, c'est quand même des, des, des prix pas donnés. Donné. Et le dernier, là. Et lui, il fait 18 pages. Donc vraiment, il, il est minuscule. Minuscule. Euh, voilà. Et la, la salle du map monde. Ouais, chaque fois on retrouve un petit peu les... Donc voilà, donc il y, y a un peu de tout, c'est très expérimental. En tout cas, c'est un auteur qui, qui suivent depuis des années et qu'ils apprécient. Quoi. Voilà, alors, je propose d'enchaîner. Euh, on va enchaîner sur... Euh, lui, je vais en parler en dernier. On va enchaîner sur ce recueil, L'éveil, un auteur euh, qui nous a quittés, je crois, l'année dernière, de mémoire. Ok. Qui nous a, qui nous a quittés l'année dernière. Euh, je ne sais pas qui l'a lu, L'éveil. Dites-moi. Alors, il faut savoir que ça, j'en ai fait une critique, par contre. J'en ai fait une critique, je vais vous la sortir. Alors, elle doit être sur sens critique. Parce que toutes mes vieilles critiques que j'avais fait pour des sites, etc. J'ai tout regroupé sur sens critique. Comme ça, je me suis dit, euh, au moins c'est pas perdu et je pourrais toujours les ressortir à l'occasion. Alors je, je suis en train de la chercher. Le temps que vous me répondiez. Voilà. Donc ça, je vous la partage. Voilà, comme ça vous pourrez la lire si ça vous intéresse euh, d'aller un petit peu plus en détail. Euh, alors, quand je l'ai lu, j'étais un petit peu mitigé sur ce, ce recueil. Euh, donc euh, Miyaya, apparemment, c'est quelqu'un qui a eu euh, pas mal de, comment dire, pas mal d'influence de, de, dans le Gikiga à l'époque. Euh, ça fait partie de ces hommes, euh, en tout cas invisibilisés en, en France qu'on ne connaît pas, mais qui dans le cercle euh, de, 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 on va dire, des, des thématiques qu'il abordait étaient, euh, étaient reconnues. Euh, donc, ça en plus, c'est une collaboration Akata euh, et l'auteur, c'est qui et Vertige Graphique, hein, qui a fait ça. Et euh, donc, du coup, euh, c'est quelqu'un qui a été connu euh, comme, un petit peu comme le renouveau du Gekiga à la fin des années 60, 70, en gros. Alors, il y a plusieurs histoires. Hein. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, aujourd'hui, je trouve que ça a quand même pas mal vieilli. Euh, J'étais un petit peu, euh, je restais sur ma fin, d'accord. Il faut savoir qu'il avait débuté dans Com. Hein, de, de, je relis un petit peu mes, mes notes euh, de ce que j'avais fait. Alors, il y a un dossier à la fin, hein, donc euh, tout ça je l'avais lu euh, sûrement là-dedans. Et je trouvais que de manière générale, c'était quand même, c'était euh, d'une qualité très 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 inégale. Il y avait des choses intéressantes. Euh, il y avait des points qui, qui étaient cool. Comme par exemple, voilà, on voit le trait, il se veut très réaliste. Hein, C'est un trait qui est assez dur, qui est qui est très ancré dans le dans le réel ça c'est euh, c'est ça et euh, en plus c'est vraiment dans ce, cette ambiance à l'époque de d'insécurité du Japon dans les années euh, dans les années 80. et aujourd'hui ça accuse un peu son âge autant dans la composition que dans la narration il euh, y a des choses qui sont intéressantes mais ça, 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 ça vieillit je trouve je trouve que ça vieillit euh, donc moi j'ai pas spécialement plus qui fait que ça je t'ai resté un peu sur ma fin et euh, et donc, du coup, à la fin, même, euh, la, la dernière histoire, là, c'est une histoire de baseball et de, et de, de je ne sais plus, il y a eu un complot politique en même temps, euh, ce qui était pas, était pas mal, cette histoire. Euh, par contre, après, euh, on arrive sur la fin vers une dernière histoire de moto. Et je ne sais pas, cette histoire de moto, euh, ça m'a... Je ne sais pas. Je... Ça m'a pas du tout emballé. Quoi. Ce côté motard et compagnie. Et je trouvais que ce n'était pas, pas intéressant à lire. Euh, ceux qui l'ont lu, voilà, j'ai vu que toi c'était Arnaud, donc tu avais trouvé ça plutôt bien dans l'ensemble. Et, et moi je suis resté sur ma fin. Donc je l'ai, je l'ai gardé parce que voilà, j'ai envie de. C'est un pan de l'histoire, donc j'ai envie de le garder pour des recherches ou des choses comme ça. Mais dans ma critique, c'est ce que j'indiquais euh, à l'époque, euh, je suis resté un peu. Euh... Je ne suis pas rentré dedans, je suis resté un peu à côté. Peut-être qu'aujourd'hui en le relisant, j'aurai un avis euh, un peu un peu différent. Mais, euh, mais voilà, je ne suis pas. Euh... Je ne suis pas rentré dedans à fond. Quoi. Euh, et souvent, en fait, c'est que les narrations, les, les transitions elles sont assez brutales euh, de mémoire. Et, euh, et même, ça, des fois, ça va vite, en fait. Ça va vite et on ne comprend pas tout. Il faut, faut se poser, relire un peu, revenir en arrière. Et c'est ça. Donc, c'est un peu en demi-teinte, en fait, cette découverte de, euh, de l'auteur. Alors, pourquoi ça s'appelle euh, euh, Anthologie Inachevée Je n'ai aucune idée. Il ne l'explique pas. Euh, Peut-être que euh, l'auteur n'a jamais euh, donné sa liste complète. Euh, euh, ou alors c'est juste euh, une anthologie euh, tout court quoi. Après les dessins, certains dessins sont assez cool quoi, dans ce côté très réaliste. Hein. Voilà, et l'édition est plutôt pas mal. Donc, euh... donc voilà, donc ceux qui veulent découvrir, euh, je vous l'ai pas très bien vendu c'est sûr, mais il euh, y a des choses intéressantes dedans. Je vous invite à lire ma critique plus en détail parce que là, je pourrais passer un quart d'heure à vous relire ce que j'ai écrit. Prenez le temps de la lire. Ça peut vous donner envie en fait de la lire et de découvrir euh, euh, cet auteur. Donc ça va surtout intéresser, intéresser pardon, les passionnés euh, d'histoire et, euh, et ce côté aussi très esprit euh, contestataire en fait, hein, vraiment euh, anti système euh, euh, derrière. Voilà ceux qui aiment le, le, le geeky vintage, je pense qu'ils vont se régaler. Il euh, y a des bonnes histoires. Mais euh, le souci, c'est que euh, l'histoire de la moto, ça prend un tiers du recueil. Je l'ai trouvé vraiment euh, pas bien, cette histoire. Euh, et donc, du coup, ben, un peu do ça m'a un peu gâché le plaisir parce que quand on a. Même c'est la moitié en fait. Ça prend la moitié du recueil, donc on a une moitié qui, qui est assez bien. Il y a des choses intéressantes. Et l'autre moitié, quand l'histoire n'intéresse pas. Bon, ben voilà, on reste sur, un, sur une demi-teinte à la fin et en mode, bon, ben c'est pas mal, mais il euh, y a la moitié du. Il y a une histoire qui m'a pas plu, quoi. Donc, euh, donc voilà. Je, mais s'il y avait d'autres mangas qui sortaient de lui, je l'achèterais pour pouvoir découvrir. Euh, 218 euros, Boris. et eh bien, écoute, euh, faut casser le PEL. Il hein. n'y a, a, a plus que ça. Euh, je ne sais pas si ça existe en, en, en version numérique, ça ne va pas exister. Ouais, ça fait partie de ces livres qui aujourd'hui sont difficilement trouvables, hélas. Et ça, euh, on peut pas faire grand chose. Euh, manga suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah, un manga que j'aime beaucoup. Lui, il est cool. The Troublemaker de Baron Yoshimoto. Il faut savoir que Baron Yoshimoto, ça fait des années, euh, des années que le Lézard Noir veut sortir une anthologie. Et Que bah, c'est toujours en cours, pas, je ne sais pas, c'est très long, c'est très très long. <laughs> ça, se, ça se bat sur les prix là. Et Arnaud, 6 euros chez Gibert, bim, euh, hop là. Et en fait, Barry Yoshimoto, il était à Angoulême il y a un an ou deux ans, je ne sais plus. Moi j'avais pris son artbook, alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est dans les cartons, mais euh, son artbook est très cool et j'avais déjà acheté ce trouble maker avant. Et j'ai trouvé que The Troublemaker était plutôt cool en termes d'histoire euh, et en termes de, de geeky justement de ces époques-là. Et je crois que j'en avais fait une chronique. Euh, The Maker, je regarde vite fait, mais il fallait que je me... Je crois que j'avais noté tout ce que j'avais chroniqué. La prochaine fois je les ouvrirai, je ferai une recherche, ça sera plus simple. Comme ça, on... je passerai pas 100 ans à à regarder les trucs pire ça fait une petite pause non là je l'ai pas et sur sens critique euh, je crois pas que je l'ai hop euh, comment ça s'appelle trouble non 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 je l'avais pas critiqué je pensais l'avoir fait mais je l'ai jamais fait au final alors du coup de quoi ça parle et bien en fait c'est des petites histoires de, de Gekiga pareil et j'aimerais bien qu'il y ait d'autres histoires de lui qui sortent hein. je, je suis très très curieux euh, et c'est des histoires, alors de, de mémoire, euh, la là c'est une gamine qui a une relation avec un homme marié par exemple. Voilà, de mémoire c'est ça. Euh, alors je ne me rappelle plus les enjeux, hein, ça fait longtemps que je l'ai lu, hein, je me rappelle pas. Vous doutez bien que sur 3000, euh, sur 3000, euh, comment dire, euh, sur 3000 bouquins, je me rappelle pas de tout. De tout hein. euh, donc voilà, Donc il y a quand même pas mal de scènes un peu crues. Voilà, on les voit s'amuser. Euh, donc, euh, c'est cette relation un petit peu sans lendemain. Donc, ça, c'était. Euh, moi, j'avais bien aimé cette histoire à l'époque. Euh, on en avait une autre. C'était quoi déjà Je redécouvre un peu avec vous. Hein. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Hein. Hop, le bad boy là. Ok. Une autre histoire. Euh, donc les, les contestations étudiantes, donc on retrouve vraiment cette ambiance, un hein, pareil, du Japon des années 70, euh, en pleine euh, révolution euh, euh, sociale. Donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Quoi. Donc justement, on reste toujours dans ces thématiques-là qui ont marqué, euh, qui ont marqué euh, à l'époque. Hein. Ouais, donc là, ils sont dans un truc de striptease, euh, le contraste avec les kimonos à côté. Ouais. Moi, j'aime beaucoup son dessin, par contre. Hein. Je ne sais pas... Euh... Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le dessin de, de Baron Yoshimoto. Il y a un côté, euh, il y a un côté de Gikiga. Euh, quand je vois ses visages, euh, j'ai un peu l'impression des fois qu'il y a... Alors c'est pas ça, mais, mais il, y a, il y a des vibes un peu de, de Kamimura des fois dans la, la façon de représenter les, euh, les femmes. Euh, voilà, et j'aime bien, euh, bien justement l'esthétique en fait, de ces mangas. Je les trouve euh, très beaux. Et à chaque fois, ben, voilà, là il y a souvent des amours impossibles, des choses comme ça que la dernière c'est le dernier c'est sur un, un à l'armée sur un, un, un noir américain ouais voilà c'est ça la dernière est très cool aussi euh, le dernier là c'est sur un noir et cela était assez marquante pendant la guerre du vietnam donc pareil hein, toujours ces mêmes périodes hein. c'est un manga qui est très actuel enfin de, de son époque euh, qui était très actuel de son époque et, euh, et du coup pareil hein, qui, qui euh, montre le racisme qui montre toutes ces choses là tous ces sujets Là, le dessin est un peu plus brut, un peu plus carré, hein, qu'on pouvait voir. Donc là, euh, Troublemaker, moi j'avais trouvé que c'est une bonne compilation d'histoires, était très très cool à lire. Moi je peux que, que vous le conseiller et j'ai vraiment hâte que Barry Yoshimoto euh, arrive en France, qu'on puisse découvrir des nouvelles histoires, des anthologies, euh, n'importe. C'est pour ça que j'ai pris son artbook. que euh, pareil, il, il dessine très très bien, c'est un très très bon illustrateur. Et j'avais pris son artbook en... Euh, comment s'appelle euh, À Angoulême. Et je vous, je vous montrerai à l'occasion euh, euh, un jour. Puis je pense que ça sera peut-être l'occasion de faire aussi une vidéo complète euh, pour les Patreons euh, du, du contenu de l'Arbook Qui est très psychédélique euh, par moment. Donc si ça intéresse les Patreons, je pourrais leur faire une petite vidéo là-dessus. Pour montrer le contenu. Voilà. Je ne sais pas s'il si est toujours disponible The maker je, je vais regarder euh, vite fait. On va aller sur, le, sur Amazon qui reste une référence euh, The Troublemaker et c'est Baron ouais ah il y est toujours hein. il est toujours en stock à 21,40 je vous montre hop là c'est pas celui-ci c'est celui-ci Hop là, il est toujours en stock à 20,40€. 20, euros. Donc euh, voilà, je pense que j'avais dû le payer un peu moins cher. Est-ce qu'il y a le prix dessus Il est à 20$. Voilà, il est à 20$ derrière. Donc vous savez, voilà, vous pouvez le commander. Et, euh, et n'oubliez pas, si des fois vous, vous commandez sur Amazon, passez par les liens euh, qui sont dans la description. Ça va aider la chaîne en fait. Euh, parce que chaque fois j'ai un tout petit pourcentage et euh, ce pourcentage ben, ça me permet après d'acheter un peu de matériel, euh, ben, euh, d'améliorer la qualité du live. Vous voyez, euh, nouvelle caméra, enfin nouvelle caméra. Euh, J'utilise mon, mon téléphone différemment, j'ai acheté des bras euh, derrière et ben, tout ça, euh, ben, ça voilà, c'est un coût et donc du coup ça permet de financer ça. Et c'est pour ça que ça améliore aussi la qualité des lives. Vous verrez, euh, j'ai encore un autre bras pour le micro et tout, je serai un petit peu plus, euh, encore un peu plus euh, libre. Donc ça, ça devrait être très cool. Euh, OK, bah, du coup, ouais, Mathilde, ça te... En tout cas, voilà, ça t'intéresse, c'est cool. Et l'artbook, voilà, je pense que je ferai un petit... Euh, je vous montrerai vite fait en live, mais je ferai un petit live, euh, enfin un petit euh, une bonus Patreon euh, dessus. Comme ça, vous pourrez voir le contenu. Donc voilà, Troublemaker, très très cool. Euh, et j'étais content de, de pouvoir dire parce qu'il y, y avait Baron Yoshimoto et sa fille. Sa fille parlait anglais. Et j'étais content de pouvoir lui dire que j'avais déjà lu Troublemaker et que je connaissais et je connaissais son, son père par ça. Et donc voilà, c'était ma petite fierté personnelle. De, 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 Quand on connaît l'auteur avant, ça fait toujours plaisir. Euh, allez, on continue. Alors là, on va arriver sur un, autre, un, un éditeur très particulier. Un éditeur qui a des jaquettes calques. Alors, ça c'était avant parce que c'est piqué, puisque les nouvelles éditions de piqué maintenant euh, sont totalement euh, basiques. Mais à l'époque, pour se démarquer, ils avaient fait des jaquettes calque. Je trouve ça très très cool. Alors, ça s'abîme. C'est très. Voilà, c'est. C'est pas bon euh, en termes de, de, de préservation. Il faut vraiment en prendre soin. Donc, quand vous achetez, si vous achetez ça d'occasion, bah, c'est assez difficile de, de trouver un bon état. Bon, il y en a certains. Euh, si je vous montre. Euh, alors, dans l'ensemble, ils sont en assez bon état. Mais il euh, y en a un. hop Voilà, c'était... Vous euh, voyez, euh, le calque est, est bien défoncé. quoi hein. Donc voilà, mais bon, après, ce n'est pas grave, ça reste du ça reste du matos. Et donc cette, cette, euh, cet éditeur, ça fait pareil. C'est-à-dire que... Euh, hop là. Voilà. Cet éditeur, en fait, je l'avais découvert euh, de la même façon j'avais découvert euh, Piquet, Le Seuil, etc. Ça va être toujours la même histoire. C'est-à-dire que dans les années, euh, euh, si je ne me trompe pas, début des années 2010, euh, à partir de là, euh, j'ai découvert tout ce pan euh, de mangas, de, de, justement chez les petits éditeurs. Euh, et donc, du coup, le. Comment s'appelle euh, Du coup, le, le, tous ces mangas, je vous montre, là, de niches un peu particuliers, etc., eh c'est là où je les ai découverts. Et donc, quand j'ai découvert cet éditeur, bah, au début, j'avais trouvé des. Des mangas d'occasion, j'ai fouillé mais j ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur je comprends pas qu'on sorte ça et bien là, euh, ben là en fait à un moment j'ai dit je vais tous les prendre et je vais les découvrir donc j'ai acheté tous les mangas le seuil tous les mangas euh, euh, piqués euh, même les récents et donc du coup pour découvrir et des fois il y avait d'excellentes surprises et c'est ce qu'on va voir maintenant donc là la particularité donc c'était ça euh, et euh, et donc oui après vous verrez de manière générale ils sont en bon état il n'y en a qu'un qui est en mauvais état, et en fait, celui qui est en mauvais état, en vérité, c'est donc le paradis là, que je vous ai montré, qui est en dessous. Ouais, le paradis que je vous ai montré, en réalité, c'est que c'est mon premier piquet, euh, et quand je l'ai lu, ce truc-là, on, on, va, on, on va en reparler après, mais c'est tellement chelou. Euh, que j'avais pas acheté le, le, les autres piquets, je me disais, mais s'ils sont tous comme ça, euh, laisse tomber, moi j'achète pas. quoi. Et, euh, et en fait, pas du tout, c'est plutôt Shinichi Abe qui était comme ça et assez, euh, qui est assez particulier. Euh, donc voilà, donc du coup, des, euh, des courges par milliers, donc je ne vais pas les, les, vous les montrer dans l'ordre où j'ai acheté parce que je ne m'en rappelle pas, mais sachez que je les ai à peu près tous achetés en même temps, hormis Paradis, Paradis qui euh, j'avais découvert en premier. Et une fois que je l'avais, il était abîmé. J'avais dû le trouver d'occasion pas cher, un truc à 5 balles. Et, euh, et donc, du coup, je l'ai pris. Et après, je ne l'ai jamais recommandé pour les changer ou avoir une version euh, plus propre. C'est pas grave. Voilà, J'espère que ça vous plaît ce soir. Hein. C'est de niche. Hein. Là, vous, vous attendiez les mangas de niche. Et là, je, je vous les montre. Hein. Donc, c'est la collection. Euh, euh, les, je, je pense que ce pas les mangas qu'on voit souvent euh, présenter. <laughs> Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît. C'est important, euh, voilà, de, de, de savoir si, euh, si, même le rythme et tout, ça vous, ça vous convient. Euh, donc des courges par milliers, euh, des courses par milliers. Il faut savoir que euh, il y a une autre titre de Stotter, Ah, je l'ai pas pensé à le sortir. J'aurais pu le faire. Euh, qui est AB. Ah, il est là. Il est là. Il est chez les Verts en théorie. Il est où? Ah non, j'ai dû le mettre... Euh... Non, il est, il est dans mon truc Les Arts Noirs et du coup, il n'est pas là. Mais l'autre, c'était justement... Euh... Comment il s'appelle euh, Je l'ai vu marqué au-dessus. Voilà, euh, Mirage d'été qui est sorti chez Les Arts Noirs euh, qui faisait partie justement des bunkos euh, du malaise pour une scène très particulière à l'intérieur de, euh, de Mirage d'été avec beaucoup d'allusions... Euh, euh, sexuel et compagnie et des courges par milliers c'est un petit peu dans cette même vibe mais euh, des courges par milliers j'aime beaucoup euh, moi j'aime beaucoup l'ambiance ça euh, manga j'ai apprécié euh, d'ailleurs j'avais fait une critique dessus je vais vous la partager comme ça vous le euh, vous l'aurez hop alors elle est où on, on va trouver ça euh... voilà donc là il y a mirage d'été et voilà, des courges par milliers. Je copie le lien, je vous l'envoie. Mutanako, c'est des courges par milliers. Euh, c'est euh, du caviar Mutanako. Voilà, je vous ai envoyé le lien. Euh, donc du coup, euh, c'est un manga qui est quand même assez particulier. Euh, dessus, moi, c'est un manga j'ai ai bien aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce manga. Alors attention, il y a un côté très... Euh, euh, il y a toujours une, une sorte de, de sexualité latente en permanence. Euh, on, on sent que c'est un mec qui écrit, on ne va pas le cacher. Euh, ah il y avait les pages couleur, j'avais oublié. Alors le dessin est un peu... Euh, aujourd'hui, voilà, c'est pas le dessin le plus sexy, hein, on est d'accord. Hein. Euh, mais euh, j'aime beaucoup parce que là par exemple la première histoire, c'est genre euh, euh, petit garçon qui a le regard, euh, le regard qui se perd un petit peu. Euh, notamment voilà, avec euh, la livreuse de légumes euh, qui, euh, euh, qui transpire. Voilà, des allusions permanentes euh, et compagnie. Euh, c'est souvent ça. Alors après, si on peut le un côté un peu pervers, hein, mais, euh, mais euh, du coup, euh, euh, du coup voilà, il vaut, vaut mieux le râler différemment. Mais en gros, voilà, ce qu'il y a, c'est que... C'est un peu le quotidien d'un petit garçon là dans une ville de campagne. Et ce qui est cool, c'est l'ambiance très tropicale qui en ressort. Il y a, on sent un peu ce côté moite et humide en fait. Et, euh, et donc du coup, est, on est un peu spectateur du, du, du moment dans, dans, ce, dans ce manga. Et là, c'est euh, ben, souvent, ça va être un petit décolleté. Vous voyez, euh, toujours euh, le, la petite, euh, euh, comment dire l'angle de vue euh, un peu un peu coquin, etc. Et ça parle un peu des premiers émois, ça parle un petit peu des... Des choses comme ça, à un moment il y a une nana qui, qui décide de se barrer, euh, de, 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 de couper, euh, euh, comment dire, les ponts avec son mec euh, un jour où il, comment dire, un jour d'inondation, voilà, c'est un peu c'est un peu particulier comme ambiance, c'est des tranches de vie euh, derrière. J'aime beaucoup le, le j'aime beaucoup là, je, je le préfère à Mirage GT hein, entre les deux. Il y a un côté, euh, il y a une ambiance un peu sensuelle en fait qui s'en dégage. Et je trouve que voilà, c'est un peu décalé, il y, a, il y a un univers un peu décalé, je ne sais pas comment dire, mais c'est assez léger, c'est assez insouciant en fait. Vous voyez là on les voit danser à la fin euh, derrière. Il euh, n'y a qu'une scène qui m'avait un peu euh, fait bizarre. Genre à un moment il y a deux gamines, il pleut, et puis euh, je crois que c'est là. Alors ça, on retrouve un peu les déviances, ma chère, le gamin qui, qui, euh, qui urine dehors. Et puis d'un coup il pleut, et puis elles se foutent à poil, puis elles vont, elles vont danser sous la pluie. Voilà, je... C'est une scène comme ça, je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête de l'auteur. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait dans Mirage d'été. Donc, où dans la, la scène avec la librairie, pour ceux qui l'ont lu, elle est quand même assez particulière. On aura l'occasion d'y revenir quand je ferai les, les Lézards Noirs, mais là, je ne euh, l'ai pas sous le truc. Et genre, la dernière histoire, c'est genre un chien. Et euh, elle est où la dernière histoire euh, Ça, c'est le public. Ouais, je me rappelle, un chien avec une, une grosse tub. <laughs> je ne sais pas pourquoi. Mais pareil, c'est décalé, c'est chelou, c'est comique. Donc c'est, euh, moi j'ai beaucoup aimé celui-ci, euh, plus que Mirage d'été. Et euh, j'ai beaucoup aimé voilà, ce côté insouciance, c est, c est, c est ce décalage d'univers. J'essaie de vous montrer bien ça derrière. Ouais. Euh, donc voilà, donc euh, euh, je peux, je peux vous le conseiller celui-ci parce que c'était une bonne surprise et euh, de, de, de ce côté-là. Mirage d'été donc euh, Yuzuki Kazuo, j'ai pas plus à dire après je vous invite moi à relire un petit peu là, ce que j'ai écrit, la, la mini critique que j'avais écrit et ça, ce que je vous ai dit c'est à peu près ce qu'il y avait écrit hein, de manière générale et puis il y a pas mal de, de, de filles enfin euh, les filles elles ont un certain charme en fait y a une sensualité qui s'en dégage, moi j'aime bien, même si le dessin il est un peu plus ancien euh, je trouvais que là, par contre c'est un manga euh, euh, on sent que c'est un manga qui est plus euh, pour les mecs en fait, hein, euh, clairement de, de ce côté-là. On sent que l'auteur, il aime bien les jeunes filles et il aime bien les dessiner. Quoi. Euh, donc, on ne on va, va pas aller plus loin dans ce, dans ce sujet-là. Mais voilà, on, on sent des tendances. Euh, alors, les mangas suivants, toujours chez Piquet. Parce que là, bah, du coup, j'ai regroupé tous les Piquets ensemble. Celui-ci <laughs> Oreiller de Lac. Alors. En attendant, je vais faire une petite pause technique. Je reviens dans, dans, euh, dans deux minutes. Et on parle d'oreiller de lac. Ok A tout de suite. Et voilà. Alors. Euh, euh, ok, très bien. Euh, allez, on continue. Alors, comme je disais, hein, tous ces mangas-là, s'il faut y aller, euh, si vous voulez découvrir ce genre de manga, il faut y aller petit à petit. Euh, si vous achetez euh, 20 mangas comme ça, euh, déjà, euh, vous y risquez de, de faire une overdose. Et en fait, il faut vraiment y aller petit à petit, parce qu'il y en a beaucoup. La première fois que je les ai lus, ça n'a pas été non plus... Euh, en mode waouh c'est la révélation il y a des fois j'étais un peu dans l'incompréhension et il a fallu du temps pour que je, euh, je comment dire je digère un peu euh, certaines lectures et c'est des lectures que j'ai appréciées avec le temps en fait c'est certaines première j'ai lu j'ai fait qu'est-ce que j'ai lu et en fait en y repensant et tout je fais ah ouais non mais en fait c'était cool cette lecture là et et n'avais pas les clés des fois de compréhension et les clés je les ai au fur et à mesure développées compris et c'est pour ça que maintenant des œuvres comme ça je les apprécie de plus en plus donc sachez que si vous avez un rejet sur ces genres d'œuvres, qui sont un petit peu plus particulières, avec tout ce que je vous ai montré, c'est normal. C'est normal et ça se fait au fur et à mesure. Voilà. J'espère que le rythme vous va. Je prends mon temps pour vous les montrer, comme ça, il n'y a plus besoin de, entre guillemets, de revenir dessus, mais au moins, vous avez une, une vue complète. Alors, c'est deux volumes, deux volumes qui, euh, qui vont parler euh, des, euh, des gaïchas, et du quartier des plaisirs, euh, donc à l'époque Edo. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'autrice la, qui a dessiné ça, c'est une universitaire en fait, euh, ou du moins c'est une chercheuse qui est spécialisée là-dedans. Donc ce qui fait que les informations euh, que l'on a ici sont, euh, sont tirées en tout cas de, de recherches, et c'est ça qui est intéressant sur, euh, sur, le, sur le fond. Alors, toujours pareil avec ces jaquettes. Euh, voilà, c'est ces jaquettes euh, euh, transparentes. Hop là. est ce que euh, j'ai beaucoup aimé, hein, c'est ces deux recueils. Euh, j'ai beaucoup aimé. Et il y a deux styles graphiques différents. Alors, je vais voir si je prends le bon. Okay, voilà, il y a celui-ci et... Ouais, plus celui-ci. On va peut-être commencer par le rouge. Il y a deux styles graphiques différents. Et euh, le premier, il fait très... Hop là, on va passer un peu les premières pages. Vous voyez, il fait très estampes. Ouais, J'aime beaucoup ce parti pris euh, visuel. Je le trouve très très joli. Voilà, il fait très estampes euh, euh, de, de l'époque. Et en gros, à chaque fois, ça va être en fait des histoires de gaïcha et des histoires euh, d'un peu sous l'oreiller en fait. C'est-à-dire que... Euh, c'est des histoires qui ne sortent pas de la chambre. Euh, et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'on va mieux se rendre, compte, euh, se rendre compte de leur vie de tous les jours, euh, de ce qu'elles vivaient, euh, des, des, des fausses promesses qu'elles avaient, euh, de, de, des faux prétendants qui venaient, euh, euh, qui venaient euh, ben, euh, payer leur services, qui leur promettaient euh, de les amener au loin, qui leur promettaient euh, euh, de... comment ça s'appelle de, 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 de payer leurs dettes, etc. Et souvent, on se, rend, on se rendait compte qu'ils s'étaient mariés, que c'était des fausses promesses. Et en fait, c'était des sortes de d'amour, en fait, impossible, euh, qu'elle décrit à chaque fois. Et c'était assez touchant, tout en respectant le, euh, le, le caractère euh, historique euh, de de, 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 de l'époque. Euh, le nom, euh, Bégita, c'est Oreiller de Lac. Voilà, il y a deux volumes. Euh, et donc j'ai beaucoup aimé moi ces ce recueils. Alors il faut pas s'attendre à des histoires extraordinaires. Hein. Ça reste des histoires du quotidien. Euh, ça reste des histoires euh, de comment dire euh, du quotidien et, euh, et des petites promesses amoureuses, etc. Des, des, des flirts, euh, des désespoirs, euh, des rêves et des euh, comment ça des euh, des rêves et euh, des euh, euh, et des désillusions. Voilà, c'est souvent ça, hélas. Donc, le premier volume, voilà, il est très beau, il est sous forme d'estampes. Et le deuxième volume, il a une esthétique euh, un peu plus classique déjà. Un peu plus classique, mais qui reste, on reste sur des mangas de assez anciens. Je ne sais plus quand ça a été publié, ça. Peut-être au tout début. 95, voilà, celui-là, il est assez récent, 95. Et graphiquement, on n'est pas tout à fait dans l'estampe. On est proche, hein. On est proche, mais on n'est pas tout à fait dans l'estampe. On est sur un dessin déjà un petit peu plus euh, classique. Même s'il y, y a un trait qui est très euh, personnel. Voilà, là. Voilà. Vous voyez. Mon, mon, mon... Je ne l'ouvre pas trop parce que... Vous voyez, il a, il a, il a mal vécu ce livre-là. Il est bien défoncé. Donc, je vais le tenir en main pour ne pas l'abîmer. Voilà. C'est que ça, oui. J'ai que des mangas introuvables aujourd'hui. Vous les avez demandés, hein Moi, je vous les montre. Hein <laughs> Après, euh, si vous développez euh, la maladie du somme, ça, je, je peux rien y faire, hélas. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, de m'intéresser ça euh, il y a, dans les années 2010, il y a, il y a 10 ans, et euh, parce que grâce à ça, j'ai pu en fait euh, collectionner tous ces ouvrages aujourd'hui qui sont difficilement trouvables. Euh, donc c'est plus une question de timing en fait. Donc vous voyez, voilà, donc là, bon là, on va être avec les samouraïs, etc. Et on retrouve toujours ce, ces histoires de Gaïcha. Vous voyez, là, graphiquement, le dessin, il a clairement changé. quoi. On n'est plus sur le même. Euh, donc voilà, donc deux bons recueils d'histoires. Pareil, ça peut pas vous toucher, ça peut ne pas spécialement vous plaire. J'avais beaucoup aimé, surtout le recueil rouge je crois que c'était mon préféré, avec la partie gra graphique, mais dans le contenu, euh, dans le contenu, ben, du coup, j'avais beaucoup aimé ce côté un peu historique et euh, crédible en fait, du coup. Et c'est ça qui est pas mal, quoi. Et je vois en fait, en vérité, ça a été publié en 83, 80, donc c'est des histoires des années 80. Ouais, et l'autre, je ne sais pas si c'est indiqué, parce qu'il y a un texte à la fin. Voilà, 84, 81, donc les crédits, des fois il faut faire attention, ils disent un petit peu n'importe quoi. Notamment dans le magazine Garrot. Donc c'est très intéressant parce que voilà. On, on revient très souvent dans ce magazine qui était. Euh, qui était clairement. Euh, c'est un magazine d'avant-garde, quoi, comme il se, comme il se nomme. Euh, donc voilà, donc très intéressant. Euh, de ce côté-là. Euh, ensuite. Alors qu'est-ce que... Ouais, on va, on va faire lui. Non, on va faire lui peut-être. Alors. Voilà, on va faire lui. Le conte du charbonnier. Alors je pense que vous avez déjà entendu parler de ce manga, puisque euh, Juni de Orion Manga en a fait une vidéo. Euh, donc du coup. Euh, pas de soucis, euh, Dorothée. Bonne nuit à toi, à bientôt. Euh, oui, il va falloir faire les boutiques d'ocase euh, et, et trouver, trouver la perle rare qui, que personne ne, 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 ne connaît. Euh, auriez de là que je n'avais jamais fait de, de, de critique dessus. Hein, ça ne me parle pas. Euh, hop là, on continue. Euh, donc du coup, le conte du charbonnier. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Johnny ou pas euh, dessus Est-ce que ça vous parle donc, toujours pareil, hein, couverture... Euh, celle-là. En plus, ça, ça rend très bien, celle-là. Parce que là, ils ont mis... Euh, le, Ils ont mis ça dedans. Enfin, le, 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 la forêt. Et je trouve qu'avec... Avec le personnage, là, ça rend super bien. Vous voyez, ça s'abîme ça très facilement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le papier calque, là, il, il est un peu blanchi, quoi. Euh, alors, du coup... Euh, euh, moi j'ai vu la vidéo, mais il y avait un aspect qu'il n'avait pas abordé, et euh, je vais essayer de, de, de vous raconter un petit peu ça. Euh, dans Le conte du charbonnier, c'est une œuvre qui m'a beaucoup plu. Alors il faut savoir que c'est une œuvre qui n'est pas racontée de façon chronologique. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord raconter la fin, et puis le chapitre d'après va euh, bah, 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 revenir en arrière, etc. Alors si, je ne sais plus si c'est le chapitre ou euh, plusieurs chapitres, mais ce n'est pas un, 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 dire, dans l'ordre chronologique. Alors graphiquement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup graphiquement euh, euh, le manga, il y a un côté euh, à la fois réaliste euh, et, et qui est différent du Gikiga qui se faisait un petit peu à l'époque. Et en fait on va suivre la vie de ces char de, des charbonniers, euh, qui est une vie qui est extrêmement difficile. Euh, et en fait ils vont s'isoler dans la montagne pendant, en tout cas lui ce personnage bah, s'isole dans la montagne pendant plusieurs mois pour pouvoir aller couper du bois afin de faire du charbon. Sachant que le charbon, aujourd'hui ça s'est arrêté parce que faire du charbon manuellement, c'est plus du tout rentable. Et industriellement, c'est très bien, mais manuellement, c'est plus intéressant. Et donc du coup, il vivait dans une petite cabane selon le rythme de la forêt. Et c'est ça qui est intéressant dedans, parce que du coup, c'est vraiment quelqu'un qui vit en ermite et qui vit au son de la nature, au rythme de la nature. Euh, et en accord avec la nature. Et ça, c'était très, très intéressant de ce côté-là. Donc, il y a un côté très euh, solitaire, en fait, dans, dans ce métier. Euh, et là, on le montre au fourneau, euh, la difficulté, etc. Donc, en fait, on apprend un petit peu sur le métier de... Peut-être que je vais un peu trop vite. Euh, on apprend un petit peu sur le métier de... de, de... charbonnier. <laughs> J'ai perdu le mot. Euh, de charbonnier. Mais euh, sans parler de ça, parce que bon, à la limite... Euh, limite n'est pas le plus intéressant c'est l'ambiance qui est intéressant parce qu'au début on nous montre son métier et après en fait quand il est tout seul la nuit en fait il, il se rappelle de légendes il se rappelle de choses comme ça et de choses qui peuvent le faire un petit peu flipper et on se retrouve hop là je regarde un petit peu j'aimerais bien retrouver les passages et il se retrouve un moment dans la nuit où en fait, ben, tous les bruits pour lui, euh, c'est des yokai en fait. C'est des fantômes, c'est des choses comme ça. Et il y a un côté un peu flippant en fait dans, euh, dans, dans, dans sa vie en fait. On se rend compte que vraiment, euh, on, peut, on peut vite devenir fou quoi. Je sais pas si... Je... Voilà, donc là il parle aux animaux à un moment tout ça. Euh, et donc c'est super intéressant à découvrir. Et après chronologiquement en fait, on découvre avant de comment il devient charbonnier, de mémoire, etc. Donc je vous dis de mémoire parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Et je trouvais que l'ambiance était vraiment euh, géniale euh, dans, dans, dans ce manga. Et c'est un manga qui m'a euh, beaucoup, beaucoup plu. En plus d'être euh, euh, intéressant, on apprend des choses dedans, euh, sachant que c'est pas du tout hein. c'est on suit sa vie, on le découvre. Là voilà, par exemple, on le voit, il y a les yokai qui le... Il accompagne la nuit, par exemple. On va le voir ici. Et donc j'ai bien aimé justement ce, ce passage-là où ben il se sent pas euh, seul quoi. Et euh, voilà, il y a plusieurs passages comme ça euh, et on voit voilà toujours en rapport avec la nature. Et puis je sais pas, c'est une sorte aussi de un peu d'ode à la nature euh, euh, parce qu'il travaille vraiment en respectant respectant la nature. Donc j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, là, comme je l'ai pas lu récemment, j'ai plus tous les arguments euh, en tête, mais mais de, de l'image que ça me ça me laissait, c'était vraiment l'ambiance qui, qui transposait. On vit avec lui ce moment de solitude en fait. C'est ça que j'essaye de, de, de vous dire et de mettre en avant. On vit euh, ce, ce moment là, et je trouve que c'est très bien décrit, c'est très bien fait, et le manga il, il prend le temps justement de, de montrer voilà de montrer le décor. De, de montrer le décor quand il n'y a, a pas à parler, ben, enfin, quand il n'y a pas besoin de parler, il ne parle pas. Et je trouvais ça euh, vraiment super. Bon, on le voit, les chasseurs, etc. Euh, donc, je ne peux que vous conseiller à découvrir Le conte du Charbonnier. C'est une excellente œuvre. Donc, voilà. voilà je ne sais pas à qui ça a donné envie d'acheter. Euh, il voilà, y a Mamanga, là, qui. qui euh, les, les dessins lui plaisent bien. Euh, et toi, Arnaud, il y a des. Euh, ok, il y a des cabanes à côté des charbonnières. Ok. Ah ben cool. Euh, ensuite. Alors. On va parler. d'un auteur que j'aime beaucoup. Et il a été fait chez deux éditeurs. Donc, le premier. Donc, c'est Taki J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de manga de lui. J'aime beaucoup. Et il est très souvent cité en plus parce que c'est un auteur référence chez euh, euh, beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, derrière. Et ça, franchement, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une autre qui sorte. Et quand je l'avais lu à l'époque, c'était pour moi juste la découverte. Et euh, ça, j'ai accroché direct. Et le deuxième, euh, donc ça, c'est Shou Les Petits pains et autres de quartier. Et le deuxième, c'est euh, Histoire singulière du quartier de euh, Terajima. Et euh, lui, par contre, il est chez euh, Le Seuil. Donc, vous voyez, là, on a euh, un trou. Donc, ce que vous trouvez aujourd'hui sur l'édition de Karakuri Circus, ben, Le Seuil l'avait déjà fait euh, il, y a, il y a très longtemps. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup. Et toutes les éditions du Seuil euh, sont comme ça. Donc, je les ai toutes. Et voilà, elles sont toutes comme ça, avec euh, le petit trou. Derrière. Et donc, ça, je vais vous en parler parce que Yutakiya, moi, je peux vous inviter à découvrir euh, ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça euh, génial. Et je crois que j'en ai fait justement aussi des critiques de ça. Et je vais vous les partager. Euh, comme ça, on va. Hop. Ah, elle doit être sur. Euh... Elle doit être sur sens critique, je pense. Salut Charnalc Un autre Patreon encore. Hop, je regarde vite fait sur Sens Critique. Où est-ce qu'il est, qu est Sens Critique. Hop. Alors... Partout chaud. En plus, j'avais fait une critique assez longue. Hein. C'est sûr que je l'ai, ça. Voilà, elle est là. Super. Autant en profiter, quoi. Ah, cool. Cool, Arnaud, ça fait plaisir, ça. Alors, ça, c'est chaud, chaud. chaud enfin, euh, chaud, chaud, les petits pains. Et en fait, c'est vraiment euh, génial. Euh, c'est. Euh, euh, comment dire euh, hop là. Alors. Pardon, j'ai tapé mon micro. Voilà. En fait, on va suivre euh, les comment dire la, la vie quotidienne de ce petit garçon. Euh, qui bah, en fait. Euh, ses parents, ils ont... Un, comment ça euh, euh, ils ont un, un estaminé, une sorte de petit bar. Euh, euh, dessus et en fait il vit dans un quartier un quartier populaire de Tokyo qui est souvent composé de restos et de petits bordels euh, etc et, euh, et donc du coup euh, sa famille elle a, elle a cinq, euh, cinq membres et on va suivre plus ou moins ces membres là au travers de la vie de ce petit garçon et ce qu'il faut voir en fait avec euh, avec ça c'est que bon, le petit garçon il va faire des, des petites conneries etc mais en fait c'est qu'il va retranscrire un quotidien qui est oublié aujourd'hui euh, donc un quotidien de ce Japon du début des années 1900, euh, donc son enfance en fait. Au final, il ne fait que narrer son enfance et, euh, et donc du coup c'est génial parce que on redécouvre cette période et c'est euh, fait de façon très euh, très naturelle. Et il y a une particularité chez cet auteur. Donc voilà, on va retrouver les vieux quartiers, les vieux jouets, euh, les, les, les vendeurs ambulants, euh, des choses comme ça. Et dedans, euh, il y a une particularité. Alors, bien sûr, je pas à le trouver. Voilà. Très souvent, il y a des bulles comme ça. Je vais vous zoomer dessus. Il y a des bulles comme ça. Et c'est des bulles euh, bah, qui ne sont pas traduites et qui sont, euh, entre guillemets, universelles. Sauf que ce n'est pas si universel que ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des objets, on ne les connaît pas. C'est des objets qui sont japonais. Et il n'y a pas la traduction du coup. Alors, du coup, j'étais là en train d'essayer de chercher ce que c'était. Et, euh, et malgré tout, ça marche quand même assez bien de, de manière générale. Et je trouve que euh, ben, ce manga, moi, ça a été un coup de cœur quand j'ai lu. J'avais l'impression, en fait, d'avoir de, de, une sorte de shot de nostalgie d'une époque que je ne connaissais pas. C'est ça qui est, qui est assez drôle. Bah, je vous zoome. Bah, les gamins qui jouent, euh, euh, qui ont des jeux, là, vous voyez, des jeux de l'époque. Et donc, c'est génial, en fait, à lire. Je trouvais ça euh, euh, super bien raconté, super drôle, euh, super... Euh, je ne vais pas dire touchant tout ça, mais moi j'étais dedans en fait. J'étais dedans à découvrir cette, cette période que je n'ai jamais vécue et que, et que je. Comment dire Qui est dans un autre pays avec une autre culture. Et ça permet de transmettre ça en fait. Donc c'était un, un, gros, un gros coup de cœur. Et après toute la famille, elle est. Euh, voilà, la, la mère c'est un peu une mégère qui passe son temps à critiquer euh, tout le monde. Euh, le père c'est un peu l'imbécile heureux. On sent que c'est un peu la famille. Euh, classique japonaise quoi donc voilà il, serve, il travaille son père il, il reparafrase tout euh, la, la sœur c'est une hôtesse de nuit voilà elle, elle aime beaucoup faire la fête il euh, y a la grand mère elle essaye un petit peu de, de maquiller les bêtises du petit euh, etc etc quoi et, euh, et donc du coup c'est assez drôle en fait de retrouver justement euh, ces, ces, ces personnages dans leur quartier d'époque euh, et voilà et derrière en fait on va retrouver des travailleurs qui euh, discutent autour d'un verre euh, comme je dis des fois, il va y avoir du, du kamishibai. Euh, donc, c'est euh, euh, ces artistes ambulants qui racontaient des histoires aux enfants euh, via des panneaux. C'est un peu, euh, entre guillemets, souvent on dit, c'est un peu l'ancêtre du manga aussi, le kamishibai. Euh, et donc, ce manga-là, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais euh, moi, je peux que vous conseiller de le, euh, de, le, de le découvrir, en fait. Et en plus, il s'arrête justement sur, un montant, sur le tremblement de terre de Tokyo de l'époque. Et ils expliquent un petit peu à la fin, euh, à la fin ça. Et euh, voilà, donc ça, euh, j'en ai, ai fait une longue critique dessus parce que vraiment, euh, c'est un truc qui m'avait euh, plu. Donc c'est ce que je vous ai envoyé. Moi, je vous invite à le, à le lire. Certes, les personnages, on dirait qu'ils ont des, des pastèques à la place des têtes. C'est assez particulier. Mais euh, c'est euh, un, un côté un peu brouillon, le dessin. Euh, mais j'aime beaucoup. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça lui donne son authenticité. Et c'est immédiatement reconnaissable. N'importe quel dessin de Yutakia, on le regarde, on fait ah oui ça c'est Yutakia. Ce côté très très cartoon. Vous voyez les bulles là-haut, derrière, genre qu'est-ce qu'il pourrait s'acheter, des pastèques, des glaces, des bâtonnets. Euh, voilà et je trouve ça cool parce que du coup ce, ce langage un petit peu universel. Euh, ben voilà ça, ça montre que euh, il y a beaucoup de choses que, que, que tous les enfants font euh, dans tous les pays du monde quoi. Euh, voilà. et là on voit par exemple des doubles pages des fois avec voilà, les le quartiers des plaisirs qui se, qui se rhabillent, euh, l'autre qui fait à manger dans la rue. Euh... Donc voilà, c'est euh, vraiment génial. Je ne sais pas si euh, ça intéresse des gens, mais lui, euh, je ne peux que vous le conseiller. C'est super. Et l'autre, qui est donc du même auteur. Et je vais vous envoyer donc, la, la critique de celui-ci aussi. Hop voilà, euh, je vous l'envoie. Et alors, là, c'est un peu différent. Là, ce sont des histoires courtes. Donc, on peut voir un petit peu la, du coup, la diversité de, euh, de l'auteur euh, avec ça. Et il y a 14 histoires dedans. Alors, je, je regarde en parallèle un peu ce que j'avais écrit à l'époque. Comme ça, ça, ça vous fait une mini critique aussi. Euh, et donc, du coup, c'est très léger euh, en termes d'humour. Donc, on va retrouver son dessin, hein, bien entendu. Euh, là, voilà, des, des gens au bar là, qui vont discuter. Donc, on va retrouver un petit peu la famille, là aussi, euh, de l'autre, pour euh, le temps d'un chapitre. Vous voyez, les les, les artistes ambulants qui, euh, qui sont dans les rues. Et en fait, après, on va avoir des histoires. Donc, voilà, je passe le début, qui est, qui sont d'autres histoires de Cho-Cho-Cho, en fait, au final. Enfin, voilà. Et après, en fait, on va découvrir un peu ce qu'il sait faire. cest que là, on va avoir... Euh, merci il euh, y a pas de souci. Passe, passe une bonne nuit. Et, euh, et là en fait, on va retrouver des petites histoires humoristiques de samouraï. On va retrouver, voir un petit peu son panel en fait, ce qu'il sait faire. Alors le samouraï, c'est pas ce que j'ai préféré. Il y en a des sympathiques, c'est ce que, mais c'est pas mes préférés. J'ai plutôt préféré, euh, voilà, l'histoire euh, plus cynique euh, en prison euh, d'un mec qui euh, qui va mourir en fait et qui veut se, répentir, se repentir et qui pense à la guillotine. C'était très visuel, c'était très, très sympa à lire. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi le. Euh, très so... enfin, il y a beaucoup de, de, de faits de société, en fait. Euh, euh, notamment les, les, les gens qui. Le commérage, genre, il y a un mec qui veut sauter dans toi, puis tout le monde se regroupe. Euh, il y en a un moment, ben, c'est la ville fantôme, le mec se retrouve tout seul euh, dans, dans la ville. Et donc, du coup, il commence à, à faire des conneries, il se sent un peu seul euh, derrière. Euh, voilà, il y avait des histoires euh, euh, qui, qui mélangeaient. Euh, euh, histoire d'amour et, et révolte étudiante où Nana s'était euh, épris d'un manifestant mais tout ça c'était assez, euh, assez léger euh, et j'avais beaucoup aimé genre les amoureux là là j'avais bien aimé aussi euh, où voilà ils se sont juste ils sont juste amoureux ils, ils voient pas le monde autour d'eux quoi euh, et pour eux tout, tout, tout est bien alors qu'en fait à côté ils sont tous en train de se bagarrer euh, et ça montre un peu aussi l'absurdité euh, voilà de, de, de l'aveuglement souvent des, des gens par rapport à la vraie situation quoi donc euh, il y avait pas mal de choses comme ça hyper intéressantes dedans et je m'étais vraiment régalé à le, à le lire. Euh, toi Arnaud, effectivement, tu as préféré chaud chaud parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais ceux qui veulent avoir une idée des deux, ben c'est celui-ci parce qu'au début, il y a des histoires qui font référence à chaud chaud euh, euh, les petits pains là. Par contre, ceux qui, euh, euh, ceux qui préfèrent le, le shot nostalgique, entre guillemets ça sera clairement celui-ci. Donc voilà. Donc Takia, moi, c'était un coup de cœur. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait des nouveaux mangas qui sortent de, euh, de lui. Ça serait génial. Voilà. Euh, eh bien, on continue. Vous savez qu'on on est toujours sur la même, la même étagère. Hein. On arrive à la fin, mais on est toujours sur la même étagère. Ça, ça... Bon, après, il y a beaucoup, beaucoup de one-shots. Hein, donc, c'est normal qu'on qu prenne du temps. Hein. C'est euh, normal. Quand on lit du Dragon Ball Dr. Slump, il ben, y a deux titres, hein, ça c'est tout. Hein. Et j'ai beaucoup d'étagères comme ça, hein, avec un seul titre. Donc c'est pour ça que les explorations de Mangatech, on va pouvoir en faire un paquet. Mais c'est pas plus mal pour votre portefeuille, parce que si vous êtes intéressé par les choses, euh, ça se fait petit à petit. Mais on la fera entière. Voilà, ça, vous inquiétez pas. Euh, alors, un autre Mangaka... Je vais être. Euh, J'ai moins de souvenirs sur ce mangaka. Euh, il m'a moins marqué. J'ai quelques souvenirs de manga, mais euh, pas plus. C'est lui. Donc, c'est euh, Oji Suzuki. Et il faut savoir que Oji Suzuki. Hop. Voilà. J'ai aussi celui-ci. Donc, le kimono rouge. Euh, mais. Non, ça, c'est AB. 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 J'ai Vaste le ciel. Suzuki Et j'ai Single Match Aussi d'Oji Suzuki alors j'en ai quatre je me rappelle pas euh, d'énormément de choses mais je vais vous dire de ce que ce dont je me rappelle euh, je ne crois pas avoir fait de critique sur cela euh, même euh, peut-être vaste le ciel à la limite c'est celui que je me rappelle le plus mais je ne me rappelle pas avoir fait une une, une critique dessus euh, parce que c'est des mangas qui sont assez compliqués, assez difficiles d'accès au final. Et, euh, et c'est compliqué de faire une critique euh, construite. Euh, surtout quand des fois on ne comprend pas tout <laughs> dans l'histoire, dans ce qu'on lit. Euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là Allez. Euh, on va, Alors, on va commencer par l'anglais. Euh, alors, du coup, ben, c'est pareil, Charnac. Euh, donc, tout à l'heure, je disais, ça, c'est euh, le seuil avec euh, le petit trou comme Karakuri Circus, mais bien avant. Et ça, c'est donc piqué, les premiers piquets avec une jaquette calque. Voilà. Ah. Allez, on va remettre ça. Alors. On va commencer par l'anglais, parce que l'anglais en vérité je l'avais acheté en me disant bon ben j'en ai plein de lui. Euh, c'est C'était sorti en anglais, je ne sais plus, je crois pas que c'est Ryan Olbert qui avait sorti ça, je ne me rappelle plus. Euh, et en fait je l'ai acheté, mais toutes les histoires qui sont dans le recueil anglais, j'avais vérifié. Elles sont dans euh, les recueils français. Ok Et je crois que euh, la fille à moto, c'était qui déjà ça La fille à moto. Laissez-moi vérifier. Allez voilà, Oji Suzuki. Euh, mais la, la fille à moto, je, je vous enlève le truc là. C'est ce manga là que je n'ai pas acheté encore. Euh, parce que ben, il faut le commander. C'est euh, pareil, c'est le, euh, le même auteur. Qui est sorti chez Atrabile Donc euh, c'est là où je me dis c'est dommage, j'aurais dû l'acheter. Ça aurait été top pour ce soir. J'aurais pu faire la, la complète euh, euh, d'Oji Suzuki. Ça m'aurait rappelé des trucs. Alors c'est pas très grave. Donc, la copie anglaise, je vais la passer parce que ben, il n'y a rien, en fait. Il n'y a même pas de dossier à la fin. Donc, j'étais un peu déçu quand je l'avais acheté. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'histoire inédite et que derrière, il y avait juste une image de, euh, du gars. Bon, ben, ça. C'est un livre que j'ai, mais qui, au final, n'a final, pas beaucoup d'intérêt dans ma collection. Hop là. Euh, mais du coup, on va déjà parler de Vaste le Ciel, celui que je me rappelle le plus. Euh, qui. Euh, qui dépeint l'histoire en fait d'un frère et d'une sœur. Euh, moi de mémoire, c'était assez lunaire. Hein. Quand tu lisais ça, je comprenais pas tout. Alors c'est du, vous voyez, hein, du, un peu du yekiga pur Purcell euh, derrière. C'est assez spécial en termes de, en, en termes de narration, parce que c'est quand même des, je me rapproche un peu dans le micro. C'est quand même des, des narrations qui, qui, des fois il y a des ellipses. On a du mal à comprendre exactement euh, euh, où où on va en venir. On a des personnages qu'on a du mal à, à reconnaître. Donc, c'est un univers, une sensibilité qui est assez difficile à appréhender. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à les appréhender facilement. C'est pour ça que j'avais envie d'avoir des clés de compréhension. Et, euh, et l'édition d'Atrabile, j'ai hâte de la lire. Alors, j'ai hâte, elle est sortie en juin, donc j'aurais pu l'acheter depuis. Euh, mais c'est juste que moi, ça ne se trouve pas dans mes librairies, il faut que je la commande. Et comme ces livres-là, ils sont ultra fragiles, euh, ben, je pense que je vais attendre Angoulême pour l'acheter. Parce que comme ça. Je sais qu'il est en bon état, je le ramène dans ma valise, il n'y a pas de raison qu'il s'abîme. Et, euh, et je ne prends pas le risque. Parce que je, je suis fatigué de commander des livres, ils sont abîmés. Puis je fais mon. Je, fais, je passe pour le chieur qui a besoin de remplacer le livre parce qu'il y a un coin corné. Euh, donc voilà. Euh, donc du coup. Hop là, je vous montre un petit peu les dessins. Et en fait, ouais, c'est les histoires entre une frère et une sœur qui se cherchent un petit peu des fois. Il euh, y a des histoires d'amour, de, de, etc. Le, le, je crois que le défaut que je trouvais, c'est que les personnages adultes étaient un peu représentés des fois sous forme un peu enfantine. On ne sait pas trop quel âge elle a. Est-ce qu'elle a 18 ans, 20 ans, 15 ans On ne sait pas trop. Et apparemment, elle, elle était assez grande en fait. Et, euh, et ça se veut aussi un petit peu euh, poétique, mystérieux dans, dans les thématiques, la façon de, 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 de raconter ça. Euh, voilà, on, on voit le résumé, hein, par exemple. Ils le disent, un voyageur sans attache, un peu philosophe, un peu charlatan, tu vois, arrive un beau jour dans une auberge de montagne, tenue par une jeune femme, gna gna. voilà, Karen, une jeune fille qui s'éveille à l'amour, etc., etc. Et voilà, cette BD euh, philosophique et poétique, vous voyez, il, il le classe vraiment comme ça. Hein. Donc c'est un peu la sensation. Euh, et ça, il vaut mieux avoir des fois des clés de compréhension pour bien saisir les nuances et saisir tout ce qu'il a voulu faire. Et c'est là où, toi, en tant que lecteur, tu sens qu'il te manque des billes pour tout comprendre, clairement. Euh, voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu retrouves toujours ce Japon, euh, ce Japon perdu en fait. Hein, ce Japon rural. Des choses que tu, tu n'as plus euh, aujourd'hui. Hein. Donc voilà, vaste le ciel. Lui, je m'en rappelle. Euh, je l'avais lu peut-être assez récemment. Par contre, les deux autres, je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Donc euh, le kimono rouge. Donc j'aime bien déjà par contre la la couverture directe, hein, avec la tête de mort derrière. Donc c'est une série d'histoires courtes de mémoire. Voilà, je vous montre un petit peu les images, et puis vous allez vous faire votre propre avis. Est-ce que ça intéresse des gens, ces mangas, justement Ces mangas euh, très, euh, très décalés. Euh, c'est comme les premiers, vous verrez après, on va, on va parler de Shinichi Abe, c'est pareil. Hein. Ou même Tsuge, il hein. euh, y a certains recueils. Si on, ne lit pas, si on ne lit pas le, le s'appelle l'explication, le, 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 des fois c'est difficile à, à appréhender, à comprendre. à Du moins comprendre les subtilités. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a là Très de lumière. Et vous voyez le dessin, il est très... On, on dirait vraiment du Shinichi Abe et du Watakushi. Quoi. Donc le, manga, le Watakushi c'est le manga de soi, je ne l'ai pas précisé. Oui, tu vois, Mangamibou, tu vois, c'est très spécial. Hein. Je, je suis content de les avoir, ces livres, en fait. C'est des livres que j'aime bien relire avec le temps pour voir justement mon évolution aussi. Euh, mon évolution qui permet de, de dire, ah ben, euh, j'ai des nouvelles clés de compréhension sur des œuvres que je n'arrivais pas à comprendre avant. Et ça, c'est assez intéressant. Et là, clairement, on sort, euh, on, on sort de sa zone de confort. Après, à euh, du, du, du Suzuki, clairement, je vous conseillerais de prendre La Fille à moto, parce que je sais qu'Atrabile euh, a très certainement, et je pense qu'on va me le confirmer là dans le chat, mais a fait un, un dossier à la fin qui, qui remet en contexte euh, l'auteur. J'en suis persuadé. Donc, euh, euh, avec un dossier comme ça, on ne peut que apprécier les histoires. Sinon, sinon si, on, si on, les, on les lit comme ça et qu'on ne les remet pas euh, dans son contexte, on ne. Euh, euh, on, ne, on, on passe à côté quoi. Alors là c'est intéressant parce que justement là je, je revois des, des trucs. Alors de mémoire, voilà donc toujours pareil. Hein, il a publié dans Garot et c'est aussi une des références de Tsuge de mémoire. Je ne sais plus ce que j'avais écrit mais en tout cas ils sont très, euh, ils sont très, euh, ils, ils étaient contemporains quoi. Voilà. Tu, tu peux confirmer Arnaud s'il y a un dossier à la fin de la fille à la moto si, si tu te rappelles ou si tu l'as sous les yeux euh, donc voilà il y a certaines histoires qui me reviennent un peu à l'esprit quand, les, quand je les mate et, mais après ça, on, on va toujours rester sur les mêmes thématiques des hein, thématiques amoureuses, sociales et les thématiques des années 70 euh, ouais elle se fait draguer il euh, y a toujours des fois un côté un peu un peu, un peu coquin dans les histoires voilà et graphiquement, voilà, il y a des expérimentations. Clairement, ça me fait penser à du Finish AB, ça. Hein. Clairement. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Je ne vais pas euh, insister plus parce que je n'ai pas pu ça dire. Et le dernier, c'est bleu transparent, du même hauteur. Bon, en tout cas, euh, j'achèterai ça c'est sûr. Euh, la fille à la moto. Ça, je ne passerai pas à côté. Euh, donc vous voilà, voyez, il est tout bleu celui-là. Il est cool. Hein. Et là le dessin vous voyez il est beaucoup plus euh, il est beaucoup plus abordable. Moi j'aime bien quand ils reprennent les couleurs euh, comme ça d'impression. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est bleu. Ouais, ça fait peut-être un peu noir sur la caméra, je ne sais pas. Euh, donc là, pareil, hein, moi je ne me rappelle plus trop. Mais pareil, il y a toujours ce côté un petit peu onirique, euh, euh, ce côté poétique. Hein. Vous voyez, regardez, euh, vous voyez dans la composition des pages, cette main dans le ciel. Euh, on sent qu'il y a vraiment une, une, une approche artistique, en tout cas, qui essaye de se faire, et qui se. pour justement euh, euh, proposer des œuvres qui sont différentes vraiment dans, ce, euh, dans, dans la mouvance du magazine Garou, en fait, tout simplement. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant avec cette période, c'est de découvrir qu'est-ce que les auteurs faisaient à cette époque-là pour nous sortir euh, de. Euh, sortir, en fait, des, des, des trucs assez classiques. À seulement 4-5 pages, ok. Tu te rappelles du contenu ou pas C'était un, un truc de contextualisation qui expliquait les histoires, peut-être Voilà, la, la grande question que je me pose, c'est est-ce que c'est encore des histoires en double que j'ai ou est-ce que c'est des histoires inédites Et ça, je ne sais pas. Si il y a quelqu'un qui a la réponse, je suis preneur. Après, je le prendrai au moins pour. Ah, ben là, il y a un dossier. Vous voyez il y avait un petit dossier à la fin. Ah non, même pas. Non, pardon. C'est une histoire. C'est une histoire en version euh, texte. Euh, donc voilà pour euh, pour euh, Oji Suzuki. Euh, et le dernier là de. Dans ce lot là, de, de seuil. <coughs> Hop là. C'est Shinichi Abe. Shinichi Abe. Ah oui, il y en a encore un autre de Shinichi Abe. Et il est dans les grands formats, on va en profiter. Alors est-ce que je n'ai pas oublié là Non. Non, mais il n'y a que celui-ci. Voilà. Alors, qui a lu du Shinichi AB Parce que j'ai critiqué les quatre tomes euh, dessus, j'avais fait des trades et compagnie. Et j'avais trouvé ça très très intéressant. Euh, il faut savoir que ben, le premier que j'ai lu, c'était Paradis, qui est quand même extrêmement particulier, euh, qui n'aidait pas. Et les autres, ils sont assez, il y en a certains, ils sont assez. Euh, voilà. Euh, très difficile d'accès. Le plus facile d'accès, c'est euh, Un gentil garçon. Voilà. Si vous voulez découvrir l'auteur, Un gentil garçon est le plus facile d'accès. Mais je vais vous montrer ça. Et, euh, et je vais vous expliquer tout ça. Alors, comme je vous disais, il faut savoir que j'ai tout chroniqué. Sur, euh, euh, comment dire euh, sur Instagram. OK, Instagram Twitter, mais bon, c'est surtout Instagram, que vous allez retrouver. Euh, et on va commencer par le plus facile d'accès. Et je vais vous envoyer comme d'hab là la petite critique que j'avais faite. Et euh, c'est intéressant. Hop là, coller. Voilà, je vais juste vérifier que ça a bien marché. Un gentil garçon, c'est parfait. Alors là, on est dans du, on est dans du gekiga un peu plus particulier. On est vraiment dans le watakushi, c'est-à-dire ce manga de soi euh, c'est-à-dire ce manga où on raconte le quotidien, mais de manière assez, euh, des fois un peu lunaire. Hein. Euh, c'est assez particulier comme approche mais euh, moi c'est une approche que j'aime beaucoup. Alors, ma première lecture, j'avoue, c'était assez particulier, et après, ben, j'ai appris à aimer le style et à le comprendre surtout. Parce que si vous le lisez euh, en attendant qu'ils vont se transformer avec des super pouvoirs, euh, là, euh, vous êtes mort. Hein. C'est fini. <laughs> vous n'aurez pas ça. Quoi. Voilà. Hop là. Ah oui, alors ce, ce soir, hein, c'est les titres euh, beaucoup plus... Euh, euh, c'est moins joyeux. Hein, c'est plus grave. Alors, un gentil garçon. Donc, euh, il faut savoir qu'il a été très fortement influencé par euh, justement euh, les frères Sugé mais aussi euh, lui euh, qui est euh, Seiji J Ayashi on en reviendra dessus mais vous voyez, il a une esthétique assez particulière euh, euh, aussi. Vous voyez je ne montre pas plus parce qu'on y reviendra dessus. Et puis il y a deux livres sur lui. Il faut que je lise le deuxième d'ailleurs. Euh, il y a des livres comme ça. Je les laisse traîner. Et il faut absolument que je les lise. Euh, et en fait, dans Un gentil garçon, donc c'est des histoires qui ont été euh, dessinées dans les années 70, qu'on pouvait voir ici sur le sommaire, voilà, à part euh, les dernières, c'est une biographie, mais avec le contexte des euh, histoires du livre. Ok, bon, ça c'est pour euh, La fille à moto. Merci Arnaud, pour l'info. Donc en tout cas, un petit dossier qui sera utile pour, pour bien comprendre. Euh, donc, nous avons... Nous avons, nous avons... Attendez... Hop je vais décaler ça un tout petit peu voilà ah en fait ouais bon, c'est pas grave je j'ai mal réglé mon truc mais je le ré réglerai plus tard euh, donc euh, je disais alors un gentil garçon il a la particularité celui-ci euh, euh, de vraiment raconter en fait ses histoires euh, ra enfin raconter sa vie quoi donc, ça va être ses rencontres, ça va être la visite de ses amis, ça va être du quotidien avec sa femme. Et tout ça, c'est raconté avec une. Merci, Mangamibou. Voilà, tu pourras voir le replay de la fin, il n'y a aucun souci. Merci d'être resté longtemps. Et en fait, dans ces mangas-là, euh, ce qui est intéressant, c'est que. Enfin, c'est qu'il va facilement nous perdre, en fait, dans la narration. Il faut, faut s'accrocher quand même dans la narration. Euh, et. Euh, et le, voilà, je vous montre un petit peu les images. Et donc, c'est des situations genre son pote, il vient avec sa guitare, il passe une soirée, il discute, il se casse. Quoi. Et c'est des histoires comme ça. Mais derrière, il y a une sorte aussi, il parle beaucoup de sa femme dedans. On sent que l'auteur, Abbé, il, il aime sa femme et euh, il, y a, il y a un côté très cru dans l'œuvre. C'est-à-dire que ça, ça peut parler de sexe, ça peut en montrer. C'est très direct avec ce sujet-là. Et c'est assez déstabilisant parce qu'il y a même des scènes d'intimité avec, euh, avec sa femme. Et euh, avec des, 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 des propositions un peu particulières. Euh, des, des trucs à trois où l'autre ne fait que regarder, des trucs comme ça. Et, et il dessine ça euh, avec, euh, voilà, avec sa femme un peu soumise euh, derrière. Je ne sais plus où on, on le voyait cette scène-là. Oh, je vais sûrement le retrouver un peu plus tard et c'est des scènes en fait assez euh, euh, vraiment du, du de, intimiste en fait et c'est ça qui est euh, qui est assez euh, qui peut être assez choquant de, sur le comment dire sur le coup ça pourrait être assez un peu choquant mais euh, mais voilà il raconte en fait son quotidien et c'est un style c'est un style qui a été euh, totalement euh, repris par lui en fait Sugi avait dansé ça il avait mis de côté, et euh, cet auteur-là, en fait, l'a repris et euh, l'a, on va dire, un peu plus démocratisé avant que Tsuge revienne dessus. Donc, c'est le plus accessible, c'est le moins cryptique de tous. Donc, c'est pour ça que si vous devez commencer, euh, c'est par celui-ci. Et, euh, et euh, voilà, vous savez que ce, ce, ce de quoi ça va raconter, en fait. Hein. Euh, donc, c'est vraiment, voilà, vous voyez, là, c'est des scènes euh, très intimistes avec sa femme euh, euh, quand il la prête, entre guillemets. Euh, voilà, des fois des histoires assez. Euh... J'aime beaucoup. Hein. Moi, j'aime beaucoup Abbé J'ai pris le temps justement de comprendre son univers, de comprendre ce qu'il euh, qu a dessiné en fait, ce qu'il voulait raconter. Et euh, voilà, là, on voit des scènes beaucoup, beaucoup plus crues. Et en tout cas, c'est, c'est aussi pour lui, je pense aussi une façon de dire à sa femme qu'il aime quoi. De façon dont il a dessine, on sent que, euh, on sent qu'il est amoureux quoi. Euh, bah, c'est une sorte de dommage. Donc voilà, il donc y, y a une explication qui est très intéressante à la fin de là. Il y a un beau travail de, de Cornelius dessus, parce que justement, il explique les histoires, il recontextualise, et ça permet de mieux comprendre l'intention de l'auteur. Parce que là, euh, c'est grâce au travail à la fin. Alors, c'est Béatrice Maréchal qui a fait ça. Euh, c'est grâce à son travail vraiment qu'on arrive à comprendre ça. Si on n'avait pas ça, voilà, euh, Béatrice Maréchal. Sans ça, honnêtement, euh, on passerait totalement à côté. Et d'ailleurs, les premières histoires que j'ai lues d'Abbé, euh, ben, je suis passé totalement à côté parce que je ne comprenais pas ce que je disais. C'est euh, assez... Euh... Voilà. Donc ça, vraiment, c'est une très très bonne découverte. Vous savez le sujet, vous savez que c'est particulier. Euh, c'est du manga intimiste. Euh, c'est des narrations parfois un peu décousues, un peu difficiles à suivre. Il euh, y a quand même... Un... Ces, ces, ces moments d'intimité euh, derrière qui sont mis, mis à nu quoi et donc il faut euh, voilà il faut euh, avoir conscience de, de, de que c'est ce genre de truc que vous allez lire donc lui c'est bon et je vais vous parler des autres maintenant euh... ouais, je vais le là. alors le manga suivant de lui euh, ça va être les amours de, de Taneko, je vais vous l'envoyer Pareil. Bah, Dites-moi hein, si ça vous intéresse euh, ce genre de d'ouvrage euh, dans, le, dans le chat. Je suis curieux de savoir justement euh, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous tente, euh, euh, parce que là, bon, clairement, euh, vous, vous tombez sur des, c'est pas c'est pas que là, j'en ai encore d'autres sur région, des mangas un peu de niche comme ça, euh, notamment les Imo et, et les arts noirs. Là, vous tombez là-dessus. Euh, je me dis, là quelqu'un qui connaît pas du tout, ou qui, qui a des lectures qui restent encore très, euh, des lectures très grand public, je dirais, ça peut surprendre. Mais euh, est-ce que dans ces lectures-là, il y a des choses qui vous vous donnent envie euh, de d'expérimenter, de, de, de tester, en fait. Donc n'hésitez pas à me le dire au fur et à mesure. ce manga-là, euh, ouais, il me, il me tente bien malgré que euh, je c'est pas si facile d'accès. Je boire un peu. Hop. Alors, euh, donc, les amours de Taneko, encore une histoire, donc toujours dans la mouvance du, du Watakushi. Alors là, par contre, c'est une série qui est très, très, très déstructurée et chaotique hein, en termes de lecture. Donc là, il faut s'accrocher hein, pour poursuivre. Donc là, c'est une expérience qui est très déroutante euh, dans la lecture. Ok euh, Donc, euh, c'est très cru, comme d'habitude. Il y a beaucoup de scènes de sexe, de nudité. Alors, avec un dessin qui euh, n'est pas du hentaille du d'aujourd'hui, hein, on est d'accord hein. C'est un dessin de, de l'époque. Et en fait, il est très, euh, il est très évocateur euh, en termes de, euh, de, de, de sujets sexuels, en fait. Ça peut être des fantasmes ça peut être des, des désirs un peu un peu euh, tabou euh, ça peut être des enfin euh, je sais pas moi c'est ouais, même ça parle directement de pénétration etc c'est des demandes des fois assez crues et, euh, et on voit que AB il aime le sexe clairement et euh, il aime sa femme c'est surtout dans celui-là où ça va être un bel hommage à sa femme en fait et euh, c'est toujours pareil ça nous plonge dans l'intimité euh, euh, très déconcertante de deux de, donc il faut oser hein, parler de sa vie très privée comme ça lui il le fait et c'est bizarre parce que ce que je notais moi dans ma critique, hein, je, je vous lis un petit peu là ce que je notais euh, dans, euh, à l'époque, c'est que ça, on a l'impression d'avoir un peu un peu de voyeurisme en fait quand on lit ce manga, euh, notamment sur leurs pratiques sexuelles un petit peu intimes et c'est des pratiques que personne parle en fait. Et donc du coup, euh, ben, du coup, euh, c'est ça qui, qui est dedans. Et comme et comme sa femme en plus, elle est totalement euh, soumise. Euh, à ce que dit son mari, et eh ben ça ça, ça as fait bizarre en fait, ça fait vraiment bizarre. Euh, donc voilà, donc euh, en tout cas voilà, on, on voit voilà, je disais il est vraiment amoureux de sa femme euh, et ce, ce genre de ce genre de livre, les amours tannéco, c'est exactement euh, exactement ce qu'il montre. Alors le dessin vous avez vu, il est très euh, de plus en plus brut <laughs> de, derrière et ça va aller encore. Hein. C est, c est, là c'est c'est pas le niveau final du dessin brut euh, et déstructuré. Hein, je vous, vous le dis. On n'est qu'au début. <laughs> je, je vous le fais en douceur. C'est-à-dire que là, je vous le montre dans le sens où vous pouvez lire les quatre Shinichi Abe. Je voulais faire une vidéo dessus il y a longtemps et j'ai pas eu le temps de me poser, de faire une vidéo sur l'auteur, de, de faire une vidéo de contexte. Mais j'avais trop envie de faire une vidéo là-dessus. Une vidéo qui aurait très certainement fait 200 vues. Mais euh, j'avais vraiment envie de, 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 de parler de cet auteur qui, qui euh, fait partie des auteurs qui m'ont. Qui sont tellement déstabilisants qu'ils qu en deviennent intrigants et on a envie de rentrer dans leur univers et comprendre quoi. Donc voilà, je vous montre un peu les, les pages. J'espère que je ne vais pas me faire ban de YouTube à force. Bon là, c'est les dessins, ils sont quand même assez, assez particuliers. Euh, donc voilà, donc euh, notre, euh, notre ouvrage de Spocker. fini à B. Euh, ensuite, on continue avec le troisième, euh, le troisième qui est Paradis. Euh, alors, Paradis, je vous le partage. Donc, toi, ouais, Arnaud, il te manque une, une triste famille. Bon, on va en parler juste après. Et euh, un gentil garçon, pourquoi pas, pour Charnac. C'est un jour que je le vends en magasin. Mais je le vends bien. Ok. Euh, donc, il faut vraiment que tu tombes dessus pour pouvoir le, 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 le prendre. Il est où, Paradis Alors, Paradis, pff, attention, lui, Paradis aussi. Euh, donc, c'est le premier que j'ai lu. Et à l'époque, je n'achetais pas des grands formats comme ça, euh, puisque là, euh, dans les mangas que je vous ai montrés, j'ai acheté des titres sans connaître de quoi ça parlait, et je me suis dit, bon, ben allez, on y va, on, on va tenter l'expérience, le, et c'est ça qui va, euh, ça qui va comment dire, faire découvrir d'autres pans du, du manga. Et euh, Paradis, c'est une de mes premières expériences, et ça n'a pas été une bonne expérience sur le coup. Parce que tomber sur un truc aussi expérimental, sans euh, dossier, parce que vous voyez, il n'y a aucun dossier à la fin, souvent, hein, il n'y a pas grand-chose, euh, ça, ça, ça ça fait un peu mal. Donc, du coup, Paradis de Shinichi Abe, euh, de ce que j'avais noté, euh, c'est qu'il raconte en fait des histoires qui se déroulent dans son pays natal, euh, qui sont aussi très intimistes. Alors là, on a du papier glacé, là, euh, qui est un petit peu plus joli, du coup. Euh, donc, des tranches de vie très, très personnelles, ok euh, et donc là, comme d'habitude, la temporalité euh, et la lecture est assez difficile à, à saisir. Donc voilà, il faut prendre le temps de, de, de bien euh, lire et rester dans l'histoire. Et pareil, c'est toujours des couples, là, c'est des couples sans avenir qui sont un peu perdus dans leur propre tristesse et qui se laissent un peu porter par le, le flot de la vie. Hein. Donc c'est ce genre d'histoire-là. Des fois, c'est autobiographique, des fois, il euh, y a un peu de fiction euh, dedans. Euh, de, voilà, c'est ce qu'on retrouve. Et il euh, y a des scènes de sexe encore hein, parce que Shinichi Abe il adore dessiner ça. Et, euh, et c'est toujours pareil, c'est des, des scènes qui sont très crues, euh, mais qui restent des scènes assez, euh, voilà, on le voit assez sincères, d'accord. Voilà, voilà genre, genre la belle fille qui aguiche le grand-père. C'est voilà, des scènes des fois un peu euh, assez cheloues. Euh, et euh, les personnages ils ont des pulsions, hein. Des fois c'est assez assez brutal. Euh, il peut des fois il peut avoir du viol aussi, euh, des choses comme ça dedans. Donc voilà, soyez avertis, ça, ça arrive euh, comme ça. Donc, euh, donc derrière, euh, voilà, il, faut faire, il faut faire attention. Et euh, sinon après, ben, ça, voilà, ce que j'avais noté, hein, c'est que ça mêle un petit peu tout, il y a un peu toutes les émotions qui passent euh, là dedans et ça reste très, euh, très déconcertant. Euh, et j'avais noté quand même que c'était euh, plus accessible que les amours de Taneco. Ok, mais je me rappelle plus de ça. Rappelais plus. Alors par contre, le dessin, vous voyez, il est toujours assez expérimental, enfin assez assez simple, assez cru. Donc voilà. Je pense que Tezu, Tezuka Bell, tu dois être en décalage avec euh, euh, avec le live. Tu, tu dois parler de la postface de la fille à moto. Euh, donc voilà. Donc c'est pareil, c'est un récit que j'ai apprécié, qui reste dans la vague de Shinichi, enfin de oui, de Shinichi Abe. Euh, mais qui reste pas facile d'accès. Donc paradis. Mais par contre, c'est où, où il attendez, il y en a un où il est totalement. Euh... C'est peut-être les amours de. Est-ce que je l'ai raté? Ah voilà. Oui oui voilà. C'est bien ça en fait. C'est que paradis reste accessible et les amours de Kaneko. Merci Seb d'être si tard. En fait, plus ça va parce qu'il était pris de dépression, il était pris de folie, de choses comme ça. Voilà, on voit, il y a tout un chapitre sur sa femme. Et en fait, à la fin, il y a des chapitres comme ça. Totalement what the fuck. Je vous montre les dessins. Ils sont totalement what the fuck. Et là, il était sous. Je crois qu'il était sous médicamentation, un comme ça, là. Et donc, voilà. Ah, il y a un petit dossier à la fin de paradis, Tizou je ne me rappelle plus. Ah oui, oui. ah oui, il y a deux pages, effectivement. Il y a deux pages, je ne me je rappelle plus. Euh, donc voilà, donc ça, je voulais vous montrer ce passage-là totalement. Moi, je l'avais lu, pareil, ça m'avait... Qu'est-ce que j'ai lu, quoi euh, Et le dernier, c'est celui-ci, une bien triste famille. Alors du coup, on va en parler. Alors celui-ci, euh, pareil, il est assez dur d'accès, mais il est différent. Je J'aime beaucoup ce, ce manga. Voilà, je vous partage la critique. Ce que je vous dis à l'oral, là, sur les petites critiques, hein, c'est ce que j'avais écrit. Ça, ça me permet de revenir dessus. Alors, là, par contre, euh, c'est autobiographique et on va euh, avoir le, euh, sa vie dans les mines de l'époque. Alors, le dessin, là, par contre, il est encore plus brut. Vous allez voir, c est, c est... à chaque fois, on monte d'un niveau. Et donc, c'était au début des années 1900, quand il y avait les mines à charbon, les villes minières. Et, et donc, du coup, ça raconte justement le quotidien très difficile de ces mineurs, à l'époque de l'exploitation minière. Et déjà, dès le début, le récit commence. Il y a une femme qui, qui, qui saigne, ou je ne sais pas quoi, et on va lui faire une incision dans des conditions atroces. Euh, pour, lui, euh, pour la soigner c voilà. et ça c'est typiquement le, 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 le truc euh, affreux quoi, avec des têtes de mule euh, euh, incroyables et en fait c'est vraiment des, euh, des, des des ouvriers de l'extrême en fait hein. c'est vraiment, ils sont exploités par les entreprises euh, et leur seule préoccupation à la fin c'est euh, bah, les bains, les femmes euh, et le repos quoi euh, ils font que ça en fait, ils travaillent et puis après bah, ils sont contents d'aller au bain et puis d'aller dormir et puis, et puis recommencer quoi et on découvre du coup tout le système de hiérarchie qui est en place et tout. Vous voyez, le dessin est très très brut. Et là, tous les hommes, ils sont sales, ils sont têtus, ils sont sous, ils sont très fiers, ils n'ont pas d'avenir. Euh, voilà, ils, ils réagissent vraiment comme des animaux des fois. Et, euh, et dès qu'il y, qu y a un conflit, ils veulent se battre. Enfin, C'est quand même assez... Euh, C'est une, une ambiance où je ne serais pas bien dedans. Quoi. Je ne me sentirais pas à ma place hein, parce que la violence, elle est clairement en permanence, elle est omniprésente. Et, euh, et les femmes, il bah, n'y a pas à parler. Si elles, si elles parlent, elles se reçoivent un coup de poing et puis c'est fini. Hein. Donc, euh, fin de l'histoire. Et donc, voilà. Donc, on sent que c'est... Euh, comment dire C'est euh, autobiographique. Ça raconte euh, ce qu'il a connu euh, enfant. Euh, très certainement des histoires que son père a dû connaître ou lui raconter. Je ne sais pas. Ça, c'est pas indiqué. Et euh, avec ces personnages très... Euh, euh, très têtu, très dans le, le sacrifice, euh, etc. Donc, c'est super à lire je me suis régalé la première fois que je l'ai lu enfin la deuxième fois que j'ai lu parce que la première fois euh, et ben du coup pff, on sait pas trop ce qu'on lit on sait pas trop où ça va en plus c'est très rigide hein. vous avez vu le mouvement à un moment il y a un combat de sabre à la fin alors le mouvement c'est zéro quoi il n'y a aucun euh, il n'y a aucun mouvement voilà ils se battent je vais vous montrer le combat il est où le combat voilà regardez moi cet art du mouvement <laughs> il y a zéro zéro mouvement dans le truc. <laughs> donc là, ça, c'est un peu difficile. Quand j'ai eu la première fois, c'était ardos. Après, en le relisant, j'ai fait, ok, d'accord, je comprends mieux. Maintenant, je vois les personnages, je les reconnais, etc. etc. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il met, met des dates, en fait, des vraies dates. Donc ça, ça l'ancre dans vraiment l'époque, en fait, dans la réalité de l'époque. Donc c'est assez intéressant d'avoir justement cette vue, voilà, on voit les dates, cette vue sur ce Japon de, à ce moment-là. Donc voilà, salut Nico et salut Julien. Euh, donc voilà, donc euh, on a fait le tour des Shinichi Abe. Moi, il y a pas de souci, j'en achète d'autres parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais vous l'avez vu, c'est pour un public très averti euh, déjà pour son contenu, mais aussi pour les thématiques, la narration, enfin le, le sujet. Là, on est on est à, à l'extrême opposé des, des mangas accessibles. Mais non, c'est ça, c'est limite humoristique parce que c'est il n'y euh, a pas de mouvement, il n'y a rien. Tu dis ça, tu fais, mais, mais, mais il bouge au moins ou quoi là C'est là où tu vois que l'art du mouvement en manga, c'est vraiment un art. Vraiment un art. Euh, donc voilà, pour le, une bien triste famille. Alors ce n'est pas sur l'étagère. Ce n'est pas sur l'étagère, mais, euh, mais je l'ai rajouté parce que euh, je l'ai eu entre temps et il y était dessus. Donc je me suis dit, autant en parler. C'est ce livre-là, Shichofu, parce que je trouve qu'il va très bien avec la thématique. Et plutôt que de ben, ne pas en parler, euh, alors que je l'ai déjà lu, hein, puisque ce, ce livre dont, dont je n'ai pas lu, ben, je n'en parle pas pour le moment, parce que je ne peux pas trop vous en parler. Euh, mais, euh, mais, euh, ou alors c'est parce que c'est un auteur qu'on aborde et je peux le montrer, sans vous dire de quoi ça parle, parce que je ne l'ai pas lu. Mais euh, par contre, Shichofu, je l'ai lu. Je l'ai lu et je crois d'ailleurs que j'avais fait une critique encore quand je faisais des critiques parce que pas... là, ça fait un moment que je n'en ai pas fait, j'avais clairement plus le temps d'en faire. Et là, alors, critique, critique, critique. Est-ce que j'avais critiqué Chichoufou Peut-être pas. Je crois qu'on en avait parlé dans un bunko, peut-être. Ouais, c'est ça. On avait parlé dans un bunko. Pas pareil. Non, les marauds sont pas passés et je pense qu'on ne fera pas les marauds ce soir. Euh, ouais, je pense que ça va être compliqué. Donc, euh, mais c'est pas grave. Euh, Shichoufufu, parce qu'on a fait qu'une étagère aujourd'hui. Qui l'a lu C'est sorti récemment ça. Hein donc Boris il l'as lu, tu ne s'en souviens plus très bien, c'est normal, c'est très particulier. Euh, donc il faut savoir que là, c'est un truc récent. Mon truc est dégueulasse. Non ça va, c'est de la saleté. Euh, je crois que je l'ai... Moi bon, c'est pas grave, je l'ai encore plus sali. Euh, alors, Shichofu, euh, donc uh, Junichiro Seito, euh, lui, il a une particularité. Laissez-moi revoir. Euh, je me rappelle plus à plus particularité. Alors, ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, moi, c'est typiquement le genre de série que j'aime beaucoup. C'est tellement décalé euh, euh, derrière que, que je, je me régale. Alors, je regarde un petit peu les. Je crois qu'il avait un truc particulier. Non, non, il, euh, non, il mentionne pas. Alors il faut savoir qu'en vérité, il y a, il y a trois Chichofu, hein. euh, Nous, on en a qu'un, mais il y a aussi euh, ce qui dit deux spin-offs euh, comme il, euh, dessus. Et euh, si vous êtes intéressé par ça pour voir à quoi ça ressemble, il y a euh, Koenji euh, qui, euh, qui est un youtuber sur son Patreon, il avait montré le America. Et moi, j'avais vu le America avant que les arts noirs euh, euh, annoncent ça. Le America est tellement barré. Euh, quand il l'a présenté, et bien en fait, le le du coup, quand les arts noirs a annoncé ça, j'étais trop content quoi. Euh, donc en gros, qu'est-ce que c'est ben Alors là, on est clairement dans du sort de manga euh, trash alternatif visuellement. C'est voilà, hein, c'est vraiment ancré dans le manga de, 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 des époques anciennes hein, parce que ça c'est récent, c'est clairement un hommage euh, là-dessus. Euh, moi je kiffe, je kiffe ça. Par contre, c'est totalement barré. Totalement décalé chez Choufou, euh, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. C'est euh... donc là, vous voyez, le mec il a, il a, il a plus de doigts, euh, il s'est fait couper la main. Euh, on, on se retrouve avec des, des je sais plus au moment où il bouffe des crocodiles, des choses comme ça. C'est déjà en plus l'histoire à suivre, elle est compliquée derrière. Moi j'ai dû la relire deux trois fois avant d'arriver à bien comprendre. Est-ce que c'est le même personnage, pas le même personnage, ça, ça, on te perd dans un univers un peu absurde. Euh, un univers qui est méchant euh, très souvent euh, gratuitement en plus et, euh, et j'aime ce délire voilà moi j'aime ce délire là ça sort totalement de, de ce qu'on a l'habitude de lire mais euh, c'est un bon, un bon délire euh, vous voyez une sorte de, de monstre derrière Donc, je vous montre un petit peu les images je pourrais même plus vous l'expliquer tellement que l'histoire elle est elle est elle est what the fuck en fait sachant que c'est plein de petits chapitres qui se passent dans le même univers à un moment je sais plus ils sont dans un bar là ils sont en train de l'autre il a un colt à la place euh, à entre jambes je vous montre un peu les dessins vous voyez c'est très 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 particulier hein. donc voilà donc je ne sais plus. Euh, ça fait un moment que je l'ai lu, alors j'ai plus tout en tête. Déjà à l'époque, quand on en avait parlé, j'avais pris des notes et tout pour, euh, pour ça. Hop là, j'ai de retrouver la scène. Oh, putain. La, la scène là où elle est en train de, de pisser un truc là. Elle euh, est où -ce cette scène sur le bar là J'essaie de vous retrouver des scènes un peu emblématiques. Ah oui ben voilà l'autre qui a, qui a un pistolet chibre. Voilà, c'est ce genre de délire là. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, je ne sais même pas comment vous le vendre en fait, tellement qu'il est chelou ce manga. Donc toi, Mathilde, voilà, il a piqué ta curiosité. Et donc effectivement, euh, à collectionner, je peux comprendre que ça... ça en plus, il vaut 18 euros, hein, il n'est pas donné celui-ci. Et clairement, euh, vous l'achetez, vous risquez d'être déçu parce un étant aussi cher vous allez avoir des attentes dessus c'est normal et euh, moi je suis habitué maintenant à acheter des mangas à 18 balles donc c'est pas grave mais quand on achète un manga comme ça on veut qu'il soit bien et il est tellement déstabilisant ce manga euh, et, et je sais pas il a un truc il a un truc mais il, il faut le capter tu vois et, et là t'as payé 18 balles tu t'as lu ton truc t'as rien capté ah, tu comprends que t'es es déçu, quoi. Donc euh, voilà, attention avec ce livre-là, il est très, très particulier. Moi, les, si les deux autres sorts, j'achète sans problème. Mais euh, je ne suis pas convaincu. Je demanderai à Angoulême s'il si compte sortir euh, la suite. J'aimerais bien, parce que euh, ça serait cool qu'il euh, qu euh, qu euh, qu qu le fasse maintenant. Je pense que niveau vente, il a dû en vendre deux. Donc euh, voilà, quoi. Ouais, c'est le, le Robocop, le Robocop version, euh, version Shichufu. Euh, donc voilà et puis vous voyez euh, c'est totalement déstructuré c'est je sais pas au niveau des histoires et puis graphiquement il y a un côté sale qui s'en dégage en permanence euh. Euh, donc voilà donc ça euh, shit show c'est l'occasion d'en parler euh, de, pour ça donc là on arrive à la fin euh, de la de cette rangée ah, attendez je vous ai mis on arrive à la fin de cette rangée Enfin, on aura mis la soirée hein, pour euh, 3 heures pour ça. Alors, il y avait beaucoup de, de titres aussi. Hein. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on a après Alors, après, on a ça. Alors, plutôt que, euh, on a encore 20 minutes, ce que je propose, plutôt que commencer les rogoureux, on va se le garder pour la prochaine fois, euh, les cagots, les machins, etc. Peut-être qu'on pourrait parler des, des grands formats. Euh, de continuer sur ces grands formats et ensuite on finira les rogouros. Comme ça, euh, comme ça au moins on finit tous ces livres euh, qui sont des livres un petit peu indie, euh, euh, des souvent de garrot ou des choses comme ça, et, euh, ou underground. Et comme ça, euh, voilà, on, on a fini le rayon et on pourra enchaîner sur les, euh, les rogouros on pourra enchaîner sur ces, euh, les, les grands formats qu'il y a là. Euh, Est-ce que ça vous va Est-ce qu'on continue comme ça comme ça, ce soir, on continue un peu parce que sinon, j'allais vous proposer d'arrêter. Parce que c'est dommage d'attaquer les rogourous maintenant. Autant faire un live rogourous. Hein. Là, on passera la soirée à voir des choses crades. Dites-moi dans le chat. En attendant, je fais une pause. Et est-ce que ça vous a plu tous ces livres parce que je pense que là, vous avez vu des livres, il euh, n'y a pas grand monde quand on parlait sur internet hein, de ces livres là. Mais moi, je me suis vraiment fait plaisir hein, à découvrir ces livres, à aller, euh, euh, comment dire, à explorer, à gratter ces petits catalogues, à aller fouiller les bases de données euh, de, de, de manga collègues, de manga collègue, de, de manga sanctuary et de, et de manga news. J'y ai fait, mais chaque ligne, chaque page, hein, j'ai tout fait pour tout choper et tout. Et, et ça, c'est ça, ça, ça. Je me suis régalé à, à faire ça. Quoi. Alors, euh, ben, du coup, on va en profiter. Et ben, on va commencer pour les grands formats. On va faire ça. Et ben, c'est très bien. Et comme ça, la prochaine fois, on, on continuera sur les grands formats. Par contre, je ne pense pas qu'on aura le temps de te faire tous les grands formats ce soir. Euh... Comment je vais faire avec les rogoros sur YouTube ben, Je vais montrer et puis on verra si je suis censuré. Voilà, ça va être ça. Après, si graphiquement, c'est trop explicite, si graphiquement, c'est trop, euh, euh, si trop explicite dans le sens où c'est bien dessiné, euh, c'est trop reconnaissable, je pense que là, je serais obligé un peu de masquer, de faire attention. Mais là, les trucs que je vous ai montrés, euh, c'est tellement euh, euh, c'est tellement des dessins qui sont bruts que l'algorithme, il ne reconnaît rien du tout. Hein. Voilà. Donc euh, des trucs comme House of Brut, par exemple, ce sera beaucoup plus dur à montrer. Donc ça, on verra, on verra comment, on, comment on va faire. Mais bon, on verra, et puis au pire, on, on ajustera à ce moment-là. Alors, ce recueil, Comic Underground Japan, si vous voulez connaître les mangas underground, euh, et ben, ben du coup, ben ce livre-là est pas mal. Voilà, tout comme je ne l'ai pas mis ici, mais il y a aussi le recueil AX euh, Anthologie aussi. Euh, je ne sais pas où il est, mais pour la prochaine fois, je le, je le sortirai. Parce que je pense qu'il a, il a sa place plutôt ici euh, que dans le rayon. J'ai fait un petit rayon Les Arts Noirs. Je pense que le AX Anthologie il a plus sa place ici. Euh, alors, il est à l'envers. C'est assez drôle parce que du coup, il se lit comme ça, mais la couverture est de l'autre côté. Et donc, ça va être un recueil euh, d'auteurs de, 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 underground, donc de magazines Garo euh, très expérimental. Et en fait, ça se passe un peu de commentaires. C'est-à-dire que là, on est sur du manga. Euh, tellement perché par moment que ben en fait il euh, y a des trucs que tu comprends pas en fait tu comprends pas du tout et comme il n'y a pas d'explication plus que ça hormis une toute petite mise en contexte euh, bon c'est un peu compliqué par contre on va retrouver des auteurs qu'on connaît euh, par exemple Ebizou on en a déjà parlé euh, on a voilà on a un euh, euh, qu'on connaît il y a Maruo aussi voilà. et il y a du Hino dans les auteurs qui sont connus, qui sont arrivés en France. Alors, peut-être comme ça, ça vous dit rien, tous ces noms-là. Euh, mais Ino c'est Le Serpent Rouge, c'est L'île Panorama, on en a parlé déjà, je les ai présentés. Euh, mais ben là, on ne les a pas encore discutés, mais voilà, un des maîtres de l'Héro-Gouraud. Euh, Anawa, qui, euh, qui a pas mal de livres chez nous, euh, notamment euh, La demeure de la chair, qu'on avait déjà parlé, mais aussi euh, Conte fantastique d'autrefois chez Kana, etc. Donc, ça, quand on va parler d'Anawa, ça sera l'occasion. Euh, Takeshi Nemoto, donc lui je vous l'ai montré tout à l'heure, celui qui a fait Monster Man Lula, Lulabai et euh, donc les deux premiers c'est c'est celui qui a fait The Pit of Hell euh, que je vous avais montré euh, euh, la dernière fois. Qui est ah non, je ne mon... non, non, l'ai pas montré, pardon, je ne l'ai pas montré. Il est là, là c'est le le l'arc-en-ciel, dans... c'est celui-ci, donc je vous le montrerai euh, euh, la prochaine fois. Je crois que je vous avais montré le, le grand format de, de ça. Donc, c'est. Euh, je sais plus, il faut que je vérifie si je vous ai parlé de Pit of L ou pas. Et en gros, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il y a une, une introduction euh, qui explique pour Garo, machin, tout ça. Euh, donc, euh, toujours on retrouve Garo. Et là, ben, on va retrouver des histoires euh, sans dessus dessous, euh, dans tous les sens. Aussi le graphique très très différent. Donc, voilà. Euh, Est-ce que j'ai une ou deux maisons d'édition préférées ben Moi, ça va être plutôt du Vimeo, euh, du Lézard Noir. C'est ce qui va me plaire. Euh. C'est des catalogues qui me parlent. Qui me parlent beaucoup plus. Enfin, je vous montre un petit peu les histoires. Euh, je passe un peu. Et, euh, et après, du Cornelius aussi. Cornelius, euh, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils font. Ouais. Ouais, donc, c'est du Bisou, je passe. Là, voilà notre auteur. Avec cette tête un peu, un peu chelou. Les mecs, euh... voilà, je passe. Donc lui, on en a déjà parlé. Donc l'auteur de Monster Manual là-bas, je le passe. Euh, voilà. Alors cet auteur-là, Shimoda, je ne connais pas, mais par contre, le dessin est tellement, euh, tellement chelou. Voilà, avec ses grosses têtes là. Et c'est pareil, c'est des histoires souvent un peu euh, méchantes en fait. Donc Anawa, là je pense que vous allez reconnaître le dessin d'Anawa. Donc une histoire d'Anawa dedans. Euh, lui c'était qui là Donc lui, je ne connais pas Tanyoka. Vous voyez, vous voyez le dessin, hein, c'est hyper expérimental. Hein. De ce côté-là, on est au son, son dessin le plus basique, quoi. Euh, Maruo, mais Maruo, ça c'est une histoire qu'il y a dans DDT. Donc on reconnaît de suite les, le trait de Maruo. Donc ça c'est une histoire qui est, qui, qui est dans DDT, donc il euh, n'y a pas de truc Stotter euh, donc Yamada. Donc là euh, pareil, encore des trucs un peu, un peu trash. que je, je relise, à l'époque je suis resté un peu en mode qu'est-ce que j'ai lu quoi, mais c'est quoi ces auteurs Qu'est-ce qu'ils veulent dessiner quoi Regardez graphiquement là, ça fait mais ça fait peur en fait. Les têtes elles font trop peur. Je continue, ça le même auteur Un autre, à là c'est inno une histoire il est chez Lui on reconnaît son sa patte graphique. Toujours dans l'horreur. Ah oui après il y a lui là qui ressort chez chez Imo. Je l'ai d'ailleurs celui-ci là. Euh, voilà Nekojirou. Euh, oui perso moi j'ai pas beaucoup aimé ce, ce, ce manga là. On en reparlera quand on fera Imo. Euh... Donc voilà. Euh, donc voilà donc une belle compilation. Si vous voulez connaître des auteurs underground, euh, par contre c'est chelou. Voilà. Euh, IMHO Claudio. IMHO tu tapes. Tu vas le trouver de suite. Euh, j'en ai parlé, euh, si tu regarderas le live, euh, la rediff tu verras, j'en ai parlé plusieurs fois. IMHO. Euh, donc voilà. Alors. <coughs> lequel on va parler Allez, on va parler de cela, on va les faire dans l'ordre. Comic Q 1 et 2, qui sont sortis en France. Est-ce que ça vous parle C'est Kana qui avait sorti ça. Qui c'est qui a tenté l'aventure des Comic Q Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Comic Q ce sont des compilations sur des thèmes. Le premier, c'est l'enfant et c'est la nourriture, le deuxième. Et c'est des compilations avec plein d'auteurs différents. Euh, et là, c'est. Moi, perso, je les ai achetés d'occasion, je n'avais pas connu à l'époque. Il y a des choses intéressantes dans ces recueils. Alors déjà, c'est la diversité des auteurs, ça c'est assez cool. Euh, les histoires en soi, euh, je ne m'avait pas marqué spécialement, mais je trouvais que euh, c'était pas mal de découvrir ça. Donc là, c'est des petits compiles. toujours sur la nourriture. Et là, euh, comment elle s'appelle déjà Voilà, c'est euh, Junko Mizuno, on en parlera quand on fera Imo. Euh, donc voilà, elle a un style très kawaii. On en reparlera, et Trash. Voilà, on en a d'autres. Je vais pas tous vous les citer, mais. C'est pour vous montrer un petit peu, chaque fois celle-là, c'est sur les enfants, compilation d'enfants. Merci Boris de l'avoir noté. Donc pareil, hein, c'est japonais. Ils ont, tenté, ils ont tenté de faire ça en France. En fait, il y en a plein au Japon. Il y en avait, je crois, une vingtaine euh, qui, avaient été, euh, qui avaient été fait. Et en fait, euh, ben, ils ont tenté l'aventure. Ah, je connais cette autrice. Yamada Naito. Non, ça me parle pas. Allez, je regarde euh, qu'est-ce qu'elle a fait. Euh. Il y a des fois des, des traits comme ça qui me, qui me parlent. Donc ouais, donc c'est pas mal pour découvrir pas mal d'auteurs sur un thème. Euh, des fois ça parle, des fois ça ne parle pas. Euh, des fois, c'est des auteurs qui n'ont pas été euh, traduits en français. Donc c'est totalement la découverte. Et euh, bah, des fois si, euh, justement, on, on peut acheter ces autres mangas. Euh, donc voilà, ça c'est le premier, Comic Q. J'ai pas un souvenir ultra. Euh, ça n'avait pas transcendé hein, quand je l'avais lu. J'avais trouvé ça sympathique. Mais comme souvent les histoires courtes et d'auteurs différents, ça s'adresse quand même à un public euh, qui cherche de la découverte. Hein, c'est plutôt ça. Il faut, il faut le voir comme ça. Quoi. Donc voilà. Fourouillard. Euh, pour en tout cas, c'est très expérimental, souvent. Vous voyez, par exemple, celui-ci. En jaune là, comme ça, c'est assez, assez drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a après C'est quoi, c'est qui cet auteur Ah, Yuko uh, Koroda, c'est celui qui a fait le Clan des Tengu et euh, des courges par, euh, pas des courges par milliers, mais les, les, les histoires d'été là et autres, courges, aux, aux, autres histoires de courges, un truc comme ça, euh, d'aubergines plutôt. Donc, euh, ah, je me disais bien, je connaissais ce dessin. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Encore du, du Mizuno, cette fois en noir et blanc. Lui je connais pas. Mais vous voyez voilà, c'est assez expérimental. Euh, moi ça m'aurait bien plu qu'il en fasse plus. Ah ça c'est, je crois que c'est c'est l'auteur de l'auteur de comment ça s'appelle, euh, Sarami. Ce qui ressort là. Euh, Sarami. Princesse de l'enfer. Attends, je vérifie. Azakusa. C'est Keishi, c'est lui. C'est ça. C'est lui là, vous vous rappelez ce, ce manga. Hop là, ce manga là. Sarami. Voilà, et ben c'est son trait. Je me disais, je reconnais euh, les couettes. Ah mais il y a du gonagai aussi. C'est du gonagai, ça? Ah non, c'est pas du Gonagai, c'est un style proche du Gonagai, c'est Keishi Tanaka. Vous voyez, on, on découvre. On découvre. Ah ben, la femme sushi. Et ça, c'est quel auteur je, je, Du coup, j'en profite pour regarder. Non, je connais pas cet auteur. Euh, donc voilà, donc euh, pas mal de. Ah, bah ben, on retrouve Yokohama, euh, celui qu'on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est pas mal. Salut Mangabalas tu, tu fais bien de passer. On est en train de, de regarder tous les mangas alternatifs. Euh, donc voilà, donc du coup Comic c'est aujourd'hui, c'est un arrêt d'édition, je crois, mais, mais ça vous donne un beau panel de, de plein d'auteurs que vous pouvez découvrir. Et c'est presque dommage qu'il n'y en ait eu que deux, avec le recul. Mais je pense qu'aussi, c'est sorti beaucoup trop tôt. Le marché n'était pas prêt. Euh, même un lecteur comme moi qui, euh, qui était demandeur. Euh, quand je l'ai lu, je n'ai pas, euh, pas accroché au truc, euh, à la proposition. Alors que pourtant, là, quand je le regarde aujourd'hui, ça me donne envie de les relire et d'approfondir de, 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 tous ces auteurs et de, de découvrir ça. Et effectivement, en VO, il y en a une, apparemment une dizaine. Et en français, il y en a eu que deux. Il n'y en a eu que deux, il n'y a pas eu plus. Et ça a été, ça a été stoppé. Je ne sais pas si. Non, il n'y a pas les œuvres en VO. Donc voilà, je ne sais pas si ça donne envie à certaines personnes de découvrir les auteurs via, via ces titres. Euh, alors, allez, on va continuer encore un peu. Si vous êtes chaud là, euh, je vois qu'on est encore nombreux. On peut profiter encore un petit peu. Euh, allez, on va parler de Je propose qu'on en fasse un dernier, si ça vous va. Et on va parler d'un manga un peu plus léger. Parce que tout à l'heure, depuis euh, toute la soirée, là, on a parlé de mangas qui sont assez, assez lourds. Vous l'avez vu, hein, tous les mangas euh, un peu Gekiga euh, ou euh, d'auteurs, etc. Il y a souvent des thématiques lourdes à l'intérieur. Il y en a assez peu, à, à moins que ce soit vraiment What the Fuck, mais il y en a assez peu qui sont, euh, qui sont avec des thématiques euh, euh, assez, euh, assez légères. Hop là. Ça, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé quand je l'avais lu. Qui est euh, rafraîchissant, je dirais. Et qui est Cornigule, qui est sorti chez Cornelius. Ça parle à qui Ça parle à qui Dites-moi, qui l'a lu celui-ci Alors ça fait longtemps que je l'ai lu, mais quand je l'avais lu, ça m'avait laissé plutôt un bon souvenir en fait. C'est-à-dire que Cornigule... Hop là. C'est un petit bonhomme là avec sa petite pointe là sur le, <coughs> sur le, le crâne. C'est des dessins qui sont très simplistes, euh, très ronds. Et, euh, qui... et finalement, c'est assez mignon en fait. C'est assez drôle et assez mignon. Alors toutes proportions gardées, bien entendu. Hein, je veux dire, ça reste des, euh, comment dire, ça, ça reste. On accroche, ou on n'accroche pas hein, à l'univers, à l'humour, à la légèreté du manga. Et en fait, on va suivre l'histoire de Cornigule avec sa petite pointe là sur le, sur le truc. Et je ne sais pas quand je l'ai lu, Le souvenir que j'en ai, le, le, ce que je ressens en tout cas quand je me rappelle, c'est que j'avais passé un bon moment. Et euh, j'avais aimé l'univers, ça m'avait fait rire, j'avais aimé les, les, les situations. Genre là il s'accrochait à la lune. Hop là. Euh, par exemple. Et après je crois qu'il y a des sortes de monstres aussi qui arrivent. Et vous voyez, c'est des dessins qui sont très, euh, très ronds, très carrés. Moi j'aime beaucoup ce, ce style graphique. Il a un univers en fait. Il a un univers à lui et ça j'aime beaucoup quand il y a des univers comme ça, euh, marqués. Hop là, je passe. Oui, oui. Euh... N'aigu la tâche quoi, et en fait il peut, il peut un peu se transformer, ou je sais plus, euh, il y a un truc comme ça. Je passe un peu, donc voilà, visuellement c'est très simple, et euh, mais voilà, moi je, je perso, j'avais j'avais kiffé l'univers, c'est mignon, c'est drôle, euh, c'est tout à fait un truc qu'on pourrait donner euh, pour les plus jeunes de mémoire, il n'y a, a pas de violence. Bon, juste l'édition, elle n'est pas trop adaptée pour les jeunes parce qu'elle s'abîme très très vite. Euh, comme d'habitude. Et euh, voilà, bon là, ça joue un peu sur les robotings. Voilà, des fois il n'y a pas de... Voilà, ça joue sur les perspectives et tout. Euh, les tailles, les échelles. Et vous voyez, c'est un univers qui est, qui, est, qui est chelou en fait. Il a, est assez particulier, assez particulier cet univers. Et pareil, c'est les univers, ben, il faut lire, rentrer dedans, découvrir. Là, je vous montre juste quelques images seulement. Euh, donc, pas, euh, c'est pas la meilleure façon de découvrir, mais vous voyez que ça... En tout cas, il a un univers à lui, il a quelque chose à proposer, il a une proposition graphique, en fait, il a une proposition d'univers. Et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de manga. C'est que c'est pas pour le fond en soi qu'on le lit, c'est plus pour le dépaysement. Et, et c'est ça dedans que j'avais apprécié dans Nigul, c'est qu'il m'avait dépaysé. Et j'avais beaucoup apprécié ma lecture. Avec des monstres, avec plein de trucs. Parce que c'est des univers un peu absurdes. Et ça, moi j'aime bien ces univers-là. Quand, quand tu sens qu'il y a une cohérence et que c'est dans la tête de l'auteur, et qu'il développe petit à petit son univers derrière. Donc voilà, je sais pas si ça donne envie de découvrir Cornigule chez Cornelius. Et c'est un grand format, hein, comme vous voyez. Je vous remonte des images. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette esthétique-là. Ça fait très jouer des années 20. Voilà, et genre de... À chaque fois qu'il y a des personnages comme ça, on se demande toujours. Moi, je me demande toujours, mais d'où sortent ces personnages quoi Comment ils fonctionnent donc voilà, encore cornigule, pas plus. Moi, c'était une bonne surprise à l'époque. J'avais apprécié ma lecture. J'avais trouvé ça super cool. Et même la couverture, on le voit là, avec les robots qui... le monstre qui se bat derrière. Ça, ça annonce la couleur déjà. Donc ça aussi, ça fait partie des œuvres que j'avais achetées à la chaîne. À la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Je me suis dit, bon bah allez... On y va, on y va, on y va, on y va, on, on s'en fout, on découvre, on continue quoi. Euh, donc voilà. Euh, combien il en reste en fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il en reste pas mal quand même encore. Euh, C'est sûr, j'aurais bien aimé finir ça ce soir, mais j'ai peur que ça dure longtemps, jusqu'à minuit passé. On <laughs> va jamais dormir après. On va jamais dormir. Euh, salut Roud, bienvenue. Bon allez, je propose qu'on finisse ces livres-là parce que le mois dernier, il n'y a pas eu de Mangatech, euh, avec mon oeil. Euh, donc on finit au moins ça. Et euh, comme ça, la prochaine fois, on pourra attaquer les... On pourra attaquer les... comment ça s'appelle euh, les... les rogourons. Ok, comme ça on attaque direct sur les Roguero, on est, on est chaud là, il n'y a pas de transition. Alors, ça non, pour la prochaine fois. Hop. Euh, du coup, le, le Anawa, je vais pas en parler de suite. C'est-à-dire celui-ci, je vous montre. Hein. Je vais, je vais modifier un tout petit peu le truc, c'est-à-dire que le Anawa ici, je vais pas en parler. Euh, maintenant, j'en parlerai euh, qu'à la fin, euh, parce qu'en en fait, tous les autres anawa sont de l'autre côté. Donc, euh, du coup, on verra après. Et euh, il y est ici là. Là, ouais, il y est. Celui-ci, je vais le garder pour après. Et ça. Donc, ça fait que on va parler de six livres. Je reste dans la thématique. Hein. Tout le reste, je l'ai mis après. C'est pas la peine d'en parler maintenant. Donc voilà. Ah, bah, vous êtes chaud, allez, allez, allez. Vous êtes chaud, on y va, on y va, on s'arrête pas. Euh, allez, on va parler de celui-ci. Alors, celui-ci n'est pas sur le truc, mais euh, c'est sa place. Donc, j'en profite d'en parler maintenant, euh, comme ça, au moins, c'est fait. Parce que c'est dommage de ne pas en parler euh, euh, derrière, euh, alors qu'on est justement dans ces périodes Gekiga. Euh, et en plus, euh, Masaiko Matsumoto. Euh, fait partie justement euh, de ces gens qui ont euh, participé à la création du Gekiga. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, autant, euh, autant le, 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 le mentionner euh, euh, maintenant. Euh, alors ça, la fille du bureau de tabac, j'avais fait une critique à l'époque. Voilà, je vous la partage. Ah, les toc! Euh, c'est un livre que j'avais bien aimé. J'avais critiqué ouais, il y a un moment. Euh, donc, c'est un livre qui est clairement dans son jus de l'époque. C'est-à-dire que ça, ça parle des années euh, 70 de mémoire. Et euh, ça va être des, des petites scènes euh, du quotidien. Il y, a, il, y a, il y a, je crois, 11 récits, un truc comme ça. Et euh, c'est des tranches de vie qui sont très, très banales. Hein. C'est les tranches de vie euh, qui sont indépendantes c'est des histoires indépendantes. Des tranches de vie qui sont assez banales dans le dans euh, dans le comment dire, dans le déroulement. -à dire déroulement. C'est-à-dire qu'on va suivre des couples, on va suivre une femme qui va, euh, euh, qui va arrêter son travail pour, euh, parce qu'elle va se marier et rester à la maison. Donc c'est quand même très ancré dans les, ces, ces esprits-là des années, euh, des années euh, 70. Il euh, n'y a pas de morale particulière, il n'y a pas de but final. En fait, c'est vraiment une sorte de, 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 de petit récit euh, que, qui aurait pu se passer à cette époque-là. Sans enjeu, euh, sans rien. J'ai beaucoup aimé moi ce récit, euh, ce, cet ouvrage. Par contre, euh, ben, le problème, c'est qu'il faut aimer les, les œuvres comme ça, parce que si on, on aime des trucs qui, enfin, euh, si on aime les tranches de vie, mais avec une conclusion et compagnie, c'est pas là-dedans que vous allez le trouver. Ça va être, plus, ça sera pas, ça sera pas. Là, il faut vraiment le prendre comme, mais euh, ben voilà, là ils vont à la fête, voilà, ils vont prendre des petits, des, des petits masques astro ou pas, ils vont faire la fête euh, et on va les, on va les suivre euh, là-dedans quoi. Et ça va être un couple qu'on va suivre là. Euh, pareil, ou un, hein, il, 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 il est amoureux de la fille de, du bureau de tabac, il va acheter des cigarettes 5 fois par jour juste pour lui parler. Quoi. Donc c'est des petites histoires comme ça. Et en fait, de, de ce que j'avais noté, c'est que des fois c'est pour ben, échapper à un mariage arrangé des fois c'est quelqu'un qui reste avec un homme par défaut euh, des fois c'est la peur d'avouer sa flamme c'est euh, voilà, chercher une excuse pour voir une personne des fois ça parle d'infidélité, d'alcoolisme, de cupidité. Euh, voilà, c'est euh, euh, un couple qui n'arrive pas à avoir de logement, euh, des trucs comme ça. quoi Donc, euh, Ou des gens frustrés par des, des, des désirs non assumés, ou, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment, ça, ça dépeint une, une, réalité, euh, une réalité de, de l'époque, une, une société qui est, qui est assez timide à tous les niveaux au final, euh, où la rencontre entre les hommes et les, et les femmes ne sont, sont pas facilitées par la société. Hein, c'est surtout ça, et souvent, ben, les mariages arrangés, c'est la facilité. Et justement, dedans, il y en a, en fait. Euh, donc voilà, donc euh, ce qui est intéressant de ce que j'avais noté, c'est que justement, dedans, ça en découle des points un peu plus profonds, justement, avec des couples qui se marient sans se connaître euh, et qui vivent sur des bases très matérialistes. Euh, après, le dessin, ben, il est assez particulier. Hein. C'est lui qui a fait Gekiga Fanatics, pour, euh, pour ceux qui l'ont lu chez Les Lézard Noir. Qui revient justement sur la genèse du Gekiga. Et, euh, et c'est ça en fait, il y a plein de thématiques derrière, comme l'engagement, l'investissement dans, dans un couple. Et, euh, et donc, il y a, en fait, la, la, si on le lit pour du divertissement, il n'a rien d'intéressant en fait ce manga. Euh, il ne faut pas le. On va dire, ok, c'est bien, moi je m'en fous que l'autre il, il va à la fête ou l'autre il a des problèmes dans son couple. Par contre, si on essaie de le lire avec un œil. Euh, plus sur une critique de l'époque euh, ou des histoires de l'époque euh, derrière euh, eh ben en fait euh, ça devient intéressant parce que ben, c'est souvent ces histoires là des mangas qui datent justement, je ne sais pas quand il a été fait celui-ci est-ce euh, que c'est est-ce que là dans le crédit des mangas non, il n'y a que le dépôt légal euh, mais bon ça doit être un manga qui doit dater des années 70 euh, qui justement euh, ben, c'est euh, un screenshot de l'époque en fait c'est une photo euh, de, de l'époque et qui permet de retranscrire ça et ça c'est intéressant dans, dans tous les pays de savoir quelle était en fait le, la, la société du moment et quelle était la, euh, la comment dire la, la pensée générale du moment euh, donc voilà donc c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé ce, ce recueil je l'avais noté moi et, c est, et ce que je disais justement en conclusion c'est que euh, L'œuvre hein, euh, se révèle au final plus profonde qu'elle n'y paraît avec ses petites bancales, euh, banales pardon, euh, qui ne sont pas au final dénuées d'intérêt. Donc, même si c'est insouciant avec un petit humour léger, euh, et ben, du coup, voilà, on découvre ce Japon dans plein plein bouleversement euh, économique. en fait. Donc, c'est une fenêtre ouverte sur cette époque qui pourra intéresser justement les Français curieux de l'ambiance et de la mentalité des années 60. Donc, voilà, c'est Donc, ce que j'avais noté pour ce livre-là et je suis toujours d'accord avec mon, mon avis ça serait dommage de ne plus être d'accord avec son propre avis euh, donc euh, donne lui sa chance je dirais et effectivement si toi tu l'as euh, Mathilde tu peux l'avoir à la médiathèque prends le ça justement ça te coûtera rien et, euh, et avec tout ce que je t'ai dit essaye de le lire justement avec ce, ce regard un petit peu euh, cette prise de recul je dirais euh, voilà euh, alors je vois un petit vos commentaire Ouais, ça fait un peu Simpson. Hein. C'est un peu particulier le, le, le dessin. Hein. Euh, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, sur Kappa at Work, il est un Italien, mais tu connais l'auteur avec son texte. C'est une sacrée expérience. Ah oui, mais en fait, oui Hugo sur le. Là, il parle de Neo Kappa et de, de l'autre. J'ai pas osé le prendre parce que c'est un Italien et je voulais pas me retrouver avec de l'Italien au milieu. Mais euh, mais il me fait de l'œil en tout cas ce Kappa at Work. J'ai envie de le commander. Euh, ensuite, allez, on va enchaîner sur deux, sachant qu'il y en a un troisième que je n'ai pas lu de cet auteur. Et donc, je ne pourrais pas vous en parler. Et en plus, ben, comme là, tous mes mangas ne sont pas rangés, j'ai pas la possibilité de vous les sortir. Donc, euh, ça sera l'occasion de vous en reparler plus tard. Euh, mais euh, en tout cas, je, je l'ai, euh, le livre. Et, euh, et c'est le livre, voilà, c'est lui, c'est Seiichi Hayashi. Il y a trois livres de lui. Le troisième, donc il y a Eligé en rouge qui est sorti chez Cornelius. Il y a euh, celui-ci euh, qui s'appelle euh, Flower, quelque chose. Là. Voilà, Golden Pollen and Other Stories. Voilà, ben là, le titre il est en gros. Édité par Ryan Holberg. Et euh, le dernier de lui, c'est Red Red Rock, je crois. Red Red Rock. Ah, attendez, il m'a merdouillé le truc. Et comment il s'appelle Il s'appelle Ayashi. Voilà. Euh, c'est celui-ci. Il est plus dispo aujourd'hui, hein, hélas. Je vous montre l'image. Voilà, c'est celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai, mais je ne l'ai pas, euh, pas encore euh, lu. Euh, bonne nuit Toon. Merci d'être resté si tard. à bientôt. Il faut qu'on se capte euh, tranquillement tous les deux. Euh... Ok, Hugo, ben je le note, je vais me le commander comme ça euh, je l'aurai ce, ce Kappa at Work. Euh, attends, regarde, on va, on va en profiter à Kappa at Work. Et je crois qu'il y avait une version anglaise pour moi et, et je ne l'ai jamais eu euh, manga. bon, il n'arrive pas à le trouver, je le, je, le, je le sortirai un peu plus tard. Alors, on va commencer par Élégie en rouge. Et je crois que j'en avais fait une critique. À chaque fois, je dis ça, et puis après, je ne la trouve pas. Et ça va être ma nouvelle blague, ça. J'en ai fait une critique. Un moi je critiquais beaucoup de choses quand même. Hein. Et, euh, mais après, vraiment, j'ai plus eu le temps, mais c'était cool. J'aimais bien faire ces petites critiques là. Je trouvais que c'était assez synthétique et, euh, et ça pouvait donner envie de découvrir, euh, découvrir certains, certains auteurs. Alors là, j'ai trouvé ma critique sur celui-ci. Et est-ce que j'avais fait le premier J'ai peut-être pas fait les gens en rouge. Ah, j'ai pas fait les gens en rouge en fait. Mais j'ai fait celui-ci. Eh bien, on va commencer par celui-ci. Allez, je vous envoie le lien parce que celui-ci sera, sera chaud. Eh bien, en plus, mato jora Toi, t'es intrigué par celui de droite. C'est parfait. Commençons par celui-ci. Euh, donc, pareil, un auteur qui, euh, de Garo. Alors, il est très grand le volume, hein, donc il va dépasser euh, de, 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 de ma caméra et je vais pas, je vais pas la déplacer. Hein, elle est placée, elle est calée. Euh, donc, euh, euh, donc, les premières pages sont en couleur. Euh, donc, ce que j'avais noté en fait à l'époque, c'était euh, justement que euh, c'est une anthologie de quatre histoires et euh, la première histoire, ça va, c'est vraiment des univers assez uniques. Et la première histoire, elle est autobiographique, puisqu'il va raconter sa période assez rebelle, avec euh, justement, il est un peu perdu dans ce moment-là, avec une mère qui est veuve, euh, et qui, bon, pff, enfin, laisse un peu couler tout ça, quoi. Donc là, moi, j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le. Il y a, il y a, je ne sais pas, il y a un esprit. Euh... Je, je, je... Après, moi, je ne suis pas spécialiste en cinéma, mais euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a un esprit un peu nouvelle vague, en fait. On essaye de, de créer une image très particulière. Euh, et j'aime bien cette l'esthétique qui en ressort. Vous voyez, on a l'impression que c'est des affiches de cinéma euh, de, de des années euh, des années 50, 60, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait penser à ça. Et euh, donc voilà, donc on va, pareil, c'est très autobiographique. Toujours un peu de un peu de fion, sinon c'est pas drôle. Euh, et donc du coup, donc ça, c'était c'était plutôt cool. Je passe hein, pour vous montrer la suite. Donc il, il se prend la tête avec sa mère des fois. voilà euh, donc, c'est une histoire autobiographique. La deuxième, elle est un peu plus touchante. En fait, c'est euh, une mère et son fils euh, qui vivent dans une sorte de pauvreté, qui a des difficulté et tout. Et en fait, on va se rendre compte que ben, sa mère se prostitue, mais on va le voir sous le regard de l'enfant. Donc, on regarde très innocent. Et, euh, et donc, lui, il joue, etc. Il voit des hommes défiler dans la maison, mais il capte pas ça en fait il capte pas il capte pas du tout ce euh, ce qui se passe et en fait voilà c'est une, une façon très très poétique au final de montrer de montrer, euh, de, de, de montrer euh, les, les actes de la mer en fait sans, sans la juger quoi donc ça j'ai trouvé ça très cool et euh, les deux dernières histoires c'est euh, un gros melting pot euh, d'un gros euh, mix de, de culture mondiale et c'est très cool alors ça ne finit pas c'est vraiment dommage euh, c'est pas complet, mais moi j'avais beaucoup aimé. Il y a un côté très euh, estampe, donc ça c'est très cool. Mais ça mêle aussi des super-héros, comme vous pouvez voir ici. Mais, euh, voilà, il faut que je vous le mette droit pour que ce soit plus propre pour vous. Euh, il peut y avoir des yokai, il y a des légendes japonaises, euh, voilà, il y a des personnages de, de, de cinéma. Et en fait, il y a tout un ensemble de trucs, mais c'est pas fini parce qu'il y a aussi des robots géants. Et il se sert en fait de cette esthétique. Euh, euh, de, de, de culture et ça je trouve que les, les histoires elles sont, elles sont euh, euh, assez intéressantes et assez cool à lire mais comme ça finit pas on reste un peu sur, on reste un peu euh, sur sa frustration je dirais de ne pas avoir la, la suite ah, déjà je crois que le gamin il sort d'un il sort d'une un, vulve géante ouais voilà on le voit ici il sort d'une vulve géante le gamin Et là, il y a une super image aussi euh, qui reprend le, voilà, euh, le, le, le squelette, le fameux squelette, euh, j'ai pas le nom à chaque fois. Voilà, on sent l'hommage en tout cas à ce, à ce, à cet artiste des années 1800. Donc toujours un peu d'érotisme, mais érotisme avec des filles, avec des poils sous les bras, ça c'est cool. Pour les années 70. Euh, euh, et à la fin, il y a un énorme, voilà, le fameux squelette ici. Et à la fin, il y a un énorme dossier encore de Rian qui explique sa parution dans Garou. Donc c'est lui l'auteur en fait, c'est un auteur qui a vraiment un centre artistique euh, très poussé, euh, très particulier. Et c'est ça qu'on qu va chercher en fait en lisant ces mangas. C'est vraiment l'esthétique le, qu'il propose euh, plus que vraiment le fond des histoires en soi, parce que le truc de multipo de super héros il euh, n'y a, a rien de, 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 de foufou mais de manière visuelle et narrative c'est quand même très cool à lire donc il y a lui et euh, en livre et euh, qui, euh, pareil qui est pas assez dépaysant alors Ouais, C'est un élude, donc je suis obligé de le protéger. Et les en rouge. Alors, et les en rouge. Alors, je, je, Team Garou ou AX, en fait, je ne pourrais pas te dire Hugo, parce que pour moi, là, je les mets un peu dans le même sac. Euh, je n'ai pas, pas noté assez de différence pour vraiment les différencier dans leur, dans le, dans leur axe. Euh, donc voilà, donc du coup, je pourrais pas te dire Hugo, je ne suis pas assez expert, en fait, dedans pour te dire, ah ouais, non, je vois les subtilités de Garo, je vois les subtilités de AX. Et en fait, je suis toujours dans une phase de découverte pour le moment. Il y a plein d'histoires, des fois je fais, ah mais ça a été écrit dans Garo, je ne savais même pas. Donc euh, voilà, même si j'ai lu au final beaucoup, enfin euh, tout ce qui est sorti comme ça en France, ben, il y a des fois je, je continue à découvrir. Et il est en rouge. Euh, alors attendez, laissez-moi, hop là, relire le, le pitch, parce que ça fait longtemps que je l'avais lu, mais il n'y a, a rien écrit. Euh, en tout cas il est déjà en rouge donc c'est l'histoire d'un couple en fait qui va plus très bien je crois de mémoire et euh, j'avais beaucoup aimé enfin, j ai... le problème c'est que ça fait longtemps que je l'ai lu hein. donc du coup euh, euh, je pourrais pas vous dire le, le, le récit mais bon, ça va mélanger les genres, on sent que là c'est euh, les influences américaines euh, voilà, la lune aussi ça fait clairement penser au Béhérite hein. là euh, ça, ça, je sais pas si Murat s'est inspiré de ça mais ça fait clairement penser au Béhérite euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est le fait qu'il euh, y ait l'esthétique en rouge. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment génial, parce que ça donne une, un charme particulier à, à, à cette œuvre, euh, qui est très accessible hein, de mémoire. Euh, voilà, on voit les références là, avec Blanche-Neige. Euh, et donc, du coup. Euh, voilà. Après, c'est pareil, je, de mémoire, ça raconte aussi ces histoires d'auteurs un peu perdu, euh, sans succès, euh, voilà, il se prend la tête avec sa, sa copine, etc. C'est des histoires qui sont assez intimistes, euh, des histoires du quotidien, des histoires, voilà, c'est tout ça. Et là, je vous dis ce que je me rappelle, hein, parce que je l'ai lu euh, il y a peut-être huit peut ans, donc euh, je j'ai plus, plus de souvenirs précis dessus. Quoi. Mais je vous conseille que euh, de, de, de vous y intéresser, parce que pareil, ça fait, ça fait partie de ces livres. Qui sortent un petit peu de, de, de la zone de confort, qui montrent un, un, un manga beaucoup plus intimiste, euh, beaucoup plus personnel. Et c'est une autre facette du manga, comme je disais. Et c'est très intéressant d'aller de, de, vers là. Parce que ça ouvre, vous avez tout ce que je vous ai montré ce soir, il y a beaucoup de mangas assez intimistes. Et bien ça ouvre toutes ces lectures-là. Et c'est des lectures qui sont, qui sont marquantes, en fait. Euh, de, de, par un moyen ou un autre, elles sont marquantes. Voilà, le mec sans, sans sous quoi. Et j'aime beaucoup hein, ce côté rouge là. Je sais pas si vous voulez, si vous aimez bien ça. Voilà, et ça lui donne vraiment, euh, on reconnaît immédiatement le manga quoi. D'avoir choisi uniquement une couleur. Et là, pareil, on est encore dans ce, cette mouvance gekiga euh, et expérimentale. Et c'est grâce justement à des œuvres comme ça que, qui a permis d'avoir aussi la diversité dans le manga. Quoi. Donc voilà pour celui-ci. On a King Kong et, et Godzilla. Ah, c est, c est, ça fait longtemps que je l'ai lu. Ça me donne envie de les relire. Hein. Je vous le dis. Ça, c'est le genre de truc, là, j'ai vraiment envie de les relire. Et là, je me dis, je... Il que j'arrête de lire des nouveautés. Il voulais juste que je relise ma collection. Il y a tellement de trucs bien que j'ai envie de relire. En tout cas, moi, à l'époque, toutes ces découvertes, euh, c'était vraiment. Euh, J'en redemandais. Hein. J'en redemandais en permanence. Hein. Alors, on va continuer. Il nous en reste trois. Euh, Celui-ci. Alors attends, je vois donc Hugo qui me disait par rapport, donc la différence est subtile. Garros apporte vraiment une essai Gekiga dont X se détache un petit peu, je trouve. Ok, après peut-être que X était peut-être un peu plus expérimental, parce que le Gekiga était fini, il n'y avait plus besoin de faire ses preuves. Et donc euh, c'est peut-être ça aussi. Mais euh, là, euh, arriver à caler les deux, euh, pour l'instant, je ne pourrais pas le, le, le faire proprement. Euh, allez, mademoiselle Tanaka, ça j'en avais parlé. Euh, il y a très longtemps, et d'ailleurs je crois que c'était une de mes premières critiques, c'est ça. C'était une de mes premières critiques, et, et le poste avait plutôt bien marché pour l'époque. Et j'étais surpris parce que c'était un truc ultra de niche. On est, est d'accord sur le constat. Perso j'attends la retraite pour relire tout ça. Tu, tu verras plus Zeno, euh, t'es tout cas, je veux dire, t'es belle. Tu verras plus, c'est fini après tu pourras plus les relire. <laughs> et Mademoiselle Tanaka, du coup je reviens dessus. Alors, c'est un manga, je ne, je ne connaissais pas l'existence. C'est-à-dire que lui, je l'ai acheté après avoir fouillé tous les catalogues. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous avais dit, euh, j'avais acheté euh, 30 ans euh, euh, vierge et je dessine des trucs de manga, euh, des mangas érotiques, et euh, Tokyo des, des deux livres qui étaient passés sous mon, sous mon radar. Et bien, Tanaka, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un livre qui était passé sous mon radar à l'époque. Et euh, bonne nuit, euh, charnac. Merci d'être resté si longtemps. Il était passé, resté, enfin, il était passé sous mon radar et du coup, je l'ai commandé et, euh, et je comprends parce que c'est une toute petite maison d'édition qui a sorti ça. Humeur, c'est la seule d'ailleurs et, euh, et c'est très très déstabilisant ce, cette, euh, cette série. Donc pareil, publié dans Garo aussi. Euh, et donc là, ben, c'est cette histoire qui, ont été, qui sont totalement décalées. Alors le dessin, vous allez voir, c'est assez particulier. Euh, c'est des univers assez fantaisistes, un peu enfantins absurde, avec une, un personnage récurrent qui est la quinquagénaire, donc la cinquante-ballée, euh, qui s'appelle Takada. Et en fait, on va la suivre, euh, et là, c'est pas une œuvre qui va suivre la, la, la bienséance. Hein. Euh, c'est une œuvre qui est absurde, euh, elle est moqueuse, elle est moraliste, elle est, elle est même méchante, euh, et c'est méchante envers les handicapés, envers les personnes comme ça, et, et c'est toujours, euh, ça finit toujours sur un, un humour noir euh, très brut, un peu brutal à la fin. Il y a toujours un meurtre, il y a toujours un truc de, de, de méchanceté pour finir l'histoire. Euh, donc en fait, sous ces airs enfantins, en fait, ça se moque beaucoup de la société et du monde euh, et, et de son hypocrisie et compagnie quoi. Donc euh, on peut être un peu choqué. Moi, j'avais fait lire à des amis, ils ont été un peu choqués des fois par le propos très brut qui t'envoie dans la gueule comme un coup de poing. Euh, mais en fait, euh, voilà, il, je pense qu'il faut le voir vraiment au, au second degré. Euh, parce que si on le prend au premier degré, euh, on se dit non, mais c'est pas possible d'écrire ça quoi. Euh, c'est euh, euh, voilà. Euh, donc, je vous montre un petit peu les, les dessins. Hein. Euh, donc, ça, bon, visuellement, hein, c'est clairement une curiosité, mais c'est aussi une expérience, hein, euh, clairement, parce que les, 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 entre les personnages hors normes, ils sont difformes. On, on dirait en fait une œuvre qui a été un peu écrite sous LSD quoi, des fois. Elle est, elle est très, très, très chelou. Quoi. Donc, c'est déroutant à tous les étages. Surtout autant visuellement que narrativement. Hein. Euh, donc, voilà. C'est donc un petit titre décalé, un peu underground, euh, que j'aime bien. Euh, parce que ben, ça... On ne enfin, sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas où ça va. Ça, c'est assez, euh, assez déroutant. Euh, voilà. Je, je vous montre des pages... Donc ça, vous voyez, je, je, je me doute que ça ne va pas intéresser beaucoup de monde, mais j'étais content de trouver là-dessus parce que c'est ce genre de manga que j'aime bien, parce que c'est tellement, tellement à part qu'il n'y euh, a, y a, y a pas beaucoup de monde qui va vraiment s'y intéresser. Là, je me rappelle un moment, c'était, voilà, Jarla, je ne sais plus, à lui, il était avec son, son frère handicapé ou un truc comme ça. Et mais c'était gênant en fait à lire c'était hyper gênant avec l'autre qui le colle tout le temps derrière c'est voilà et puis des fois voilà c'est totalement absurde donc voilà donc ça mademoiselle Takada euh, expérience véritable expérience de lecture euh, moi je suis content de l'avoir lu mais c'est ça fait bizarre quoi donc euh, alors je connais pas euh, Ide Yazumoto euh, je, je vais le taper euh. je sais que Hugo toi t'as une, une une connaissance un peu plus poussée as beaucoup tu connais beaucoup d'auteurs euh, euh, comme ça, euh, toc. Je, je râle un petit peu là, ce que, qui c'est. Moi, bon, il y a plein d'auteurs japonais euh, que je, je, je ne connais pas aujourd'hui, et donc c'est lui. Effectivement, c'est vrai qu'il a des, il a, il a un trait euh, très particulier. Ouais, effectivement, ouais. Euh, Donc très décalé. Donc voilà, qui, qui va acheter euh, Mademoiselle Takada ou qui ne va pas l'acheter plutôt Je pense que j'aurai plus de réponses comme ça. Il ne va pas l'acheter, euh, et après on continue. Euh, c'est plus dispo, mais de mémoire, moi je l'avais payé 6 balles, hein, un truc comme ça. Hein. Enfin, je pense, c'est plus dispo, mais je crois que sur le site, peut-être le site de l'éditeur, humeur, ils le vendent, mais ils le vendent à 18 balles, hein. c'était hyper cher, dans ouais. 14 euros. Euh, mais je crois que je l'avais trouvé à moitié prix sur Rakuten, un truc comme ça. Alors on continue, on est chaud là, on continue là. Il nous reste deux livres, ok. Et après on va pouvoir faire une pause jusqu'au mois prochain. Alors hop là, je me bump avec mes scotch, mes vieux scotch. Voilà, désolé pour le bruit. Je dois vous tuer les oreilles là. Allez, je coupe le micro. Ouais, les grands formats, euh, des fois, je, je mets plus de scotch parce qu'ils sont un peu, euh, un peu chiants. Alors... Euh, Laissez-moi vérifier un truc. Bon aujourd'hui, vous avez vu j'ai mis un rythme un peu plus calme aujourd'hui parce que comme c'est du geekiga et tout, euh, je me suis dit euh, ça sert à rien de, de speeder à mort, il valait mieux bien prendre le temps. Euh, donc là j'ai un, un peu plus pris le temps aujourd'hui. Alors euh, neige rouge, est-ce que c'est lui qui a... Est-ce que c'est lui auquel il est sorti un deuxième truc Je crois pas. Je crois que c'est la promesse. Hein, la promesse. La promesse et c'est ça, peuple invisible. Donc ça, voilà, c'est bon. Alors, il fallait que je me rappelle un petit peu euh, du truc. Euh, J'ai lu un peu vos messages là. Euh, tu as présenté beaucoup de titres qui me hype, mais là, mademoiselle moins. Mais je peux comprendre, hein. c'est la belle. Et toi, Matho tu n'as plus de sous, mais tu vas acheter, euh, tu vas acheter iligier en rouge. Mais c'est cool, ça me fait plaisir si vous découvrez ça. Euh, et le Kumikyu, j'étais chaud, mais on le trouve. Les 2 à 35 euros sur le ouais, donc il faut trouver faut attendre la bonne affaire. Voilà, euh, n'oubliez pas, euh, comme je disais, hein, si vous commandez sur acuten vous pouvez avoir euh, 10 balles euh, gratos si vous créez un compte, et moi aussi, du coup, ça aide la chaîne et ça vous ça vous coûte pas plus cher. Euh, et euh, si vous commandez sur Amazon, il y a des liens, et après, pour soutenir la chaîne, euh, il y a le Patreon avec plein de contenu. Euh, Rappelez-vous que les patrons ont eu un live privé de 4 heures à eux. Donc c'était très cool. Donc euh, voilà, vous avez plein de possibilités pour soutenir la chaîne euh, si vous le souhaitez. Euh, pour toutes ces découvertes. Euh, alors, Neige rouge. Euh, donc pareil, un titre que j'ai lu il y a longtemps, mais je vais essayer de m'en rappeler. Euh, donc toujours chez Cornelius, puisque là on est, on est un peu dans le, le corner Cornelius. Je les ai tous achetés, les Cornelius. Donc du coup, hop. Alors... Donc j'aime beaucoup quand euh, ils éditent avec la couleur comme ça. Je trouve que ça donne un charme particulier à, à, au, au manga. Ça lui donne une identité propre. Euh, donc ça, pareil, c'est euh, des histoires de, euh, dans, de mémoire. Hein. Dans un Japon euh, euh, rural, hein, du début des années 1900, peut-être 20, 40, je ne sais plus. On le voit là avec les maisons, etc. Et ça avait des petites histoires comme ça de ce Japon-là. Et ce dont je me rappelle, c'est que euh, j'avais kiffé la lecture. Euh, j'avais kiffé la lecture, la narration, euh, l'ambiance, le, euh, les histoires qu'il raconte. J'avais adoré, euh, adoré justement euh, ce, ce pareil. Ce, je, je crois que je suis un peu amoureux de ce Japon euh, qui, euh, des années 20. Et, et la manière dont il raconte ce Japon-là, euh, chaque fois, ça, ça je ne vais pas dire que ça fait rêver, parce que c'est une époque qui, est, euh, qui était très difficile. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est, c'est toujours plaisant, c'est toujours prenant euh, la manière dont il le raconte. Et à chaque fois, moi, moi perso, j'en, j'en redemande quoi, j'en redemande. Et visuellement, je trouve qu'il euh, il y a une pâte graphique, qui est super jolie, ça fait un peu poétique par moment, ça fait tranche de vie, ça. Vous voyez là, des fois, il y a des, des, des planches comme ça là, très belles. Alors, j'ai plus le contexte de, de l'histoire pour vous, vous l'expliquer mais euh, c'est une belle découverte euh, au niveau de cette hauteur. Voilà, donc des petites tranches de vie de, de, du Japon de cette époque. Alors, je ne sais plus... Euh, je ne sais plus... Voilà. <laughs> Ce qui pisse avec un arc-en-ciel derrière. Euh, je, je ne sais plus s'il euh, y avait un suivi dans les histoires ou pas. Ou si c'était des histoires euh, indépendantes. Ah oui, voilà, je me posais la question s'il y avait un peu de fantastique, et effectivement, voilà, il y a un peu de fantastique, on voit les capas, là. Je me posais la question, je ne savais plus. Donc voilà, en train de chanter. Donc il y avait, voilà, les Lucioles. C'est les... super joli, hein. Donc voilà, c'est ça. Il y a bien les capages. Je me disais bien, il y avait un côté fantastique. Je me rappelais plus, mais c'est ça. Et donc, c'est assez léger. C'est assez. Euh, euh, c'est très agréable à lire. Je ne sais pas quoi dire en fait de plus, euh, à part me répéter. Alors, je vous montre les dessins pour que vous, vous puissiez. Désolé, je, je cadre mal parce que je rate mon livre et je ne rate pas la caméra. Normalement, la caméra, il faut que je comme ça. Mais là, c'est un peu dur pour moi. Euh... Voilà, avec un petit dossier à la fin. Euh, je, je vais regarder le, rapidement Neige Rouge. Alors, Neige... Neige Rouge, euh, le résumé, c'était voilà, un recueil qui nous plonge dans les contrées reculées du Japon, à une époque où le pays n'a pas connu l'uniformisation des méthodes de vie opérées. Alors, je vais vous montrer le, le texte directement. Je, je vous le lis. Euh, voilà, donc c'est une dizaine d'histoires courtes qui montre le quotidien d'hommes et de femmes de tout âge voilà pour façonner par les traditions les croyances donc voilà c'est vraiment euh, c'est ça euh, donc les relations humaines l'entraide euh, et c'est hyper plaisant à lire donc effectivement germain euh, euh, ben ouais, c'est je trouve que pareil visuellement c'est très très beau et c'est c'est un truc que je vous conseille euh, de, de découvrir donc voilà. Après c'est pareil, hein. il faut toujours être parce que je vois une note là, 11 sur 20 euh, qui dit que c'est un peu nul. Euh, non, en fait c'est qu'après il faut aimer ce genre d'histoire. Si on n'aime pas les histoires courtes où euh, on, on cherche pas spécialement de conclusion, on cherche juste à passer un bon moment dans un bel univers et compagnie, enfin une retranscription d'une époque, etc. Mais ben là on se régale. Si on cherche des break, des, 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 des tenants et aboutissants, c'est pas pareil. Et le dernier, et je, et je vais vous présenter ça ce soir, le dernier en fait, euh, il... Hop là. Je vais l'ouvrir. Euh, il y en a deux qui sont sortis. Je n'ai toujours pas lu euh, le deuxième. Je suis, euh, je suis un gros feignant, j'aurais dû. C'est un titre que j'attendais depuis très longtemps. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Donc... Euh... Alors attends. Je ne vais pas arriver à l'ouvrir. On va y arriver, on va y arriver. Je vais vous mettre sur le. Voilà. Et de. Il euh... y a le deuxième. Parce qu'au début, je mettais des scotch, mais je ne mettais pas de, de système pour les ouvrir plus facilement. Ce qui fait qu'en fait, euh, euh, bah, du coup, je galérais à enlever les scotch. Alors après, j'ai arrêté, mais tous les livres, euh, je ne me suis pas amusé à, à changer tous mes scotch. Donc là, je vais en profiter à chaque fois qu'il y aura des lives. Je vais refaire après mes scotch et tout. Je m'amuse, vous voyez, j'ai une vie trépidante à refaire des scotchs. Ah! Allez, écoutez, le suspense monte. Hein. Est-ce que vous avez trouvé l'œuvre? Je n'ai parlé vite fait tout à l'heure. Hop! Et non, toujours pas, je peux pas l'ouvrir. Là j'ai un scot il s'est cassé dans tous les sens. Et j'ai pas de couteau là. Ah, tant pis, j'ai tiré dessus, comme ça c'est réglé. Au moment ça m'a saoulé. Alors. Vous êtes toujours là Est-ce que vous êtes toujours réveillé parce que là, on arrive à minuit. Hein. On n'a jamais fini si tard. Mais là, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous pour finir euh, proprement. Voilà. Dites-moi qui est encore présent sur le chat. Là, on a encore une bonne vingtaine là. C'est minuit. C'est beaucoup déjà 20 pour minuit. Arnaud, toujours là. Mathilde. Euh, le masking tape. Alors, attends, du coup le masking tape, euh, je, je regarde exactement ce que c'est pour pas me planter. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est vrai que je pourrais faire ça. Mais mais j'ai trouvé un truc euh, différent. Mais c'est vrai que le masking tape, oui, et... ça pourrait être une idée. Matonjora, Tebion, vous êtes tous là, Nico, Tézukabel. Eh bien, allez, on y va. Euh, donc le dernier pour ce soir, c'est la promesse. Et la promesse, en fait, il euh, y a eu. Euh, c'est une anthologie en deux parties, euh, puisqu'il y a eu aussi Peuple Invisible qui est sorti. Euh, je vais vous montrer le. Tu peux pas l'ouvrir plus petit, toi Ok. Manganius, c'est pas, pas incroyable hein, comme site. Euh, et avec Peuple Invisible. Boris aussi présent, c'est parfait ça. Donc je n'ai pas lu Peuple Invisible, euh, hélas, mais c'est une anthologie euh, de cet auteur. Euh, donc, je vais vous parler de la première. Alors, pareil, hein, ça fait longtemps que je l'ai lu. Euh, j'ai pas tout en tête. Mais euh, de mémoire, voilà, c'était un recueil d'histoires courtes publié dans les années 60 dans le magazine Garou. Euh, ok. Allez, on va revoir un petit peu le contenu. Je sais que j'avais adoré La Promesse. J'avais, pareil, ça fait partie de ses œuvres. Quand j'ai découvert Cornelius, vous avez vu, il y en a un paquet à chaque fois. Je vous dis, j'ai ai adoré la lecture. Et à, une, et à cette époque-là, j'étais vraiment dans une époque, euh, une époque euh, comment dire, euh, de découverte en fait. Donc euh, toutes ces œuvres que j'avais trouvées incroyables, que j'avais adorées euh, parce que ben, je les avais compris et que ça m'avait touché, ou euh, que j'avais lu parce que ça m'avait euh, comment dire, euh, laissé perplexe, mais j'avais envie de savoir plus. Ça a été une époque pour moi où euh, je, je, je découvrais des œuvres fantastiques. Et, euh, et c'était. Euh, voilà, je suis très content aujourd'hui de, le, de les avoir et de, de les relire. Donc là, on est. Hop là. Voilà, vous allez voir au niveau dessin. Pareil, toujours ce côté-là. Donc là, on est encore sur les histoires, euh, cette fois de l'ère Edo, comme on voit. Donc des histoires qui ont été faites, comme je dis, dans les années 60, 70. Et, 10. Euh, et donc, du coup, le résumé, c'était quoi Voilà. Il y a des genres aussi variés. Voilà, C'est des, des genres variés. Donc, contes euh, japonais traditionnel. Des chroniques urbaines, euh, des histoires de samouraï, euh, Donc voilà, ils expliquent que, que l'auteur met en scène l'ambiguïté des sentiments humains. Euh, Qu'est-ce qui unit les êtres, les raisons pour lesquelles ils s'attirent, les malentendus, etc. Donc voilà, on est sur des récits, euh, euh, comme d'habitude, des récits de vie. Euh, donc toi, tu as aimé la promesse. Hein ok, oui, donc c'est celui-ci. Donc c'est parfait. Et euh, moi, j'avais vraiment aimé à l'époque. Et pareil, toujours des récits de vie. Euh, je me rappelle. Plus du tout honnêtement du contenu hein, donc là je vous ai juste lu le, le résumé et je comptais en fait me le relire pour lire au passage Peuple invisible comme ça je me refaisais les deux et, euh, et, et, euh, et j'aurais pu vous en parler pendant un live et c'est ce que je voulais faire mais j'ai pas eu le temps de lire euh, pour ce soir euh, donc ce sera l'occasion de revenir dessus pendant un live euh, normal enfin classique euh, et donc du coup, euh, bah, du coup voilà là vous pouvez voir les dessins et tout euh, récit de vie, encore à toutes les époques, et comme je vous disais, euh, sur les sentiments humains, etc. Et personnellement, j'avais adoré. Euh, le souvenir j'en ai, en tout cas, c'est que j'avais adoré la lecture. Donc, je vous montre les images parce que là, euh, je pense que euh, une image vaut mille mots, hein, comme on dit. Et si vous aimez pareil, le gekiga de cette époque, euh, toutes ces œuvres-là, bon, mais là, ce soir, euh, vous avez été mes servis. Hein. Là, je vous ai sorti toutes les œuvres Gekiga que j'avais quasiment. Il ne doit pas manquer grand-chose. Voilà, je vous montre un petit peu les, les pages. Un côté très cinématographique. Dans le découpage, peut-être. Dans, dans ce genre d'exemple-là, par exemple. C'est fort possible. Hein. En tout cas, je sais pas, j'aime bien, visuellement, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très cool. Et puis le, le fait qu'il y ait des histoires à toutes les époques, ça montre un peu aussi la diversité de l'auteur, ce qu'il est capable de faire. Bon, après, c'est une anthologie. Au début, je ne savais pas que c'était une anthologie. Je pensais que c'était euh, juste un recueil euh, sans plus. Et en fait, c'est ouais, une vraie anthologie, puisque si je vais sur son autre œuvre. Hop là, je vous mets des images en attendant. Vous avez que je peux faire deux choses en même temps, quoi. Et en fait c'est ça, c'est tout ce qui a été publié dans, dans le garrot apparemment. Ouais, il disent pas plus après. Celui-là avec la neige là, il est super beau celui-ci avec la neige là. Donc voilà, donc ça c'est fait. Tu disais quoi du coup euh, euh, la même que toi Voilà, donc Tezuka Bay qui est la même que toi, beaucoup de découvertes grâce à Cornelius, c'est la même période qui sortait les récits de Tezuka. Euh, J'y allais les yeux fermés. Euh, oui, je pense à la même période. Hein, c'est à peu près euh, en même temps. Hein. Il, avait une, il y a eu dans les années 2010 là, beaucoup de sorties euh, chez ces éditeurs-là. Et c'était euh, très cool. quoi. Euh, donc là, on a, on a fait, euh, fait toute la partie euh, euh, Gekiga. Il y a des livres que je n'ai pas pris exprès. Rapidement, je vous montre. Euh, mais les, je ne vous montre pas le contenu là. Il y avait celui-ci, celui-ci, il n'a pas trop sa place là. Il est plutôt de l'autre côté. Je le mettrai avec les autres livres. On en parlera pour, parce qu'il est dans cette bibliothèque-là. Je ne veux pas le zapper parce que j'ai peur qu'on le zappe après. Mais il y a celui-ci. Euh, celui-ci, on pourra en parler la prochaine fois avant la prison. Euh, et celui-ci, c'est un, un grand format, mais c'est du cago. Donc du coup, hop, cago, il va là. Euh, et est-ce que j'en parle maintenant de cela, comme ça c'est fait Parce que là, on n'est plus à sa prix, là maintenant. On est d'accord. Est-ce que vous êtes encore chaud pour rester 10 minutes de plus Et on le fait et on n'en parle plus. Comme ça c'est fait. Dites-moi. Vous allez être KO demain. Vous n'allez pas vous lever pour travailler, hein, je vous le dis. Hein. <laughs> Est-ce que vous voulez qu'on en parle vite fait De toute façon, il y en a pour 10 minutes. Hein. Zeno, il est toujours OK là. Merci Hugo en tout cas d'être passé. Nico aussi, elle est, elle est motivée. Nico, allez, allez, on les fait et puis comme ça, on n'en parle plus. Euh, et on va finir sur euh, un truc de, de féminin. Euh, avant la prison. Alors, je vais parler de que avant la prison. Euh, parce qu'il y a aussi après la prison et il y a d'autres anawa, d'accord Alors j'en parle maintenant, d'avant la prison, parce que euh, quand on va faire du anawa, euh, il y a la demeure de la chair, mais en fait, en vérité, il faudrait que je les mette tous ensemble, les anawa, et, euh, et là, c'est pas le cas. Donc, euh, donc du, coup, euh, euh, du, du coup, on va en parler maintenant. Et, euh, et comment ça s'appelle euh, Et euh, le jour où on fera anawa, on pourra toujours revenir un peu dessus. Allez, c'est parti. Courage Boris, demain à 6h. Moi je me lève à 7h, hein, donc tu sais, je ne vais pas dormir énormément plus. Alors Anawa, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait beaucoup de contes fantastiques euh, avec des yokai, des choses comme ça, des monstres. Il aime bien ces univers-là. Et en fait, il a, il a eu un petit souci, c'est que euh, c'est aussi un fanat d'armes à feu. Et, euh, et le problème, c'est qu'au Japon, détenir une arme, c'est totalement interdit. Et il va trouver une arme. Euh, totalement rouillé, et il va se mettre en tête euh, de, la, de la nettoyer. D'accord euh, Et donc, du coup, euh, on va au travers. Alors, c'est assez drôle le, la narration, parce que, euh, en fait, on va le voir en train de nettoyer son arme. Donc, ça, c'est auto autobiographique. Et au passage, il a mis des histoires. Euh, de Qu'il de, voilà, de, de... a l'habitude de faire, en fait, tout simplement. Alors, je passe, hein. je vous montre un petit peu graphiquement. Il a mis des histoires et on va retomber sur des passages où, j'essaie d'en trouver, où on va le voir à nouveau continuer à. Voilà, petit à petit. Alors, souvent, c'est des personnages qui se font toujours flageller. C'est affreux, ces personnages. Euh, tout ce qui y arrive, on en parlera dans les autres titres. Euh, et en fait, on le voit là, il est en train de d'enlever de, 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 de de, la rouille, en fait, euh, du truc. Et en fait, on, on lui a demandé de raconter une expérience, mais je pense qu'il ne devait pas trop savoir quoi raconter. Donc, il a préféré le mélanger avec des histoires classiques. Et là, on va le voir. D'un coup, vous voyez, il, y a, il y a le récit. Puis d'un coup, pouf, on passe sur lui. Et, euh, et il enlève les pièces une par une. Il tape, il montre ce qu'il fait, etc. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il explique tout, tout son processus de, de nettoyage de l'arme, très détaillé. Parce qu'en en fait, il a fait de la prison pour ça. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle « Avant la prison euh, ». Voilà. Et donc, on, il explique tout ça. Euh, je m honnêtement, je, avec euh, après la prison ou avant la prison, je les confonds. Euh, je crois qu'après la prison, c'est celui que j'ai pas aimé. Euh, je crois que celui-ci, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que justement, il y a ces histoires-là. Et ces histoires-là, elles, elles, elles restent intéressantes. Elles restent bien, puisque euh, la manière dont il raconte euh, son art, moi, je trouve pas ça. Je trouve pas du tout ça intéressant, honnêtement. Euh, enfin moi per per personnellement ça ne m'intéresse pas. Euh, mais l'histoire qu'il y avait avec là c'était euh, euh, pas mal de, de mémoire. Et voilà, voilà, genre, moi, le genre de plan d'armes tout, tout détaillé et tout ça me ah, ça me ça me laisse prends-toi. Euh, <laughs> ah ouais ouais. Donc là euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce que ce que je kiffe. Hein. Et, euh, et je préfère l'histoire. Sauf que, comme c'est très mélangé, je suis un peu. Euh, chaque fois, je suis un peu déçu. C'est à cette planche. Euh, donc voilà, donc je. je c'est pas. Moi, le, le, avant la prison, après la prison, c'est clairement pas mes préférés d'Anawa. Je préfère ces histoires fantastiques euh, ou la demeure de la chair. C'est limite mon préféré. Euh, parce que l'autre, on en parlera quand on le fera. Mais après la prison, il parle de son, son truc en prison. Et je. Qu'est-ce que je me suis ennuyé en le lisant et, euh, et je crois qu'avant la prison je l'avais relu l'année dernière et, et j'avais pas ultra kiffé non plus donc euh, voilà j'ai vu que toi t'avais avais tu t'avais adoré il t'avait marqué et moi il m'a pas marqué en fait euh, donc voilà <rire> Vichenson. <rire> exactement bienvenue sur la, la, la capsule Gun Gun et Gun et manga <laughs> donc voilà donc il y a ça donc je ne pas... C'est pas un manga que j'ai kiffé plus que ça. Euh, J'aime bien Nawa, mais c'est pas mes préférés. Je les ai pour la collection, on va dire, mais c'est tout quoi. Donc, euh, ah, c'est voilà, c'est dans la prison que tu pas aimé. Et moi, je, dans la prison, j'ai vraiment pas aimé celui-ci. D'ailleurs, j'ai même pas racheté la réédition chez les Arts Noirs, parce qu'il y avait 60 pages en plus et tout. Et j'ai déjà que la première lecture était compliquée. Me rajouter 60 pages de, de ça, ça me... Non, non, c'est bon. Je ne je, je l'ai pas pris. Et, et avant la prison, il est intéressant pour les petites histoires, mais comme c'est très imbriqué avec son problème de euh, la manière dont il nettoie son arme et tout, et au bout d'un moment, des fois, il dérive, il parle de, de l'armée, des machins, et ça, c'est pas intéressant, et ça casse un peu l'histoire euh, qui développe euh, à côté. Donc voilà, donc mitigé. Et là, pour finir vraiment ce soir, et après, on va arrêter, hein, parce qu'il faudra arrêter. Euh, on va parler de celui-ci Qui a lu, celui-ci. T'es dessiné, dessiné par Rokanashi euh, Blues. Voilà, ceux qui auront compris la blague, je les laisse euh, réfléchir. Voilà. <laughs> oui, de plus en plus tardif les lives, oui. Mais là, il fallait arrêter. Il n'y en a pas eu le mois dernier. Il faut arrêter au, au bon moment. Ah. À toi, c'est dans la prison que tu as adoré. Bon, ben là, moi, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, Mais c'est intéressant, justement. Mais n'hésite pas à dire pourquoi, justement, tu as préféré l'un à l'autre. L'art de la vulve, qui connaît ça Alors, il faut savoir que l'art de la vulve, c'est très intéressant parce qu'il y a sur YouTube, on va y aller, un reportage et je vous invite à le voir. Euh... L'art de la vulve, euh... il est où Alors, attends. Roku. Boro... Dena Shiko. Voilà. C'est celui-ci. Je vous le mets. Euh, copie le lien. Voilà, voilà. Je ne vais pas mettre des images parce que... Euh, parce que... Euh, euh, pour éviter les problèmes sur YouTube. Euh, mais en fait, c'est très intéressant puisque ça raconte, en fait, c'est euh, bio biographique. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, moi, ce, celui-ci. C'est-à-dire que cette, cette, euh, cette mangaka, cette artiste même, puisque elle fait plus que ça, en fait, elle a pris l'habitude de prendre des moules de son entrejambe et d'en faire des décors. Mais là, je ne sais pas. Hein, je vais être vie hein, avec tout ça. Ma toujours. Il euh, n'y a rien dans le reportage, mais c'est que on voit rien. Par contre, on voit la censure au Japon. C'est-à-dire que euh, ce qui est très intéressant dans le reportage, c'est que ce que je vais faire, je vais vous montrer des images. Je ne vais pas mettre la vidéo en lecture, mais je vais vous montrer des images. Voilà. Euh... Ah non, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. Ah, je vous ai pas envoyé le bon lien. J'ai bien fait de vérifier. Attends. Euh, mince. Alors c'est pas grave, il y a autre chose là, parce que c'est celui-ci. Bon c'est pas grave, il y a d'autres vidéos sur elle, euh, je vous laisserai découvrir, euh, tant pis. Mais là, là je ne revois pas si je le revois. Je vous le, je vous le montrerai, mais c'est dommage. Ah je suis déçu de ne pas le trouver. Attends, je vais le taper sur Google. J'ai tapé vidéo. Euh, reportage plutôt. D'une main, c'est pas facile. Euh, voilà, c'est là, super. En fait, c'est sur Vice. Voilà, c'est sur Vice, je vous l'envoie. Comme ça, si vous avez la flemme de le truc, hop là. Normalement, c'est celui-ci. Le paradoxe du sexe au Japon. Et en fait, on les voit, il y, y a beaucoup de fêtes. Euh, de fête au Japon qui euh, met en avant euh, tout justement le pénis etc et il y a deux nanas qui viennent déguiser en vulve en vulve voilà elles se font dégager euh, donc voilà c'est assez assez violent euh, donc du coup elle gère elle a fait un kayak avec sa vulve elle a fait tout comme ça elle a fait ce petit personnage et en fait elle raconte en fait les problèmes qu'elle a eu c'est à dire que on l'a euh, voilà elle explique elle fait un moule de son entrejambe de sa manco hein, puisque ça s'appelle comme ça au Japon de manière assez vulgaire euh, le manco et en fait elle fait des bulles on voit une bulle de Gundam <laughs> c'est énorme euh, et avec son kayak et tout et sauf un jour bah, la police arrive et euh, elle est euh, accusée d'un truc genre de d'incitation à la prostitution je sais pas quoi parce qu'elle avait donné un modèle 3D euh, de son entrejambe vous voyez, un truc comme ça, hein. ça partait dans un délire comme ça. Et elle va, faire de la, elle, va, elle va faire de la détention et tout, ça va durer plusieurs jours. Et elle est accusée d'obscénité. Donc le Japon ultra fermé, alors qu'il montre des tubs partout. Mais dès qu'il y a un vagin, ils ont peur, les, les Japonais. Et, euh, et donc du coup, c'est super intéressant parce que ça, ça revient sur sa, son, son côté artistique. Donc euh, là, et, euh, elle raconte ces ses, 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 galères qu'elle a eues avec la justice. Et il y a des passages qui sont très drôles. Parce que quand, elle prend, euh, quand les policiers prennent la déposition, ouais, c'est ça, police des bulbes, c'est exactement ça. Et euh, quand, quand le, les, les, comment ça euh, les, les, les policiers prennent sa déposition, ils sont obligés d'écrire ce qu'elle écrit. Et elle faisait exprès de dire Manco, 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 justement. Euh, donc, euh, genre, Machat, 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 pour qu'ils écrivent ça. Et, et eux, ils étaient là en train de se cacher parce qu'ils avaient honte d'écrire ça, en fait. Et elle faisait exprès de les provoquer et compagnie. Donc le dessin est très, très, très simpliste, hein, comme très souvent dans les autobiographies. Et euh, je trouve que, euh, que c'est très intéressant en fait, à la fois sur la mentalité, la mentalité japonaise, à la fois sur euh, ces femmes qui, qui bousculent euh, clairement euh, à coup de pied les lignes euh, imposées par, par, par le patriarcat qui est là-bas. Et, euh, et du coup je trouve ça vraiment génial euh, parce qu'on la, la voit après aussi euh, euh, commenter euh, etc. Euh, voilà, je vous montre un peu les, les images des mangas et c'est très drôle. Voilà, et euh... et donc voilà, c'est. Je, je trouve ça bien en fait, c'est bien qu'il y ait ce genre de bouquin. Donc, ça, je, si vous l'avez en médiathèque ou quoi, je vous conseille de le lire. C'est instructif, c'est intéressant et il euh, n'y a, a rien d'obscène au final dedans, hein, euh, du tout. Hein. Mais bon, voilà, c'est. Les, les mœurs euh, japonaises ont besoin encore de. De, de, de bouger. Et là, par exemple, ouais, euh, elle dit mais voilà déroulement des événements. Donc, du coup, il raconte. Et elle, tout ce qu'elle se retient, c'est qu'il dit vagin, 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 vagin en permanence. Quoi. Parce que là-bas, c'est un peu un mot tabou. Euh, donc, on la, on la voit. Avec, et du coup, bah, elle a été médiatisée. Et, et, et derrière, euh, euh, bah, derrière voilà elle, elle a eu gain de cause, je crois, de mémoire. Je ne me rappelle pas, moi, je l'ai lu, mais, mais c'était ça. Donc, voilà, c'était très intéressant. Et puis, on la voit on voit qu'elle est très, euh, très vivante. Très, très vivante avec son petit personnage, donc c'était une bonne lecture. Je suis content de, de l'avoir acheté. Je m'attendais à, à, J'avais vu en fait, j'avais vu le. Je l'avais vu sortir. J'ai fait Bon, est-ce que je dois l'acheter ou pas Est-ce que c'est un manga ou pas Et en fait, quand je suis tombé sur les reportages, j'ai vu les reportages avec notamment euh, les trucs du Japon et tout. Elle expliquait ce qui s'était passé. Euh, ben, je trouvais ça génial. Donc, du coup, je me suis mis J'ai dit Oui, oui, bah ben, ouais, je, je veux l'acheter en fait. Donc, euh, du coup, je l'ai commandé et je regrette pas du tout l'avoir commandé parce que c'était très très intéressant. Hop là, je, je regarde si euh, il si y avait un autre reportage, mais en tout cas, c'est ça quoi. Et, euh, et là, euh, je crois qu'il y a des vidéos plus courtes, je vous l'envoie aussi. Euh, toc, euh, vidéo YouTube directement, c'est plus simple qui dure une minute. Donc, si ça vous intéresse, peux-tu regarder celle d'une minute quoi? Hop là. Donc voilà, donc du coup euh, euh, et en plus vous voyez en, enfin en image ce qu'elle a fait quoi. Euh, donc voilà, c'était plutôt... C'était une bonne lecture. Je ne sais, voilà, sais pas si j'ai donné envie de lire ça à, à des personnes ou pas. a des personnes qui se sentent euh, plus engagées ou touchées par ces sujets-là. Euh, mais voilà, c'est un bon, un bon sujet euh, de féminisme euh, derrière. Et, et franchement, je, je suis content de, euh, de l'avoir. Euh, donc là, on termine. Bon, ça m'a fini tard. Euh, on termine du coup euh, enfin euh, l'étagère. Euh, là, si je vous montre un petit peu l'image ici, on a terminé parce qu'en fait, ce qui manque, c'est cela Alors, je vais récupérer mes awards Barbara parce que je les ai pas, euh, et parce qu'au bout d'un moment, il y avait plus de place, donc il fallait bien les mettre quelque part. C'est pour ça qu'ils sont là. Et euh, les Yokozuna, c'est de la BD, donc on, on pourra en parler, mais euh, c'est pas du manga. Et le reste, ben, on a tout fait là. Là, on a fait toute la ligne, hormis les cagots. Donc ce qui fait que la prochaine fois, on va pouvoir faire vraiment que de l'hérogoro. Ici. Euh, et je pense qu'on va pouvoir euh, aussi euh, définir la prochaine bibliothèque. Parce que je ne sais pas si ça fera une séance ou pas, cette bibliothèque-là. Mais euh, si ce n'est pas, si pas le cas, euh, mais au moins on aura la prochaine bibliothèque d'avance voilà, donc je vais lancer les votes demain, hein, parce que là euh, je vais aller dormir après, euh, je lancerai ça demain, mais pour rappel pour ceux qui euh, sont encore là et qui sont jusqu'au bout, restés jusqu'au bout euh, pour les Mangatech qui restent euh, il y avait donc la Mangatech numéro 1, où dessus on va avoir euh, donc des Rakaibu, audio tout ça mais surtout on va avoir des séries assez anciennes euh, de ce côté là, et on va avoir normalement des IMHO euh, donc pour la numéro 1, euh, je vous remontre un petit peu rapidement les, 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 les pièces principales. Hop là. Voilà, et on a tous les MHO ici avec pas mal de euh, d'autres de, titres comme les Garachi et, et compagnie. D'accord Donc il euh, euh, y a tout ça. Alors moi, mes bibliothèques, elles ont vachement changé depuis, mais on va se recaler à ça et on va se recaler avec tous les MHO qui sont sortis, etc. Euh, ensuite, on avait la 2. Donc, ça c'était pour vous mettre en avant les, les titres euh, les plus importants. On a la deux où, pareil, on a des vieux titres, euh, mais on va voir du Nyei. Ici, allez, vas-y. Je, je refais un petit tour rapide hein, pour vous montrer. Voilà, on a, on a du Nyei, on a du Ken, euh, on a des anciens titres, on a du euh, City Hunter et on a surtout du euh, les armoires à gogo. Vous voyez là, tous les armoires, il est là. Euh, donc, l'étagère 2, ça sera plus les armoires, si vous voulez ça. Et on a aussi euh, tous les mangas féminins, euh, beaucoup d'autrices de, de, féminines euh, ici. Donc, là, pareil, euh, c'est un euh, euh, un euh, une belle étagère, euh, une belle bibliothèque. On a la troisième, où là, on va avoir un petit peu de hantai, euh, des noms d'améquentabilés, des choses comme ça, des choses un peu plus anciennes aussi. Euh, et là, on va avoir des artistes aussi sur la troisième qui sont plutôt cool, euh, notamment du Kaneko, on va voir euh, du Harai, on va avoir du, du Saito, euh, on va avoir euh, donc du Takahama, mais ça bon j'ai fait des vidéos donc on pourra en reparler mais voilà, on a beaucoup de Saka comme vous pouvez voir ici donc pareil euh, pas mal d'indépendants donc là c'est une jolie bibliothèque aussi, ok et euh, et on a, attendez, génératé. Ouais, génératé, un truc hyper important. Voilà. Et on a du Shinomori aussi. Donc, euh, c'est quand même plutôt cool, la bibliothèque numéro 3. Euh, on a, et du Matsumoto tout en haut. Donc, ouais, la, la 3 est quand même très, très cool. Hein, en termes de, de, de contenu. La 4, c'est la Tezuka. Donc, du coup, ben voilà, là, je ne vais pas rester plus, mais vous avez une bibliothèque entière Tezuka. Et quand on les fera, on les fera tous, hein, comme ça, même si ça déborde sur d'autres bibliothèques. Euh, et après, en fait, on avait la 7, où là, on a du Taniguchi. Et après, on avait tous les mangas euh, que je n'ai pas lus. Mais je pense que quand on fera la 7, je ne parlerai pas des mangas que je n'ai pas lus. Voilà, comme ça, euh, ils pourront venir, on pourra le faire dans un dernier, dernier, dernier mangatech, les mangas que je n'ai pas lus. Parce qu'entre temps, si j'en ai lu, je pourrais en parler dans les lives Magatech. Voilà, je pense que c'est le, le mieux. Euh, donc voilà, donc euh, il va falloir choisir. Vous avez mes bibliothèques sont très diversifiées justement pour euh, avoir de tout euh, dedans. Euh, c'est fait exprès. Sachant qu'après, il y a aussi les box et tout, mais pour l'instant, je ne les mets pas. Ça, on verra plus tard les box. On verra en dernier euh, tous ces trucs-là. Euh, pour l'instant, je ne mets pas. Donc voilà, à vous de voir euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a. Euh, et je. je alors, Femme brûlante, mère aimante, euh, il n'est ne pas, pas dans mes bibliothèques, hélas. Euh, mais, euh, mais je pourrais peut-être faire une bibliothèque spéciale si tu me les envoies, Buffon. Hein, <laughs> mais la bibliothèque en taille, elle est dans la 3. Hein, avec les, les deux en taille qui se battent, là, Mutant et, et, euh, et, et Angel. Euh, donc, du coup, voilà, je vais, je vais balancer le quoi Quoique, le bot, je vais le balancer là, comme ça, ça sera fait. Et, euh, et donc. Euh, à vous de voter, faites-vous plaisir, choisissez celle que vous voulez, et, euh, et là je pense que ça va être euh, ça va être cool. Euh, de toute façon, la prochaine fois c'est Rogouro, et si euh, selon l'heure, selon le truc, etc. Euh, on verra si on attaque la suivante ou pas. Mais au moins elle est votée, et puis euh, d'ici euh, euh, d'ici qu'on fasse la prochaine, euh, les votes peuvent bouger, ils peuvent évoluer. Quoi. Euh, mais voilà, mais j'espère que vous avez passé une excellente soirée avec moi. Euh, que je vous ai présenté plein de titres qui ont pu vous intéresser ou euh, confirmer que ça ne vous intéressait pas en tout cas vous avez vu le manga euh, le gekiga le manga d'auteur et encore on n'a pas tout vu hein, euh, le manga alternatif etc c'est quand même euh, une, assez particulier dans le sens où euh, c'est pas accessible hyper hyper facilement mais quand on commence à gratter dedans, en fait, il y a des perles de lecture qui sont vraiment géniales à lire. Et autant, des fois, déstabilisant, et on ne sait pas trop quoi en penser. Et, et là, c'est ce genre de lecture, moi, je me suis régalé à lire. Le les, les seuil, les, euh, les, les piquets, les choses comme ça, c'était vraiment génial. Et Cornelius, comme vous avez vu, hein, il y a beaucoup de Cornelius, j'ai dit, j'ai kiffé. Euh, voilà. Et il n'y a que quelques certains titres qui étaient un peu plus obscurs. Euh, et je n'ai pas le, le souvenir parfait, mais il euh, y, y, y a que quelques titres où des fois je me disais euh, bon là j'ai pas compris, on verra ça plus tard quoi. Donc, euh, mais de manière générale, il n'y a pas beaucoup de titres où je me dis non mais ça vraiment je déteste, il faut que je le dégage. Euh, ça reste une poignée au final dans ma collection, euh, pas de là à devoir absolument les dégager, ça changera pas grand chose de les garder ou pas quoi. Euh, donc voilà, donc je suis content déjà qu'on ait exploré ça parce que je sais que c'était attendu. J'espère que c'était à la hauteur de vos attentes et que vous... ça vous a donné envie de découvrir ça. Euh... Donc euh, voilà, donc vous avez fait plein de découvertes, donc c'est euh, très cool. Et puis je vais vous souhaiter une bonne nuit parce que là c'est quand même déjà minuit 40. Donc c'est exceptionnel, hein. on est d'accord. Hein. La prochaine fois, si on finit à 11h parce qu'il n'y a pas assez des c'est c'est pas grave. Hein. Euh... Donc on, on, on va faire ça. Je vais lancer le vote à l'avance au cas où. Euh, comme ça, si vraiment finito, mais je pense pas. Il y a quand même, euh, je vous montre là, il y a quand même deux étagères entières, plus les coffrets, plus les trucs à faire. Rien que ça, déjà, je pense qu'on a, on a pas mal de temps. Eh bien, merci à tous, bonne nuit, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Je sais qu'il y en a qui se lèvent tôt, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas, euh, voilà, le, le, les soutiens sur la chaîne, euh, comme j'ai dit euh, plusieurs fois dans la soirée. Et sinon, euh, ben nous, on se retrouve en début de mois prochain, je crois le 2, euh, pour faire le, le live le, le habituel avec les news et les lectures euh, derrière. Et bien allez, je vous souhaite une bonne nuit tout le monde et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao